La princesse Angine, Roland au Avertissement de l'auteur. Lorsqu'une petite fille ne parle pas du tout comme une petite fille, il y a de fortes chances pour qu'elle n'en soit pas réellement une. Elle peut être à peu près n'importe quoi, même une maladie, ce qui n'est jamais très agréable. Pourtant, si la maladie est bénigne, on peut s'y attacher et la rendre chronique. Bien sûr, il serait plus sage d'aller consulter un spécialiste. Mais lorsqu'on s'y décide enfin, il est souvent trop tard. Moi, j'ai cessé de fumer, mais je ne vais pas mieux. Avertissement de l'illustrateur. Il est bien délicat de représenter des personnages dont on ignore au juste s'ils sont des petites filles ou des maladies. En désespoir de cause, l'illustrateur a préféré représenter l'énigme elle-même plutôt que de lui fournir une solution personnelle. C'est pour cette raison qu'il a composé des images largement inspirées par les rébus du XIXe siècle, ceux de Morisset en particulier. Chapitre 1 La route était rose avec des flaques blanches. Des deux côtés, les herbes étaient mouillées. Entre les buissons, des toiles d'araignée apparaissaient en pointillés de gouttelettes. Un escargot progressait difficilement au bord du fossé. À droite, il y avait un pré qui descendait en pente douce vers un ruisseau à peine large comme la main. On pouvait dénombrer cinq saules et deux noyers. En bas se trouvait une petite maison grise et plus loin toutes sortes de choses assez confuses, comme une maison en ruine, un moulin à eau, un jardin potager, une montagne. Et derrière, allez savoir. À gauche, c'était plus simple. Il n'y avait qu'un champ labouré à perte de vue. Quand on regardait bien, les modes de terre n'étaient pas toutes de la même grosseur et la couleur non plus était loin d'être uniformément brune. Mais en gros, il n'y avait rien de spécial. La route, à cause de la lumière ou de la pluie, disparaissait avant l'horizon. Tournait-elle, continuait-elle tout droit, il fallait y aller pour la prendre. Du pied, Jonathan effleura la surface de l'eau. Les fragments de son reflet, un instant éparpillés, se réajustèrent pour composer le portrait d'un jeune homme blond, d'une taille colossale, vêtu d'un blue jeans et d'une chemise beige au col ouvert. Le visage était rond, enfantin, avec des yeux protubérants, à moitié dissimulés sous les mèches claires, et une bouche grande et pleine. L'image fut de nouveau troublée par un crachat. Jonathan tira de son blue jean un paquet de Gauloises fripées, qui ne contenait plus qu'une cigarette cassée. Il glissa les deux bouts entre ses lèvres et les alluma simultanément à un briquet rouillé, emplissant les paupières à cause de la chaleur. Il froissa le paquet vide en boule, le jeta en l'air et l'expédia d'un coup de pied dans le fossé. Où une pierre l'empêcha de rouler. Un klaxon résonna dans son dos. Il se retourna et eut le temps d'apercevoir la masse de l'éléphant avant d'être projeté au sol. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le ciel était comme tout à l'heure lointain et blanc. Quelque chose lui chatouillait le cou. Machinalement, il se donna une claque. Cela fit rire la petite fille. Elle pouvait avoir une dizaine d'années. Elle était belle comme une femme, rousse avec des yeux verts. Sa robe mauve était sale et froissée. Sur la tête, elle portait une couronne de papier doré, semblable à celle dont les pâtissiers accompagnent leurs galettes pour tirer les rois. Vous n'avez rien, alors inutile de rester allongé pour que tout le monde vous plaigne. Comment est-il, princesse s'enquit une voix rocailleuse. Est-ce qu'il y a du sang S'il n'y avait pas ces fâches poils et ces taches de sang partout, comme le paysage serait joli. Il n'y a pas de sang. Vous pouvez venir, chancelier. Monsieur fait l'intéressant. Monsieur joue les grands blessés, mais monsieur ne paraît pas trop délabré. Serait-ce un espion au service de l'ennemi Il ne semble pas. Jonathan se souleva avec précaution, appuya de tout son poids sur sa cheville foulée et s'abattit en gémissant. Un vieillard rablé s'accroupit à côté de lui. Son visage était plus accidenté qu'un terrain montagneux et plus rouge qu'un coucher de soleil. Il sentait le vin à plein nez. Je ne peux pas supporter la vue du sang. C'est plus fort que moi. Je sais que pour un homme, un homme de mon âge surtout, c'est ridicule. Mais il n'y a rien à faire. Tout petit déjà, j'étais ainsi. Un jour, ma mère s'est ouvert le pouce avec un tire-bouchon. Je l'ai accompagné chez le pharmacien pour qu'il lui pose un pansement. Eh bien, le croiriez-vous C'est moi qui ai perdu connaissance. Ne dévoilez pas tous nos secrets, chancelier. C'est peut-être un espion après tout. Êtes-vous un espion, monsieur Je ne crois pas, souffla Jonathan. Si vous me mentez, gare Je sévirai. Elle se pencha avec compassion sur le jeune homme étendu et le pinça férocement à la cuisse. Ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend si vous me dissimulez la vérité. Elle sauta à pieds joints dans une flaque pour éclabousser la figure du blessé. Je crois qu'il est sincère, décréta l'ivrogne. Qu'y a t-il dans vos poches? Ce qu'il y a? Oui, montrez. Jonathan extirpa un par un les objets contenus dans son blue jeans. Il avait le briquet rouillé, un peigne où plusieurs dents manquaient, un vieux portefeuille en peau de serpent qui perdait ses écailles, une incisive de lapin, une bague en matière plastique, une photo de magazine représentant une actrice au torse nu et quelques pièces de monnaie provenant de différents pays. Il compléta la collection par une brosse à dents qu'il tira de sa ceinture. La petite et le vieux examinèrent avec beaucoup d'attention les objets qui leur étaient soumis. Finalement, le chancelier décida qu'il ne s'agissait pas d'objets magiques, si bien que Jonathan, quelle chance pour lui, pouvait les récupérer. Il paraissait déçu. Je m'appelle Angine, fit la petite, je suis une princesse, et lui, c'est mon chancelier, le marquis des vitamines, je suis une vraie princesse. Moi, c'est Jonathan. Hum. La princesse Angine enfonça l'index dans sa narine gauche et le tourna rêveusement. Qu'en fait-on, marquis On pourrait le découper en menus morceaux que l'on jetterait tout au long de la route pour retrouver notre chemin. On pourrait le plonger dans une cuve de vin pour voir à combien de litres il équivaut. On pourrait le vider et le remplir de plumes pour qu'il s'envole. On pourrait lui faire avaler tant de sandwichs aux gruyères qu'il deviendrait un grand trou. On pourrait l'obliger à chanter tant d'hymnes nationaux qu'il se transformerait en drapeau. On pourrait l'embrasser si fort qu'il fondrait de mélancolie. Et on pourrait le faire pleuvoir pour peu qu'il soit nuageux. On pourrait le faire suer pour peu qu'il soit brûlant. On pourrait l'emmener avec nous. Avec nous Y songez-vous, princesse Il n'en est pas digne Bien sûr, bien sûr. Il faudrait le soumettre à un examen de passage extrêmement sévère. Voyons, vous ne pouvez pourtant pas m'abandonner ici, sur la route, protesta Jonathan. J'ai la cheville foulée, je suis incapable de marcher. À ras de terre, le paysage changeait du tout au tout. C'étaient les herbes qui devenaient importantes à présent. Les montagnes avaient disparu, comme les saules d'ailleurs. Seuls les noyers demeuraient visibles, bien que considérablement tassés. Les jambes de la petite fille étaient maculées de taches, aux genoux, on devinait des croûtes, des écorchures, mais la couleur était d'un gris égal. La bride de l'un des souliers battait dans le vide. Le bas du pantalon du chancelier n'avait guère meilleure apparence, effrangé et raidi par des plaques de boue séchée. Les chaussures étaient craquelées en maints endroits, ce qui ne devait pas les rendre très étanches. Je ne connais personne par ici, reprit Jonathan. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Tss tss tss. N'en rajoutez pas. Vous adorez qu'on vous dorlote. Vous deviez être un drôle d'étudiant. Je ne saisis pas le rapport. Taisez-vous et révisez. Angine s'assit par terre dans une flaque. La tache d'humidité s'élargit sur sa robe. Seriez-vous disposé à subir un examen de passage Si c'était le cas, nous pourrions peut-être vous emmener. Mais attention, en cas de réussite seulement, les places sont limitées. Avec la meilleure volonté du monde, il nous est impossible de ramasser tous les gens que nous écrasons. On dit souvent qu'une bête est encombrante. Et un homme donc c'est bruyant, c'est sale, ça mange comme quatre, c'est intenable. Acceptez-vous J'accepte. Le chancelier sursauta. Oh la cargaison J'ai freiné si fort que les amarres ont dû se rompre. Et les lapins Mon Dieu Ils doivent être écrasés. Et la souris blanche Pourvu qu'elle n'ait pas été assommée par la pendule. Et les photos Si les bouteilles se sont renversées, elles doivent être complètement mouillées. Et les disques Ils sont sans doute rayés. La vaisselle, elle doit être en miettes. Oh, et poisson rouge. Je cours réparer les dégâts. Jonathan roula sur le côté pour le suivre du regard. Il découvrit le camion. Il ne s'était pas trompé tout à l'heure. C'était un vieux camion publicitaire auquel on avait donné l'aspect d'un énorme éléphant. L'animal était couleur fraise écrasée. Sur son flanc figurait en lettres noires l'inscription suivante Rien ne vaut le ton à l'huile. Le vieillard trottina jusqu'à la porte arrière qu'il ouvrit à l'aide d'une clé dorée. Il disparut à l'intérieur. Vous regardez notre lama demanda Angine. Non, je regardais l'éléphant. Vous voulez dire notre crocodile Non, l'éléphant du camion. Ah Vous voulez parler de l'ocapi Mais non de l'éléphant, là, sur la route Imbécile éclata Angine. Éléphant est un mot interdit. C'est un gros mot. On ne dit pas un éléphant, on dit une souris. Mais ce n'est pas la même chose. Qu'en savez-vous ils sont de la même couleur, grise ou blanche. Ce sont également des mammifères, et ils mangent de l'herbe. Ils n'ont pas la même forme, ni la même taille. Un petit éléphant est quand même un éléphant, n'est-ce pas Et une grande souris, une souris. Donc, la taille ne compte pas. Quant à la forme, c'est à s'y méprendre. Avec un peu de bonne volonté, c'est absolument pareil. Vous y allez fort Non, mais vous ne voulez pas y mettre du vôtre. En clignant un peu les yeux, l'illusion est parfaite. Écoutez. Olé, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, fit le bandit qui n'avait aucun sens de la synthèse. C'est une histoire assez difficile à raconter. Nous allons commencer l'examen immédiatement. Ne profitez pas de l'absence du marquis pour sauter sur moi. Je suis ceinture noire de karaté. Jonathan trembla de peur. Je serai d'autant plus sage que je ne peux pas bouger. Tant mieux. Répondez. Il faut quinze minutes, dix secondes pour remplir la baignoire. Quel était le problème Elle était trouée, je suppose. Non, zéro, très mauvais. Le robinet marchait mal. Que préférez-vous, devenir aveugle, manchot ou cardiaque Ben, je ne sais pas. Choisissez aveugle. Dans le pot, citez-moi trois affluents du fleuve Amour. Je ne les connais pas. Enfin une bonne réponse. Ce n'est pas trop tôt. Suis joli. Oui, très. Pourquoi Parce que parce que vous avez des yeux très beaux. Exact. Et encore un nez très fin. Oui, c'est tout. Une bouche ni trop grande ni trop petite, et très rouge. Angine battit des mains, emportée par son enthousiasme. Bravo, bravo, je vous adore. Elle se releva d'un bond, se précipita sur Jonathan, qu'elle couvrit de baisers. Vous avez réussi. Marquis. Chancelier. Le chancelier apparut à la porte du camion, une bouteille de vin à la main. Princesse, il a réussi, mon brave marquis. Il va venir avec nous. Aidez-moi à le transporter. Avec le secours du marquis, Jonathan fut hissé dans le camion. On pouvait distinguer dans la pénombre toutes sortes d'objets enchevêtrés. Il y avait aussi deux lits de taille inégale, et sur le plus grand, trois lapins blancs finissaient un repas de lettres et d'enveloppes. Angine les chassa pour laisser la place à Jonathan. Il faudra acheter un autre lit, ronchonna le chancelier. Où prendrons nous l'argent Dans le trésor royal. Le chancelier devint cramoisi de colère. Pas question. Défense et interdiction. Je suis le gardien de l'héritage. Je veux qu'il soit intact à votre majorité. Mon pauvre vitamine, tu dis n'importe quoi. Un petit objet de plus ou de moins, quelle importance Énorme, énorme Le chancelier porte la bouteille à ses lèvres et bu au goulot. Sans l'héritage, votre oncle ne voudra pas se charger de votre éducation. Et plus tard, vous aurez besoin d'une dot pour vous marier. Il faut garder ces objets comme la poutre qu'il y a dans vos yeux. D'ailleurs, vos adversaires seraient trop heureux de ce prétexte. Ils prétendront que vous dilapidez les trésors de la couronne. Ils exciteront le peuple contre vous et leur royaume vous échappera. Et toi, tu n'as plus de sous L'argent de la retraite n'est pas encore arrivé. J'ai tout juste assez pour la nourriture et pour l'essence. Ensuite, votre oncle m'aidera. Je le sais, mon brave marquis. Tu ne seras pas oublié. Avec ta retraite et la pension que te versera mon oncle, tu pourras t'acheter des pneus neufs. Et vous, Jonathan, j'ai cru voir un billet dans votre portefeuille. Jonathan lui tendit le billet demandé. Plus tard, le camion se mit à rouler. Le jeune homme ne tarda pas à s'endormir, tandis que la princesse récitait à mi-voix une fable où il était question d'un amiral abandonné dans une arrière-boutique. Chapitre II Une main se posa sur l'épaule de Jonathan et le secoua. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité. Comment vous appelez-vous J'ai oublié votre nom. C'était Angine. Elle chuchotait. Jonathan. Jonathan. Ne faites pas de bruit. Je crois qu'ils sont là. Ils rôdent. Qui rôde Les ennemis de la couronne. Le chancelier est dans la cabine. Il dort sur la banquette. J'ai peur. N'ayez pas peur. Je suis là. Dans le silence, la respiration de la jeune fille produisait un bruit démesuré. Il parvenait à lutter avec celui des cinq ou six horloges qui se trouvaient dans le camion. Jonathan Oui. J'ai vomi. Quoi Je suis malade. Alors j'ai vomi. Mais je vais nettement mieux maintenant. Ce doit être à cause des glaces que j'ai mangées tout à l'heure, avant de vous écrabouiller. J'en ai mangé quatre énormes. Oui, ce doit être les glaces. Jonathan posa son pied valide par terre et fit un essai de marche avec sa cheville blessée. C'était possible. Comment allume-t-on Attendez, je me lève. Il entendit se déplacer, puis la lumière jaillit. Une lumière diffuse qui provenait d'une lampe située derrière un amas de meubles recouverts de housses. Angine était pâle et ses yeux cernés révélaient les tourments qu'elle venait d'éprouver. Son lit était souillé en de nombreux endroits. Elle regarda Jonathan d'un air coupable. J'ai mangé trop de glace, hein? Sans doute. Aidez moi à prendre les draps. Qu'en fait on? On va les laisser dehors. Demain, le marquis les lavera. Vous avez des draps propres? Oui, il doit y en avoir dans le bahut. Jonathan refit le lit. Elle le regardait sautiller avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux. Quand il eut terminé, elle lui demanda. « Quel est votre grand nom ?»« Il est imprononçable. Dites-le quand même. Jonathan comment ?»« C'est Et maintenant, dormez. »« C'est un joli nom, mais le mien n'est pas comme commun non plus, n'est-ce pas ?»« Oui. Vous ne vous déshabillez pas pour dormir ?»« Je ne me suis pas déshabillé tout à l'heure parce que vous étiez là. »« Je peux sortir si vous le désirez. »« Oh non Maintenant, ça n'a plus d'importance. Je vous connais. »« Bonne nuit. »« Bonne nuit. » Elle éteignit la lumière, se déshabilla dans le noir et se glissa dans son lit. Jonathan palpa sa cheville. Elle était chaude et gonflée. Il lui faudrait un moment avant de pouvoir marcher normalement. Jonathan Quoi Vous voulez une cigarette Oui, soupira-t-il. Attendez, je vous en apporte une. Effectivement, un peu plus tard, elle s'approcha du lit dans l'obscurité. Ouvrez la bouche, je vais essayer de la mettre dedans. Il ferma les yeux à temps pour ne pas être éborgné. Puis l'extrémité de la cigarette s'introduisit dans sa narine gauche, parcourut la joue, remonta dans les cheveux. La fillette gloussait d'impatience. Je suis égarée Où se trouve votre bouche Actuellement, vous êtes trop haut. Guidez-vous sur le son. Là Non, ce sont les oreilles. Là Non, non, pas par là. Sans prévenir, la cigarette fit irruption dans sa bouche. Elle entra jusqu'à l'arrière-gorge. Il manqua d'étouffer et dut se redresser pour tousser à l'aise. Angine riait comme une folle. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Il alluma sa cigarette. À la lueur de la flamme, il entrevit son corps gracile qui s'engouffrait sous les draps. Il fuma la cigarette jusqu'au bout, éteignit soigneusement le mégot et s'endormit. Il fut réveillé par une violente secousse. Le camion se mit à cahoter puis s'immobilisa. Le jour pénétrait par la porte qui s'était ouverte. Jonathan promena un regard ahuri autour de lui. Il régnait un fouillis indescriptible. Des vêtements sales jonchaient le sol, des ustensiles de cuisine voisinaient avec de vieilles chaussures. Une baguette de pain entamée gisait sous l'armoire parmi les flocons de poussière. Tout un peuple invisible s'agitait furtivement dans l'ombre. La petite et le vieux devaient être à l'avant. Il s'habilla avec difficulté, gêné par sa cheville. Il ne pouvait même plus se déplacer en sautillant. Le moindre geste le faisait grimacer. La tête du chancelier apparut. J'ai crevé, dit-il. Vous n'avez pas vu la roue de secours Non. Alors je dois l'avoir mise ailleurs. Il repartit. Ensuite, ce fut au tour de la princesse. Elle méritait autant ce titre par la grâce et la dignité de son maintien que par sa couronne de papier, laquelle était en piteux état. Rien ne pouvait se lire sur sa figure des malaises de la nuit. Elle eut un sourire espiègle. Je me souviens de votre nom. C'est Pièce Radelot. Pas tout à fait. Enfin, ce n'est pas mal. On a crevé, dit-elle vexée. Le marquis change la roue. Savez-vous ce qu'il m'a dit avant-hier Qu'il ne voulait pas manger du blanc de poulet, mais du pied de poule. Voulez-vous venir à l'avant avec nous Je veux bien, mais je suis incapable de marcher. Ma cheville est très enflée. Un peu de modestie ne vous ferait pas de mal. Devinez à quoi j'ai rêvé cette nuit Je ne sais pas. Au glace Elle gloussa. Quel nigo vous êtes Je n'ai pas rêvé cette nuit. C'était pourtant évident. Elle rapprocha son visage comme si elle voulait l'embrasser. Regardez mes yeux. Ils sont verts, n'est-ce pas Eh bien, lorsque j'ai rêvé, ils deviennent franchement grenats. C'est simple. Vous avez faim Alors il y a une surprise pour vous dehors. Quand le chancelier eut fini de changer la roue, il aida le jeune homme à sortir du camion. Celui-ci était garé sur le bas-côté de la route. Un torrent coulait à proximité. Plus loin, des vaches dans un pré examinaient l'éléphant avec une curiosité morbide. Malgré le soleil qui brillait dans un ciel pur, il ne faisait pas très chaud. Voilà pour vous, s'écria Angine, en désignant les vaches. Du lait et de la viande au petit déjeuner, ce sera suffisant. Découpez en vite une, nous vous avons attendu pour manger. Nous mourrons de faim. Elle tendit à Jonathan un couteau de cuisine. Comment Vous voulez que je tue une vache Vous avez faim, oui ou non Vous avez dit oui, alors qu'est-ce qui vous retient La qualité de la viande Elle a l'air tendre. Qu'en pensez-vous, chancelier Elle semble excellente. Bien préparé, le civet de vache est un régal, qui ne laisse pas indifférentes les mouches elles-mêmes. Pourtant, Dieu sait si elles sont difficiles. Notez, princesse, que ces bêtes peuvent être vénéneuses. Nous devons nous méfier de tout dans notre position. Il serait plus sage de manger au restaurant, mais les risques subsisteraient. Certains cuisiniers empoisonnent jusqu'à leur menu. D'ailleurs, nous n'avons pas assez d'argent. Décidez-vous, Jonathan. Il est midi passé. Est-ce que nous ne sommes pas un vendredi? demanda soudain le chancelier. Ils comptèrent tous ensemble sur leurs doigts. C'était bien un vendredi. Le vendredi, la viande a un goût de poisson, expliqua le chancelier. Or, je déteste le poisson. Ils se contentèrent donc de lait en poudre et de thon à l'huile. Il y en avait assez pour nourrir dix hommes. Après quoi, installés dans la cabine avant, ils reprirent la route. Ils tenaient tous les trois à l'aise sur la banquette. Elle était assez confortable malgré son aspect peu engageant. La sorte de caoutchouc dont elle était faite s'écaillait, laissant apparaître des plaies blanchâtres dans le versal. Le tapis de sol était jonché de détritus variés, plus ou moins recouverts de boue. Les chaos de la route faisaient aller et venir plusieurs objets cylindriques tels que des bouteilles, boîtes de conserve ou gobelets en aluminium. L'odeur d'essence était presque insoutenable. On finissait par s'y habituer pourtant, ainsi qu'au bruit de casserole du moteur. La petite était assise entre le chauffeur et Jonathan, elle avait dû se laver, puisqu'elle avait encore du savon dans les oreilles, se peigner aussi, car sa chevelure rousse était moins désordonnée que la veille, mais elle ne s'était certainement pas changée. Sa robe ressemblait à un chiffon, ses soquettes à des pansements sales. La bride cassée de son soulier n'avait pas été réparée. Le vieux n'était pas plus présentable. Sa barbe avait poussé, nivelant un peu les accidents du terrain, mais répandant en contrepartie une ombre malsaine sur l'ensemble du visage. Lui non plus ne s'était pas changé. Il portait comme la veille un complet marron à fines rayures claires, une chemise de coton blanche et une cravate en tricotine noire. Enfin, on devinait qu'à l'origine, il avait dû en être ainsi. Le chancelier conduisait avec une irrégularité remarquable. Tantôt, il poussait de folles pointes de vitesse, tantôt, et ceci sans raison apparente, il se maintenait à l'allure d'un piéton obèse. Parfois, il donnait de brusques coups de frein. Parfois, il détournait le camion afin d'éviter d'invisibles obstacles. Dès qu'il avait touché au levier des vitesses, il buvait au goulot d'une bouteille de vin qu'il tenait de la main droite. C'était très fatigant pour les nerfs. Où allez-vous questionna Jonathan, les yeux fixés sur la route. Chez mon oncle, répondit Angine. Puisque vous m'avez posé une question, j'ai le droit de vous en poser sept. Si vous donnez votre langue au chat, je vous débarque. Ne pourriez-vous pas remettre ces questions à plus tard Je suis un peu fatigué. La princesse regarda le chancelier d'un air entendu. Et celui-ci, au mépris du danger, fit de même. Le camion déporté sur la gauche frôla un autocar qui venait en sens inverse. Si monsieur est trop fatigué pour répondre à cette malheureuse question, il l'est beaucoup moins pour en poser une, et de son invention encore, alors qu'il est bien plus difficile d'inventer des questions que d'y répondre. Un long silence boudeur suivit cette déclaration. Jonathan finit par céder. Je répondrai si le chancelier regarde droit devant lui. Ne vous inquiétez pas, il ne nous espionnera pas, je vais lui bander les yeux. Non, s'il vous plaît, et je réponds sans condition. Première question. Les centaures sentent-ils mauvais des sabots? Uniquement lorsqu'ils ne se lavent pas. Les centaures d'hygiène qui prennent leur bain hebdomadaire n'exhalent pas la moindre odeur malhonnête. Vous entendez, chancelier? Ne me racontez plus que vous êtes un centaure. Deuxième question. Combien de temps contient une montre? Une quantité variable. Pour l'évaluer avec précision, il faudrait s'adresser à une autruche. Elles ont sur l'horlogerie des connaissances illimitées. 3. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV et celle d'Henri IV par-dessus le marché Henri IV était vert de peur, ce qui rendait son cheval rouge de honte, et vice-versa. 4. A-t-on le droit d'écrire avare avec un seul A Oui, si on manque de place. 5. Possède-t-on une oreille pour le français et une autre pour l'anglais Cela peut arriver lorsqu'on possède également deux langues. 6. Êtes-vous un révolté Oui, malheureusement, dès que je ne suis pas content. 7. Qu'ont donc les cul de que les petits bateaux n'ont pas Une maman. Le chancelier lâcha le volant pour applaudir des deux mains. Le camion fit une embardée et monta sur le talus. Sans s'émouvoir, le vieillard reprit la direction du véhicule. Mon garçon, vous vous en êtes bien tiré. Je m'y connais en homme. Vous irez loin. C'est des gens comme vous dont la princesse a besoin pour combattre l'odieuse conspiration ourdie par la répugnante Madame Gugine et par le sinistre Colbetoff avec la duchesse Biscotte, le margrave de Gruyère et leur nervi. Cette sinistre engeance a étendu ses tentacules sur notre bien-aimé royaume. Le peuple trompé, excité, abusé, s'est révolté. Vous savez comment vont les choses? Bientôt les penseurs s'en mêleront. Puis la science. Ce sera l'anarchie. On punira les coupables, on ouvrira les écoles, on fondera des musées, et ce sera l'abomination. Certes, la princesse est restée populaire. Elle n'avait qu'un mot à dire pour garder le pouvoir. Mais quel mot Il est dur de parler aux illettrés. Ils risquent de prendre un mot pour un autre, de se vexer, de se fâcher. Non, croyez-moi, il vaut mieux ne rien dire et s'enfuir. Comme vous savez, je ne supporte pas la vue du sang. Celle du mien m'est particulièrement odieuse. Le margrave et la duchesse, conseillés par les rusés Gugine et Kolbetov, ont habilement exploité la situation. Ils s'acharnent sur la princesse pour la dépouiller, l'abattre, l'anéantir et me retirer le pain de la bouche. Moi, je suis trop faible pour lutter contre eux. Il fut un âge où j'aurais fièrement relevé le défi. Mais qui puis-je espérer vaincre aujourd'hui, avec ma retraite des vieux et mes varices Mes dents sont carriées, mon ventre ballonne, de petites croûtes scellent mes paupières lorsque je m'éveille, mes os grincent. J'éprouve pour les bonbons une passion suspecte. De ville en ville, je cours à la poste restante pour toucher ma retraite en vain. Elle doit me suivre ou me précéder. Jeune homme, si vous étiez d'accord avec une seule syllabe de mon discours, nous aurions l'occasion de fêter cette entente cordiale en buvant une bouteille de vin. Oui ou non D'accord. Le chancelier stoppa l'éléphant et se mit à pousser des cris inhumains. Il est heureux, expliqua Angine. Il n'en a plus l'habitude. La crise risque de le terrasser. Dites-lui vite quelque chose qui le rende malheureux. Chancelier, hurla Jonathan pour dominer la vocifération de l'ivrogne. La seule syllabe qui me donne satisfaction est la syllabe non. Le vieillard se calma. Il reprit sa couleur normale, c'est-à-dire rouge brique. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, dit-il en jetant des regards étonnés autour de lui. J'ai dû avoir un cauchemar. Vous m'arrêterez devant un bureau de tabac, demanda Jonathan, comme le camion démarrait. J'achèterai des cigarettes. Et moi, je remplacerai mes bouteilles vides par des bouteilles pleines. Vous me ferez penser à acheter de l'herbe pour les lapins, intervint Angine. Celle de la route est si mauvaise qu'ils sont tous froids et immobiles. Comment, princesse Les lapins Le trésor fond à vue d'œil. Je suis un misérable qui mérite bien une bosse. Le camion quitta la route et s'en alla percuter un poteau surmonté de l'inscription suivante Bienvenue à Lourdes. Par bonheur, la trompe de l'éléphant amortit le choc. L'ivrogne dégagea le camion et pénétra dans ce qui avait dû être une ville un jour. Je suis un misérable, murmura-t-il, les mâchoires serrées, mais je saurais reconnaître un bureau de tabac. Chapitre III Jonathan fumait une cigarette, allongé sur son lit. Le camion était garé devant la poste où le chancelier s'était rendu en compagnie d'Angine, dans l'espoir de toucher enfin sa pension. Il y avait un tas de vieilles cartes postales de lettres près de lui. Il en prit une poignée. Toutes émanaient d'expéditeurs différents et portaient mystérieusement comme destinataire Monsieur Courandère, 34-12. Au dos d'une carte représentant un petit garçon à la chevelure bouclée, assis sur une sorte de trône, il lut. Mon très cher ami, j'espère que vous me permettrez de vous appeler ainsi, plutôt que de dire mademoiselle ou monsieur, ce qui est bien cérémonieux. Mon très cher ami donc. Je commence par vous apprendre que je suis Roselle, une des sœurs de Bébilas, et par vous envoyer un bonjour affectueux. Vous saurez que l'autre jour, nous étions mes onze sœurs et moi appliquées à faire nos devoirs dans la salle d'études, quand monseigneur arriva. Mes enfants, nous dit-il, je suis venu vous faire un plaisir et un chagrin, c'est-à-dire un plaisir à l'une d'entre vous et un chagrin à une autre. Toi, Roselle, qui as une si belle écriture, coupe douze petits morceaux de papier. Écris sur chacun d'eux un prénom. Tu mettras les douze papiers dans la corbeille et Roselinette, qui est la plus jeune d'entre vous, les tirera un à un. Eh bien, mon cher ami, c'est à moi qu'échut la joie et le chagrin fut pour Rosalba. Je vous embrasse, Roselle. Jonathan se gratta la tête en contemplant le texte qu'il venait de déchiffrer. Il l'abandonna pour s'attaquer à une longue lettre tachée par l'humidité. Mon cher courant d'air. Donne-moi des nouvelles de ce pauvre oiseau mouche, ainsi que des tiennes, puisque tu es encore souffrant, et sois assuré que j'aurai bien de la joie si elles sont bonnes, car je vous aime tous les deux. Transmets le bonjour de violette russe à crème au chocolat, de Little Pussy à une fillette d'une douzaine d'années, ayant un frère qui s'appelle Jean, de Muguette du Moncel à Sapin du Jura, de Mademoiselle X à Riquette sans houpe de June Flower à Évaporé, de Reflet du Danube à gerbe d'or. De personnage du cher à comtesse aux pieds nus, de Fiametta à l'aîné des bruyères des Pyrénées, de Petit bout de la Famille à Mystérieuse, de fil électriques à Sabot de la Vierge, de Kem à rire à Amiral quand même, de Muguet du grand-père à Zizi Pampan. Jonathan ne prit pas la peine de continuer. Une autre carte postale paraissait plus récente. Elle représentait un jeune homme et une jeune fille étroitement enlacés au fond d'une barque, avec, se reflétant dans la mer, une lune en forme de cœur. Derrière, adressé au même courant d'air, ce curieux message. « Premier baiser, amour. Tendresse, amitié. Souvenir, poignée de main, réclamation de confidence, de brise du désert, de franchise postale et de glace au chocolat. »« Je le savais que vous étiez un espion !» clama Angine surgissant derrière Jonathan. « Vous fouillez dans mes affaires !»« Eh bien, figurez-vous, monsieur, que c'était justement un piège. Vous allez être fusillé j'ai peut-être été indiscret, mais je m'ennuyais sans vous. Et ces lettres étaient là. D'ailleurs, je n'en comprends pas un mot. Bien sûr, vous vous croyez plus malin que tout le monde. Ce sont des lettres magiques. Qui est M. Courandère C'est votre père Inutile de me poser des questions. Je ne vous répondrai pas. Est-ce que vous voulez voir fonctionner une lettre magique Avec plaisir. Alors, attendez. Il faut que j'aille prendre de l'eau. Il y a une fontaine tout près. Je reviens. Effectivement, Angine ne tarda pas à reparaître avec une casserole pleine d'eau qu'elle fit chauffer sur un réchaud à alcool. Quand l'eau se mit à bouillir, elle y plongea quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer comment l'on procède. Elle choisit une lettre dans le tas et commença la lecture à haute voix. La sirène de midi. Ses yeux manquent peut-être d'expression, surtout quand elle est frite. Mais quel régal quand il s'agit de la sirène de midi. À la chair grasse et fine. Honneur de la table. Gloire des lacs. D'une délicatesse qui lui fait honneur et d'un goût exquis. La sirène de Midi se trouve partout, mais partout elle est rare. Les plus estimées nagent dans les grands lacs des Buttes-Chaumont et du bois de Boulogne. Son poids est souvent de 54 kg. Toute différente des autres sirènes, elle a le corps élancé, la tête bien faite, le nez pointu. Sa robe est à carreaux, lisse et douce comme sa peau. Ajoutons des écailles fines et rares que le cuisinier respecte. La sirène de midi est un relevé hors ligne. Voici sa recette. Après avoir drogué la sirène de midi, vous en piquez la chair de truffe cuite. Puis, vous la couchez dans un plat sur un lit de légumes émincés. Mettez du beurre, assaisonnez, couvrez de bardes de lard et de vin de bordeaux roux jusqu'à la mi-hauteur du plat. Faites bouillir pendant 10 minutes. Après cette première opération, vous passez au tamis la cuisse de la sirène de midi. Vous délayez un petit roux que vous liez avec cette cuisse et vous laissez cuire lentement pendant 20 minutes. On la sert entourée de quatre colonels décorés aux truffes du Périgord, deux de chaque côté de la sirène. Entre ces deux colonels, d'un effet très martial, on dispose un ragoût de laitence, de truffes et de champignons. C'est charmant et délicieux. Braisé dans le vin blanc, la sirène de midi est parfaite. Quelques gourmets la préfèrent au court bouillon. Servie soit avec une garnison anglaise, soit avec une garnison suisse. Exquise aussi, la sirène de midi farcie à la hauteur de la blouse selon les principes d'Archimède, et l'on bride avec soin sa jolie tête pour en conserver la forme originale. La sirène de midi ennoblit toutes les sauces. Dorée sur le grill, servie avec un ragoût d'oreille de souris blanche, elle est excellente. Au bleu, c'est un régal. Cuite dans la cocotte. Humectée de larmes brûlantes, mouillée d'un bon Bourgogne, elle aime à mijoter dans les vapeurs odorantes de l'oignon, du persil, de la sauge, de la ciboulette, du thym, de l'estragon et du laurier. Quand la sirène de midi est dans la fleur de l'âge, grassouillette et spontanée, une adolescente, je la veux frite sous une coupole de persil artistement rissolée. Marinée dans du vinaigre rosé d'Orléans, avec thym, muscade et laurier, on l'enfarine très coquettement pour la glisser dans la poêle fumante. À moitié cuite, jetez-la dans une fosse d'aisance, avec des œufs roulés dans la farine, de sorte que ses bouchées choisies aient l'aspect d'un mets doré. Saupoudrée de sel fin, la sirène de midi, couronnée de semences et d'œufs, fait une apparition acclamée sous un dôme de persil. Savourez la sirène de midi, réjouissez-vous de sa chair excellente, amie du sauterne, mais, pour la quiétude d'une digestion heureuse, ne regardez pas ses yeux auxquels la friture a mis comme un voile d'or. Et dont l'expression mystérieuse rappelle le regard vague et troublant d'une momie du temps des pharaons. Faites plutôt dire une messe pour le repos de son âme et pour celui de la vôtre. Angine reprit sa respiration et courut vers la casserole dont l'eau se recouvrait d'écume. Où est la magie demanda Jonathan. Qu'est-ce que cela signifie Ça ne veut rien dire, mais l'œuf à la coque est juste à point. Mangez, vous m'en direz des nouvelles. Elle le sortit de la casserole et le cala dans un petit verre. Du pain et un quart de beurre le rejoignirent sur la table. Si je comprends bien, le texte que vous m'avez lu sert uniquement à mesurer le temps de cuisson d'un œuf à la coque. N'est-ce pas merveilleux Je n'ai plus besoin de montre. La lettre me suffit. C'est un grand magicien qui en a fait cadeau au roi, mon père. Où est le chancelier A-t-il touché son argent Non, ce n'était pas encore arrivé. Il a été vendre son alliance. Il est donc marié Naturellement. Il a même des enfants. Une vingtaine, je crois. Mais ils sont très malades. Sa femme est riche, elle possède plusieurs maris. Et la reine, votre mère Comment Ignorez-vous que la reine a été transformée par la méchante Gugine en armoire à glace, et qu'elle se trouve avec nous dans ce camion, vêtue de notre plus belle housse Je ne peux pas la retirer, car ce ne serait pas convenable de voir la reine toute nue. Où demeure donc votre oncle Est-ce loin Ce n'est certainement pas tout près, car si cela était, nous y serions déjà. Angine repoussa un tas d'objets pour atteindre une table de nuit dont elle ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvaient empilées plusieurs boîtes de conserves. Elle en choisit une qu'elle ausculta avec le plus grand sérieux. Dieu merci, les poissons rouges sont bien portants. Quand ils seront mûrs, nous les cueillerons. Maintenant c'est encore trop tôt. Ils sont verts et donnent la colique. La cueillette des poissons rouges est très amusante. Les jeunes gens et les jeunes filles chantent et dansent. On entasse tous les poissons dans de grandes cuves et on piétine dessus pour en extraire le jus. Il faut faire attention à cause des arêtes. Plus tard, on boit du jus de poisson toute la nuit. Voulez-vous entendre un poème Si c'est un poème magique, oui. L'œuf était très bon. C'est un poème magique. Il a le pouvoir de réveiller les gens qui n'ont aucune envie de dormir. Ne sursautez pas, il n'y a pas de vers qui riment. Pour exprimer la joie, ah bon. Pour exprimer la douleur, aïe, hélas. Pour exprimer l'admiration, ah, et oh, bravo. Pour appeler, Hola. Psst. Pour exprimer un ordre, Halte. En avant. Suffit. Pour recommander le silence, Chut. Silence. Pour marquer le soulagement, Ouf. Pour exprimer un bruit, Pif. Paf. Clic. Clac. C'est un poème très émouvant. J'avais l'impression d'avoir deux chevilles douloureuses en l'écoutant. Le chancelier entra en titubant. Il tenait à la main un filet à provisions plein de bouteilles de vin. Princesse, il faut fuir. J'ai rencontré plusieurs de vos ennemis en ville. Kolbetov nous suit à la trace. Gugine n'est pas loin. La révolte gronde. Partons! Il perdit l'équilibre et tomba à la renverse. Pourras-tu conduire, mon pauvre chancelier? Je tenterai l'impossible. Allons dans la cabine. Nous avons déjà perdu trop de temps. Il se releva après de nombreux essais infructueux. Jonathan intervint. N'est-ce pas ce qu'ils attendent? Que voulez-vous insinuer? Si vous avez été suivis jusqu'ici, ils vous suivront plus loin encore. Il est préférable de faire semblant d'ignorer leur présence pour leur fausser compagnie le moment venu. Qu'en penses-tu, marquis C'est une idée. Une idée comparable à celle utilisée jadis par mon ancêtre à la bataille de Vanipapar. Il était à la tête d'une poignée d'hommes poursuivis par les forces considérables de Slavomir Canard. Las de fuir, mon ancêtre se rendit et n'eut pas à s'en plaindre. Il finit la guerre dans une douce ambiance de paix. Puisque nous demeurons, je sors. Je dois surveiller les événements de plus près. À tout à l'heure. Le chancelier s'en alla reculant sous le regard compatissant d'Angine. Pauvre Vitamine, il est très fatigué. Sa blessure doit le tourmenter. Il est donc blessé. Bien sûr. On a émis des billets de loterie avec son portrait. Il a eu la tête coupée au cours d'une partie de chasse à l'homme. Heureusement, sa nature robuste a repris le dessus. Je n'ai que lui. Si je le perdais, les autres auraient vite fait de me dépouiller. « Il y a longtemps que vous avez perdu votre père ?»« Non, un siècle au maximum. Nous avions fixé un rendez-vous. Malheureusement, j'ai oublié l'endroit et l'heure. Enfin, si c'est dans un café, il consommera en m'attendant. » Elle saisit le bas de sa jupe et chercha une ouverture dans l'ourlet. Quand elle l'eut trouvée, elle en retira avec deux doigts une feuille de papier pliée en long. Elle la défit minutieusement avant de l'attendre à Jonathan. « Vous pouvez la lire. Il n'y a rien de personnel. » Il cala sa tête sur l'oreiller et lut à voix haute. « Ma chère Angine !» J'ai découvert un certain nombre de choses que tu dois savoir un jour. C'est dans ce but que je confie la présente lettre à Vitamine. Il te la remettra lorsqu'il le jugera bon. Ma chère Angine, il n'y a pas de Père Noël. C'est moi qui mettais des jouets dans tes souliers et non lui. À l'époque, je n'avais pas encore découvert qu'il n'existait pas. Je voulais juste lui épargner du travail. Il faut donc me pardonner de t'avoir dit des choses fausses. Il n'y a pas non plus de petite souris. En tout cas, ce n'est pas elle qui dépose un cadeau à la place de tes dents dans un trou du mur. Ma chère Angine, les petits-enfants ne naissent pas dans les choux ni dans les roses. Je le croyais parce qu'une fois il m'est arrivé de trouver un petit garçon dans un chou, et une autre fois de découvrir une petite fille dans une rose. On m'a expliqué depuis que c'était très rare, et que j'étais le seul à en avoir vu. On m'a dit qu'ils poussent habituellement dans le ventre de leur mère, ce qui me paraît assez incroyable, mais un professeur de faculté me l'a confirmé. Après toutes ces mauvaises nouvelles, j'en ai une bonne à t'apprendre. Je sais enfin ce qu'est cette mort dont on parle tant. C'est une espèce de gâteau, le milieu entre le chou à la crème et la tarte aux fraises, d'un goût très particulier paraît-il. Je t'embrasse avec beaucoup de précautions pour ne pas te salir. Ton père. Est-ce que vous avez déjà goûté de ce gâteau dont parle papa Je n'ai jamais tellement aimé les sucreries, répondit Jonathan. Chapitre 4 Jonathan avait fermé les yeux. Les clameurs de la ville parvenaient jusqu'à lui. Une infinité de sons de provenance diverses se fondaient pour composer ce chaos musical qui était l'expression même de Lourdes. On distinguait des bribes de chants religieux, des appels, des supplications, des prières, des sonnettes, le chuintement des pneus sur la chaussée, les klaxons de voitures, des rires, des boniments de camelot. Il était difficile de savoir l'heure car la lumière du jour ne pénétrait pas à l'intérieur du camion. La porte qui constituait la seule ouverture était fermée. Les nombreuses pendules n'aidaient pas à éclaircir le mystère. Car elle sonnait toutes les dix minutes, en dépit du bon sens. Ce devait être la fin de l'après-midi. Est-ce que vous êtes instruit Il ouvrit les yeux. À la lueur de l'ampoule électrique, Angine paraissait plus douce. Cette taches de rousseur attirait moins le regard. Elle était plus aimable, moins superbe. Vous avez beaucoup vécu, hein J'ai toujours été malade. Angine haussa les épaules d'agacement. Et voilà Avec vous, impossible de discuter. Vous défendez exprès des opinions idiotes pour vous faire plaindre elle se laissa tomber de tout son poids sur la cheville de Jonathan. Les yeux du jeune homme doublèrent de volume. Il arrondit les lèvres et produisit un sifflement aigu. Qu'est-ce qui vous prend C'est un truc pour ne pas crier, parce que vous êtes assise sur ma cheville. Lorsque j'y pense à temps, il fonctionne très bien. Ne pourriez-vous pas vous lever Je crois que je vais m'évanouir. Certainement. Inutile de dramatiser. Vous ne possédez même pas de système nerveux. Vous pensez en avoir un, c'est tout. Je vais vous préparer un bain de pied. Ça sortira les poissons rouges. Ils doivent s'ennuyer dans leur boîte. Quand ils s'ennuient, ils font des saletés. Tiède, s'il vous plaît. Il sera tiède à un moment ou à un autre. C'est tout ce que je peux vous promettre. Ne confondez pas les poissons rouges avec le savon. Une fois, le chancelier en a tant frotté un contre son dos qu'à la fin, il ne lui restait plus qu'une poignée d'arêtes. Il s'est lacéré le dos et il sentait encore plus mauvais qu'avant le bain. Je serai vigilant. Il plonge avec délice les pieds dans l'eau tiède. Angine était occupée à ouvrir les boîtes de thon à l'huile. Elle les vida ensuite dans la cuvette. Il réussit à retirer son pied gauche, mais le droit, avec la cheville foulée, était recouvert d'huile et de miettes de thon. Les poissons rouges sont pas l'eau, constata Angine dépitée. Ceux à la sauce tomate ont meilleure mine. Elle alla jeter le contenu de la cuvette, tandis que Jonathan s'exerçait à boitiller. Le bain m'a presque guéri. Vous pourrez bientôt marcher et vous en aller. Oh. Bon débarras. Pourquoi dites vous cela? Le pensez-vous réellement Vous n'êtes pas mon type d'homme. Ah, mais non, pas du tout alors. Vous êtes une poule mouillée, toujours en train de pleurnicher. J'aime les hommes avec des cicatrices, qui ont de la barbe et qui se battent en duel. Vous, vous êtes lisse partout. Pas tellement. Vous devez ressembler à un miroir lorsque vous vous déshabillez. J'aime les vrais hommes, ceux qui ressemblent à des singes. Vous me faites de la peine. Non, ne pleurez pas. Je vais vous offrir un jouet. Angine courut au fond du camion et en revint muni d'une petite mallette. C'est une machine à écrire. Elle sortit la machine qu'elle posa devant lui. Une feuille était passée dans le rouleau. Que voulez-vous que j'écrive Élastique. Les doigts de Jonathan palpitèrent sur les touches. Voilà, élastique. Vous n'êtes pas un bon écrivain. Passez-moi la machine. Elle tapa à son tour. Élastique. Voilà, c'est ainsi qu'il faut l'écrire. Ou comme ceci, si on le détend. tic. Je ne me suis jamais posé le problème de cette façon. Savez-vous que j'ai inventé une ponctuation Vraiment Laquelle Le point de négation. Vous n'ignorez pas qu'il existe un point d'interrogation, un point d'exclamation, mais aucun point de négation. C'est injuste. Avec mon point de négation, il ne sera plus nécessaire de mettre non ou pas dans les phrases négatives. C'est une idée. À quoi ressemble votre signe C'est un V-cédille. Pourquoi un V cédille Le V c'est le mouvement décrit par un index qui fait non-non. Et la cédille c'est pour le distinguer d'un V ordinaire. Écrivez-moi une phrase avec votre système. Voici. Je vous aime, V cédille. Vous serez peut-être une femme de lettres plus tard. En attendant, je suis une princesse. C'est beaucoup mieux. Savez-vous ce que vous venez de faire Non. Regardez. Ces doigts pianotaires. Vous avez allumé une cigarette. Vous avez fumé la cigarette, vous avez fumé la cigare, vous avez fumé la scie, il ne vous reste qu'un mégot. Jonathan applaudit. Encore. Je vais vous écrire la balade de l'amnésique. Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien. Je n'ai. Je n. Je. Voilà. C'était la balade de l'amnésique. Autre chose. Mais si, il peut y avoir de la fumée sans. Vous avez compris Et ça. Le petit mortimer s'est noyé dans la rivière. Pourquoi tous ces eaux Ce ne sont pas des eaux, ce sont des bulles. Regardez, si avionnel, cela signifie il y a un avion dans le ciel. Et cette histoire, vous la connaissez Le cerceau roulait. Rulait, ruloé, rulawa, rulayo, rulaito, rulait. On voit que vous êtes observatrice. Vous aimez les cerceaux Oui. Mais j'en ai eu zéro. Avez-vous déjà vu une victime courir après son voleur C'est le chancelier qui a inventé ce poème. Il écrit lui aussi. Oui, des poèmes uniquement. Ils me sont tous dédiés. Désirez-vous en entendre Avec plaisir. Le premier c'est avec les flocons ingines, vous réussissez dans le minimum de temps mille et un plats délicats. Les croquettes gonflent à coup sûr. Le soufflet monte ferme. Le gratin s'allège. Avec Angine, il est facile de donner à tous vos repas un air de fête. Est-ce que ça vous plaît J'aimerais en entendre un autre. C'est facile. Fraîcheur et délicatesse des tons font d'Angine la parure qui souligne votre charme. Blanc, gris rose, jade, marine, au printemps et dans tous les magasins spécialisés. Ce poème est de sa première manière dite époque lingerie. Le poème suivant date de l'époque détergent. Maintenant ne vous inquiétez plus si votre enfant laisse traîner son petit museau sur le bord de l'évier. Récurer avec Angine, votre évier est mieux que désinfecté, assaini à 100%. Cette odeur saine vous le prouve. Angine est super énergique. Récurer avec Angine, c'est une question de santé et Angine récure mieux que blanc, blanc brillant. Un autre poème maintenant, plus récent, de l'époque dite panique. C'est prouvé Angine irrite les muqueuses, coupe l'appétit. Freine la digestion, jaunit les dents, gâte la laine, ride la peau, trouble la vue, perturbe le sommeil, dissout la mémoire, aigrit le caractère, sape la volonté, pousse à l'alcool, menace le cœur, provoque le cancer, émousse le désir sexuel. On vous l'a dit cent fois, tous les médecins le répètent, et pourtant vous l'aimez. Je ne vous savais pas si dangereuse, dit Jonathan. C'est un poème, vous comprenez On peut dire n'importe quoi, c'est la poésie qui compte. Oh, « Or, Le chancelier a écrit plus de mille poèmes. Il y a On a toujours besoin d'une petite Angine chez soi. Angine est bonne pour vous. Angine nettoie tout à fond, du sol au plafond. Un foie, deux reins, trois raisons d'aimer Angine. Vous y seriez déjà avec Angine. Quand Angine est là, la saleté s'en va. Quel dommage que le chancelier ne soit pas là. Il voulait chanter. Il chante très bien. Mon Dieu. Où peut il être Il est sans doute tombé entre les mains de Gugine. Ou bien dans celle de Kolbetov. Ils l'ont sûrement écorché vif. Quel affreux malheur Peut-être n'est-il que prisonnier, ou assis sur un banc, lui qui déteste les bancs. Elle se dressa tragiquement, debout sur le couvercle de la machine à écrire. Qu'il parle et ce sera notre perte. Mais non, il défendra jusqu'au bout le trésor royal. Il sera muet comme une tombe. Merci, chancelier. Je te fais duc, duc des vitamines. Ça sonne mieux que marquis. Et moi, quel titre allez-vous m'octroyer Aucun. Vous n'êtes pas prisonnier, vous, ni torturé, ni martyrisé, ni décapité. Oh. Mon pauvre chancelier, je ne t'abandonnerai pas. Courage. J'arrive. Lorsque la nuit sera venue, je volerai à ton secours. Une petite fille ne doit pas sortir dans les rues après une certaine heure. Cette petite fille est une princesse, Jonathan. Vous semblez l'oublier. Si je l'oublie, les autres peuvent l'oublier également. Non, princesse, je vous accompagnerai. Malgré votre cheville, malgré ma cheville. Angine sauta au cou de Jonathan et l'embrassa sur les deux joues. « Je vous nomme grand bourreau de la couronne » décréta-t-elle, les yeux chavirés de reconnaissance. Chapitre 5 À la nuit tombée, deux ombres sortirent furtivement de l'éléphant. Angine soutenait Jonathan qui gémissait à chaque pas. Un homme s'avançait à leur rencontre. Lorsqu'il passa près du réverbère, ils constatèrent qu'il n'avait pas de nez. N'auriez-vous pas vu mon chancelier, le duc des vitamines, brave homme N'auriez-vous pas vu mon nez, jeune Jean Non, monsieur, si vous voulez venir avec nous, peut-être parviendrons-nous à les découvrir l'un et l'autre. L'homme acquiesça, il leur emboîta le pas. Ils parcoururent quelques ruelles obscures où des êtres difformes circulaient silencieusement. Un magistrat en robe surgit d'une porte cochère. N'auriez-vous pas vu mon chancelier, le témérissime duc des vitamines, monsieur le président N'auriez-vous pas vu ma Bible, mes enfants C'est ennuyeux. Depuis que je l'ai perdue, je ne peux plus faire jurer mes témoins. Non, monsieur le président. Joignez-vous à nous. Peut-être se trouve-t-il au même endroit. Il parvint près du centre de la ville. Il y avait des cafés ouverts, de la lumière et de la musique. Une femme dépeignée, aux yeux dilatés, vêtue d'un kimono rouge, dansait dans une vitrine. Madame, Madame lui cria Angine, le nez contre la vitre. N'auriez-vous pas vu mon chancelier, l'excellent et courageux duc des vitamines Non, petite, dit la femme sans cesser de se trémousser. Et vous, n'auriez-vous pas vu mon mari C'est le pire vaurien que la terre ait jamais porté. Il se nomme Lalaradoscu et il porte un petit lézard sur la tête. Comment se nomme le lézard Il se nomme Démosthène. Ses pattes sont vertes, sa tête est bleue et sa queue rouge. Il siffle My Darling Clementine » comme un virtuose. Nous ne l'avons pas aperçu. Voulez-vous nous accompagner Nous les chercherons ensemble. Je voudrais bien, ma petite, mais je suis trop occupée. Si vous voyez mon mari, envoyez-moi un pneumatique. Oui, madame. Si vous voyez mon chancelier, envoyez-moi un message téléphoné. Il suffit de composer le 14. La petite troupe se remit en mouvement. Un homme au visage ruisselant de sang s'abattit au pied d'Angine. N'auriez-vous pas vu mon chancelier, l'illustre, héroïque et respectueux duc des Vitamines, pauvre homme N'auriez-vous pas l'adresse d'un docteur, petite fille non, venez avec nous. Peut-être réussirons nous à les découvrir. Je suis trop faible, ma petite. Il faudra me porter. L'homme sans nez poussa une exclamation. Mon nez. Là-bas. Je le vois. Il partit en courant. Le magistrat leva la tête et gloussa de joie. Ma chère Bible. Enfin je la retrouve. Il se précipita vers une échelle d'incendie, qu'il escalada avec une grande agilité. L'homme au visage sanglant soupira. Ils ne veulent pas me porter. C'est humain. Jonathan se frotta le menton. Je n'y arriverai pas avec ma cheville foulée. Cependant, je peux vous conduire chez le pharmacien qui est de l'autre côté de la rue. Ainsi firent ils. Le pharmacien téléphona à l'hôpital, et une ambulance vint prendre livraison du blessé. Angine et Jonathan l'accompagnèrent. Peut-être le chancelier se trouvait il à l'hôpital? Dieu merci, il n'y était pas. Le blessé n'avait qu'une indigestion. Le rouge dont sa figure était tachée n'était pas du sang, mais de la confiture de groseille, provenant des nombreuses tartes qu'il avait ingurgitées. De nouveau, Angine et Jonathan s'en par les rues, découragés et fatigués. Tout le monde semble avoir perdu quelque chose dans cette ville, soupira la petite fille. Ce n'est pas naturel. Il y a de la Gugine et du Kolbetov là-dessous. Mon pauvre chancelier a succombé dans une lutte inégale. Qui sont cette Gugine et ce Kolbetov dont vous parlez tant Ils sont affreusement méchants. Mon pauvre Jonathan Lorsque vous n'avez pas faim et que vous ne finissez pas votre soupe, c'est Madame Gugin qui vous appuie si fort sur la tête qu'elle vous empêche de grandir. Quand vous refusez de vous endormir, c'est Kolbetov qui vous verse dans les yeux des gouttes qui vous font pleurer et les bordent de rouge. Ils ont encore bien des méfaits à leur actif. Ce sont eux qui font exploser la bombe atomique, qui répandent les épidémies et qui brisent les mariages d'amour. Pourquoi commettent-ils d'aussi mauvaises actions Par goût de la vérité, ils lui vaut un culte barbare. Ils ne vont jamais au cinéma. Ils prétendent que la réalité dépasse la fiction. Leur parfum favori est l'éther. Leur passe-temps préféré, la visite des hôpitaux. Ils raffolent aussi des accidents, des punitions, des prisons et des gares. Rien ne leur plaît autant qu'une bonne petite piqûre dans l'omoplate. Ils n'oublient jamais de souhaiter les anniversaires. Les dentistes leur obéissent au doigt et à l'œil. On les voit souvent aux actualités. Quand il y a un tremblement de terre, c'est Kolbetov qui va serrer la main des infirmiers et fouiller dans les décombres. Et c'est Gugine qui fait semblant de pleurer après les bombardements. En réalité, elle s'amuse comme une petite folle. Est-ce que vous vous en souvenez J'ai vu maintes fois la même chose. J'aimerais assez être ingénieur du son. Et vous Moi, je suis fatigué et j'ai mal aux pieds. Angine et Jonathan s'installèrent sur le bord du trottoir. La petite fille se mit à bâiller. Elle posa sa tête rousse sur les genoux de son compagnon et s'endormit. Il mit la main dans sa poche en prenant garde à ne pas bouger les jambes. Il alluma une cigarette. Chapitre VI Jonathan s'apprêtait à retourner au camion. Angine endormit contre lui lorsqu'il aperçut enfin le chancelier. Celui-ci accompagnait une femme d'âge mûr, en robe de mariée. Le couple s'affala aux pieds du jeune homme et la femme proféra une bordée d'effroyables jurons. Angine ouvrit les yeux. Elle sauta à terre, courut jusqu'au chancelier qu'elle gifla à la volée. Le vieil homme tenta maladroitement de se protéger. Il bégaya. Pardon. Faites excuse. Majesté. Mission difficile. Dugine, Femme m'a sauvé la vie. Avons bu un petit peu. Silence, Félon. Et moi qui me rongeais d'inquiétude. Moi qui vous nommais duc. Quelle ingratitude. Le chancelier se releva avec peine. Sa joue portait l'empreinte d'une petite main. Les apparences sont contre moi. Mais pas le reste. Je n'en recommencerai plus. Puisque je suis duc, je me tiendrai bien. Je ferai attention aux objets magiques, et si j'en casse un, je le remplacerai immédiatement, dès que j'aurai touché l'argent de la retraite. Je deviendrai le meilleur de tous les ducs connus. Vous avez trop bu, vous n'êtes qu'une épave, une semelle usée, un crouton de pain rassis, un fond de limonade éventé. La femme se releva à son tour et regarda le chancelier avec stupéfaction. Qui est cette petite Pourquoi te parle-t-elle ainsi Si c'était ma fille Savez-vous à qui vous adressez la parole, femme de mauvaise vie hurla Angine. Je ne voudrais pas de vous comme tapis. Tais-toi, Enid, supplia le chancelier. Adieu. C'est une honte de laisser une gamine pareille maltraiter un homme de ton âge. Enfin, c'est toi que cela concerne. Adieu. Sur le chemin du retour, le chancelier tenta de plaider sa cause. Je suis vieux, certes, mais je ne suis pas un ivrogne. Vous avez bu de la bière et du vin rouge, du vin blanc et du pastis, du cognac et du whisky, de l'agnol et du vieux marc, Et vous n'êtes pas un ivrogne Ivrogne le chancelier éberlué promena la main sur son front bosselé. Vous m'avez espionné Si j'ai bu, c'est pour oublier les horribles supplices qu'on m'a infligés. Ils m'ont enfoncé des épingles dans le veston. Ils m'ont coupé les ongles. Ils m'ont lavé et rasé. Je n'ai rien dit. Me pardonnez-vous maintenant Fourbe, courge, sic Me permettez-vous encore de baiser vos petits pieds Plutôt maigrir. Tout est fini entre nous, duc. Tenez-vous le pour dit. Le chancelier renifla. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas plus jeune et plus intelligent. Quelqu'un qui me remplacera, qui sera ce que j'étais, qui boira ce que je buvais, qui dira ce que je dirais. Partez sans moi. Je vais me planter ici et pousser. Jonathan chargea le chancelier sur ses épaules, et ils revinrent au camion. Angine s'endormit immédiatement, et le chancelier semblait si désespéré que Jonathan essaya de le consoler. Ce n'est pas bien grave. Angine n'est pas une mauvaise enfant. Elle oubliera. Le vieillard secoua la tête d'un air sombre. Vous ne la connaissez pas, elle est impitoyable. Pour moi c'est affreux, je ne supporterais pas qu'elle me quitte. Si je devais la perdre, je préférerais dormir. Elle est terrible, terrible. Si je vous disais qu'elle a déjà cassé des objets magiques exprès, rien que pour me faire enrager. Après, elle dit que c'est de ma faute. Ce n'est pas vrai, c'est de la sienne. Comme si je n'avais pas assez de mal sans qu'elle y mette du sien. J'avais le triple d'objets. Que dis je? dix fois, cent fois plus d'objets. Mais petit à petit, malgré tous mes efforts, il s'abîme, il se casse. La chèvre a mangé le chou et le loup a mangé la chèvre. C'est affreux. Le loup a été étranglé par une cravate de toute beauté. La cravate a été déchirée par le piège à loup, qui est toujours là, lui. Pourtant, je vous jure que je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas de la négligence. J'enveloppe les tasses dans du papier de soie. J'essuie soigneusement les disques avec des bas en nylon. Rien n'y fait. C'est à désespérer. Les ennemis de la petite y trouvent leur compte. Les misérables. Je suis bien son seul allié. Allez. D'accord, ce soir, je me suis pas très bien conduit. Mais quoi J'ai le droit d'avoir des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Même elle, elle en a. Elle ne supporte pas l'alcool ni les glaces. Elle a beau prétendre le contraire. Je m'en aperçois bien quand je lave ses draps. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ce soir Franchement. Vous étiez là. Vous avez vu. Pas de quoi fouetter un duc. Mais elle est comme ça. Autoritaire et méchante. Tout le monde doit être à ses pieds. Même son père avait peur d'elle, même son grand-père et même sa grand-mère. Ah, si c'était ma fille, je ne me laisserais pas gifler devant les gens. Vous avez vu, elle m'a giflé devant Enid. On allait se marier, repartir de zéro, comme d'habitude. Mais non, pour elle, ça ne compte pas. En un sens, je ne le regrette pas. Enid avait quelque chose de déplaisant. Mais enfin, tout de même, elle aurait pu s'y prendre autrement. Ma pauvre princesse. Vous l'aimez beaucoup Comme une mère. Qui était son père Est-il mort depuis longtemps il n'est pas mort. Il est sous six pieds de terre, en train de mastiquer la laurier rose par la racine. Il n'est pas à plaindre. Allez. C'était vraiment un roi 50 D'ailleurs, il n'a jamais eu le royaume. C'était plutôt un empire, si vous voyez ce que je veux dire. Et ces objets que vous transportez sont-ils magiques Bien sûr. Venez voir. Il conduisit Jonathan à travers les meubles, au fond du camion. Il chuchotait pour ne pas réveiller Angine. Regardez. Vous voyez cette boîte Elle contient une poudre magique. Avec elle, votre linge sera le plus propre du monde. Et cette bouteille contient une boisson miraculeuse. Si vous avez soif, elle vous désaltère aussitôt, grâce au mot magique inscrit sur le flacon. Coca-Cola. Si vous n'avez pas soif, vous n'êtes pas obligé d'en boire. Et ces petites pilules, prenez-en deux quand vous avez mal à la tête et prononcez vite Ouf Merci Aspro Vous serez soulagé. Vous n'avez aucune idée des richesses fabuleuses entreposées ici. Il y a bien entendu les cadeaux offerts par les fées, mais aussi les dons, les legs, les produits d'impôt, les reliques sacrées, les souvenirs de famille. Bref, c'est le trésor de la couronne. La poussière volait à chaque geste du chancelier. Elle scintillait à la lumière de l'ampoule. Derrière les housses, dans l'ombre, Angine dormait sur son petit lit. Elle serrait un oreiller contre sa poitrine, simplement couverte d'un maillot de corps blanc. Dans le tas de vêtements jetés en vrac sur le sol, une souris blanche tentait de se dépêtrer d'une soquette qui lui enveloppait la tête. « Regardez, » continuait le chancelier, « cela, c'est du banania. En boire, c'est manger du lion. Et ça, c'est une petite croix. Elle rend confiance aux infirmières et aux patients. Ça, c'est une grande croix. Elle soulage les pauvres et récure plus vite. Voilà tilac qui vous débarrasse du tartre. Et un poste de télévision TVA, même éteint, on le regarde encore. Et Aérodip, en bombe, qui empêche tout instantanément. N'est-ce pas merveilleux Et, quand il y a de la joie dans l'air, « of course, a western is there ». Parie que vous aimeriez bien avoir un menton qui fait pâte de velours. Alors, rasez-vous avec Gibbs. Êtes-vous amateur d'art Oui, mais vous ne possédez ni argent ni place, peut-être. Qu'importe, vous avez des poches. Voilà le grand art en livre de poche. Dites adieu au torchon. La favorite air séchera votre vaisselle et la rendra étincelante, sans la moindre trace de calcaire. Et ce n'est qu'une infime partie du trésor. Il y a aussi le rasoir mécanique qu'on arme comme un beretta et qui ensorcelle les jolies femmes, les bas qui défatiguent les jambes des femmes actives, les lunettes qui personnalisent le visage, la gaine qui efface la cellulite, et mille autres merveilles comme cette poêle qui n'attache pas. Il y en a pour une fortune. Elle appartient à la princesse qui malheureusement ne se rend pas très bien compte de sa valeur. J'ai hâte d'arriver chez son oncle. Est-ce encore très loin Voyez-vous-même le chancelier déplia une grande carte qui se trouvait sous une armoire. « Nous sommes ici. » Il désigna de son ongle rat un endroit situé à droite en dehors de la carte. « Nous nous rendons là. » Il indiqua un autre point hors de la carte, mais à sa gauche. « Demain, nous reprendrons la route. Savez-vous conduire ?»« Oui, je pourrai vous relayer lorsque vous serez fatigué. » Le chancelier sourit tristement. « C'est probable, en effet. » Chapitre 7 un vieillard dans un hospice, il mange trop de pain d'épice. Il a mal à l'estomac, on lui donne du tapioca. Angine chantait à tue-tête. Le chancelier appuya sur la pédale du frein. Le camion s'immobilisa. C'est pour moi que vous rabâchez cette rengaine C'est pour celui qui se reconnaîtra. D'ailleurs, je n'ai pas de compte à rendre aux vieux ivrognes. Ce qui n'est pas très poli, entre nous soit dit. Pour une princesse, vous pourriez être un peu mieux élevé. Pour un duc, vous pourriez être un peu plus modeste. Je chanterai comme il me plaira. J'aime mieux Jonathan que le duc des vitamines. Il est moins intelligent, mais il a meilleure mine. Cette chanson n'a ni queue ni tête, riposta le chancelier. Oh. C'est trop fort. Elle appuya des deux mains sur l'avertisseur qui fit retentir son cri lugubre. Puisque c'est comme ça, je vais casser le trésor. Avant que le vieil homme n'ait pu la retenir, Angine ouvrit la portière et courut vers l'arrière. Jonathan alluma une cigarette. Il pouvait suivre dans le rétroviseur la scène qui se déroulait c'est-à-dire le chancelier et la princesse s'arrachant les objets des mains, les jetant à terre, les ramassant, les rejetant jusqu'à ce que le sol autour d'eux fût jonché de débris. Il entendait les supplications désespérées du pauvre ivrogne. Par pitié, princesse, pas le vase, pas les assiettes ni le moulin à café. De grâce, épargnez le linge et le drapeau. Seigneur, si nos ennemis nous voyaient. L'orage éclata et la pluie martela les vitres. Angine vint se réfugier dans la cabine tandis que le vieillard continuait stoïquement à ramasser les trésors dispersés. On l'entendait se lamenter. Mon Dieu, la soucoupe était bréchée, il faudra la réparer. Les lettres. La pluie a brouillé les lettres. Où est l'autre chaussure Angine ricana méchamment. Écoutez le radoter. bien fait pour lui. C'est de votre héritage qu'il s'inquiète. Pensez-vous, il se moque bien de moi. Ce sont les précieuses reliques qui l'intéressent. Son bric-à-brac. Mon héritage. Il me fait rire. Il y a peut-être des objets de valeur parmi eux. Et puis, c'est le trésor de la couronne, non Vous parlez pour ne rien dire. Je vous déteste. Le chancelier apparut, le visage ruisselant de pluie. Il y a plusieurs lettres complètement perdues, deux disques cassés et de nombreux autres rayés. Trois soucoupes sont ébréchées et la chèvre est devenue folle. Bien fait, je m'en fiche, je m'en fiche. Faites-moi décapiter, mais ne dilapidez pas votre héritage. Vieux fou, je ne veux plus vous voir plus vous entendre. Je veux que vous partiez et que vous ne reveniez jamais. Vos souvenirs moisis, je n'en veux pas. C'est ce que vous souhaitez? demanda tristement le duc. Oui, tout de suite. Sous la pluie? intervint Jonathan. Oui, j'espère qu'il attrapera une pneumonie. Le chancelier eut un sourire misérable. Il s'empara au passage d'une bouteille de vin qui se trouvait dans la boîte à gants. Puis il sortit sous l'averse et disparut derrière le rideau de pluie. Ouf, bon débarras, crâna Angine. Partons maintenant. Vous conduirez. Je suis trop fatigué pour conduire. Je vous ordonne de conduire. Et moi, je ne vous obéirai pas. Écoutez. Il y avait une fois un chameau qu'on appelait bossu, parce qu'il n'avait pas de bosse, et qu'on tenait à lui faire sentir qu'il n'était pas comme les autres. Je ne veux pas écouter votre histoire. Je vais dormir. Bonne nuit. Jonathan renversa la tête en arrière et se mit à ronfler. Il entendit Angine sortir puis rentrer. La machine crépita. Au bout d'un moment, il ouvrit les yeux. Que faites-vous Je tricote un pull-over. Le bruit de la machine se confondait avec celui de la pluie. Angine monologuait. Il oubliera. Ce sera dur au début, mais il finira par s'habituer. Il voyagera. Il connaîtra d'autres petites filles. Il refera sa vie. Pour moi aussi ce sera difficile. Mais plus le temps passera, plus nous nous habituerons à vivre loin de l'autre. Il aura de ses bons moments. Un jour, il racontera une histoire qui me fera rire aux éclats. Et pourtant, je serai triste. Au début, il m'intimidera. Et puis, je devinerai vite sa solitude et son désarroi devant la vie. Il aura besoin de moi. Nous aurons des moments merveilleux. Il m'apprendra tout, mais il boira trop. Ce ne sera pas une vie. Toujours à l'attendre pendant qu'il s'enivrera seul ou en compagnie de ses amis. Il se lèvera horriblement tard, et moi je serai plutôt matinal. Nous ne nous verrons jamais. Il m'obligera à croupir dans le camion pour m'occuper de ses maudites affaires. Je m'en ficherai, moi, de ses affaires. Je voudrais qu'il comprenne que ce sera moi ou elle. Il ne comprendra pas tant pis pour lui. Il dira. La nuit tous les chats sont tendres. Pourquoi parlez-vous de lui au futur? murmura Jonathan, les yeux toujours clos. Parce qu'il est plus vieux que moi. D'ailleurs, mon père ne l'aimait pas. Lui, il prétend qu'il était son chouchou. Mais ce n'est pas vrai. Mon père ne pouvait pas le sentir. Il avait même l'intention de le renvoyer dans ses terres. S'il n'y avait pas eu ce complot. J'ai eu pitié. Je lui ai dit. Viens chez mon oncle, ce sera plus facile pour toi là-bas. On te connaît moins. Il était si dépourvu, si lâche, comme un enfant la moindre difficulté lui paraissait insurmontable il fallait tout lui dire. Tenez, pour le sang, c'est vrai. Il ne pouvait supporter d'en voir une seule goutte. Il sentait mauvais. J'ai sauté sur l'occasion pour le faire dormir dans la cabine. Il me dégoûtait, il avait des manières répugnantes. Il se raclait la gorge et crachait n'importe où, n'importe quand. Il était sale, il ne se lavait pas, il ne se changeait pas non plus. Son linge était d'une couleur douteuse. Sa bêtise étonnait tout le monde. Par exemple, il croyait sincèrement que les eaux qui contiennent du fer sont des eaux rouillées, et que le colza dont la graine fournit de l'huile est une plante grasse. J'ai fini mon pullover. Jonathan ouvrit les yeux. Montrez-le-moi. Elle lui tendit une feuille de papier couverte de caractères. Il lut. Eliam. 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 Maï-Eliam, Maï-Eliam, Maï-Eliam. C'est un point très simple, expliqua-t-elle. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ce n'est pas chaud, mais ça détend. Sans transition, elle fondit en larmes. Les sanglots la secouaient si fort que Jonathan en fut effrayé. Elle laissait couler abondamment ses larmes sans tenter de les contenir, ni de les essuyer. Une sorte de râle sortait de ses lèvres, comme si pleurer lui déchirait la gorge. Que vais je devenir? Je ne sais même pas conduire le camion. Allons, calmez vous, arrêtez de pleurer. Il a tout quitté pour moi, ses familles, ses emplois, ses médecins, c'est de ma faute. Je ne voulais pas lui faire de la peine. Vous comprenez? Je voulais seulement plaisanter avec lui. Il aurait dû le comprendre. Il me connaît assez. Je suis taquine, mais pas méchante. Non, ça je le jure. À présent il est trop tard. Plus rien n'a d'importance. Les larmes reprirent de plus belle. Jonathan voulut lui caresser les cheveux, mais elle le griffa à la main. Plus tard, elle se pelotonna sur la banquette. Ses sanglots s'apaisèrent et elle dormait. Jonathan ramassa la couronne qui avait roulé sur le sol. Il en coiffa la tête de la dormeuse et dans son sommeil, elle murmura Le chancelier n'a. Pourtant, je. Tant pis pour. Il n'y a qu'à. Jonathan s'endormit à son tour, la joue sur le volant. Quand il se réveilla, la pluie avait cessé. La princesse, le visage impassible, se rongeait les ongles à petits coups de dents. Partons, dit Jonathan. Je vous attendais. Il tourna la clé de contact. Le camion vibra comme un avion, mais ne bougea pas. Que se passe-t-il Il doit être enlisé. Je sors voir. C'était exact. Il revint vers Angine. Il faudrait le pousser. Seul, je n'y parviendrais pas. Si seulement le chancelier était là. Alors, allez le chercher. Je ne sais pas où il est. Je vais vous le dire. Il est à l'arrière, caché dans l'armoire de gauche. Ramenez-le. Le chancelier s'y trouvait. La bouteille de vin était vide. Il ronflait la bouche ouverte. Jonathan eut du mal à le réveiller. Pourtant, il finit par ouvrir les yeux. Qu'est-ce que c'est Il faut pousser le camion. Il est enlisé. Ce n'est pas trop tôt. Enfin, le camion put démarrer. Jonathan conduisait. Le duc, assis à ses côtés, tenait Angine dans ses bras. Chapitre 8. L'éléphant poursuivait sa route. Il traversa en trombe plusieurs villes, franchit des cols escarpés, puis s'arrêta devant un cours d'eau. Le vieillard hésitait sur la direction à prendre. Il consultait fiévreusement sa carte, qui n'était malheureusement pas la bonne. Angine en profita pour se laver dans la rivière, le duc, découragé, pour faire sa lessive. Quand il l'eut terminé, il suspendit le linge à la trombe de l'éléphant. Propre et bien peignée, Angine ressemblait à une petite fille comme les autres. Elle arborait une robe safran qui lui allait à ravir. Des soquettes blanches bien tirées et des souliers noirs vernis complétaient sa toilette. Elle éclata de rire devant les yeux ronds de Jonathan. Vous êtes en train de penser que je ne suis pas si anormal après tout, n'est-ce pas À peu près. Angine, avez-vous connu d'autres enfants Je n'en ai pas eu, si cela peut vous rassurer. D'ailleurs, je ne tiens pas à en avoir. Je les trouve répugnants en général. Avez-vous été à l'école Les princesses sont des précepteurs. J'en ai eu ma part. Je suis très instruite. Ma matière favorite était la grammaire poétique. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas très bien. C'est pourtant simple. Par exemple, pourquoi le mot debout est-il infatigable Je ne sais pas. Il n'y a pas de raison. C'est la question qui est importante. Je vous l'ai déjà appris. La réponse est une affaire de machine électronique. Il y avait aussi à expliquer faucheur, un rythme calancé. Mon précepteur m'a rendu experte aux exercices de ce genre. Je devais recopier des verbes en ayant soin de ne les montrer à personne, reproduire des textes en mettant des points à la place des mots, expliquer clairement ce qu'un auteur n'a pas réussi à exprimer, rayer dans un livre les mots de plus de trois lettres. Qu'avez-vous encore étudié Beaucoup d'autres choses. La géographie imaginaire avec la recherche des pôles Est et Ouest, la philosophie désopilante et... Donnez-moi un exemple de philosophie désopilante. D'accord, si vous me giflez. Voilà. Angine se frotta rêveusement la joue. Jonathan crut qu'elle l'avait oublié, mais elle reprit. La gifle était nécessaire pour me mettre en condition. Le texte capital de la philosophie désopilante a été écrit par un jeune boucher qui n'y entendait rien. Je le connais par cœur. L'origine du besoin. Le besoin naît de la raison. L'homme veut élucider les raisons du pourquoi. Il sait qu'il vient d'où il va, mais il ignore qu'il peuple l'univers d'êtres supérieurs à lui. Il est influencé par l'effroi. Les degrés de la connaissance ont une étroite parenté avec ceux de l'imagination. Les plus inspirés des hommes accueillent les loups-garous. Quant aux artistes, ils clouent les héros à la dignité la plus élevée. Je ne comprends pas très bien. Le contraire m'aurait étonné. Lorsque ce morceau sera déchiffré, il n'y aura plus de philosophie désopilante. Nous faisions aussi de la géométrie temporelle. Elle est basée sur un postulat incassable toute ligne tend à disparaître, tout point à s'effacer. De l'origine à la disparition, il y a des degrés décroissants d'existence, car l'existence est une dimension. Il y a beaucoup de théorèmes. Ainsi, montre moi ta trace, je te dirai qui tu étais. Et, une ligne droite pourrit toujours par un bout. Ou, un segment frais vaut mieux qu'une longue droite rance. Je n'avais pas entendu parler de cette géométrie. Le chancelier se joignit à eux. S'il n'y avait pas tout ce sang, comme le paysage serait joli. Soupira t-il en s'asseyant sur le sable. Où voyez vous du sang? Demanda Jonathan. Ici. En prononçant ces mots, le vieillard sortit un canif de sa poche et s'entailla la paume. Il s'évanouit. Angine expliqua que c'était là une pratique courante du chancelier lorsqu'il ne lui restait plus rien à boire. Elle noua un mouchoir propre autour de la main de l'ivrogne, qui revint lentement à lui. Ses premières paroles furent pour demander si l'on voyait encore du sang. Quand il eut l'assurance du contraire, il consentit à ouvrir tout à fait ses yeux. Ce jour-là, ils ne parcoururent pas une grande distance. Car deux heures environ après avoir quitté la rivière, le chancelier s'aperçut qu'il y avait oublié la clé de l'armoire à glace. Ils furent donc obligés de rebrousser chemin. Le duc des Vitamines récupéra sa clé, mais il était trop tard pour repartir. La nuit tombait. Ils dînèrent d'un peu de chocolat et de gaufrettes, en s'amusant beaucoup, car les gaufrettes étaient pourvues de questions et de réponses, pleines d'imprévus. Ainsi s'engagea, grâce à elle, la conversation suivante. Vous êtes ému, Madame. Pourquoi C'est l'effet du sublime. Où suis-je Nous sommes entrés dans un monde de pensée. Entendez-vous la voix de Bossuet Oui, c'est un bijou littéraire. Les jeunes hommes survivent-ils aux vieillards Vous avez une méchante langue. Quels sentiments leur mort inspire-t-elle à l'octogénaire On se l'imagine facilement. Quelle est la morale de cette fable L'avenir, l'avenir, l'avenir est à moi. Peu avant l'aube, Jonathan fut tiré du sommeil par un léger bruit. Il écouta en retenant sa respiration. On bougeait dehors. Tout doucement, il enfila son pantalon et se coula à l'extérieur. D'abord, il ne put voir que la masse confuse de l'éléphant, et plus loin le miroitement de la rivière. Il s'accroupit. En s'accoutumant à l'obscurité, ses yeux distinguèrent une silhouette qui se déplaçait vers l'avant du camion. Une branche craqua sous le pied du jeune homme, faisant fuir la silhouette. Il s'élança à sa poursuite. Bien que gêné par sa cheville blessée, il réussit à saisir un morceau de tissu et à stopper le fuyard. Ils s'empoignèrent à bras le corps. Après quelques pas d'une danse farouche, Jonathan réussit un croc en jambes qui les envoya rouler tous deux sur le sol. À la lueur de la lune, il eut la vision d'un épouvantable visage de vieille femme, aux yeux exorbités, à la bouche grande ouverte, puis sans fond dans lequel s'agitait une langue mobile. La vieille détendit son bras. Sa main griffue balafra le visage de Jonathan, qui l'instant d'après se retrouva seul, la joue cuisante. Il fit le tour du camion pour l'examiner avec son briquet. Deux pneus avaient été crevés. Il alla réveiller le chancelier et lui révéla le sabotage. C'est madame Gugine. Cette sorcière a retrouvé notre traces. Elle n'est sûrement pas seule. Jonathan saisit le vieillard par les revers du veston qu'il ne quittait pas même pour dormir. Il le secoua comme un thermomètre. Qu'y a t-il de vrai dans cette histoire, vieil ivrogne? Qui est cette Gugine? Et ce colbétoffe? Quel est le vrai nom d'Angine? Pourquoi lui voudrait on du mal? Le chancelier suffoquait. Il fit signe qu'il allait parler. Jonathan le libéra. Gugine est une méchante sorcière rendue amère par l'adjonction de cyanure de potassium dans son biberon. Elle ne s'est jamais consolée de n'avoir pas été invitée au baptême de la princesse. Elle lui a jeté un sort. Dieu merci, d'autres fées ont comblé Angine de toutes sortes d'objets magiques. Les plus précieux, le bon beurre Claudel, avec lequel tous les pains sont meilleurs. Vichy Célestin, l'eau qui fait du bien. Génie, grâce auquel sans bouillir, votre linge est propre comme s'il avait bouilli. Nivea, la jeunesse de la peau qui assouplit l'épiderme et supprime les rugosités aux coudes, aux genoux et au talons. Je mets le rouge qui vous fait sortir de l'ombre. Café spécial filtre, tout le goût et l'arôme d'un vrai café filtre, sans filtre. Des vitamines, c'est vraiment votre nom Non, mon vrai nom doit être écrit en lettres majuscules. Où habite l'oncle d'Angine À Lisieux, sur la grand-place, dans une maison ornée de céramiques. Toutefois, je n'en jurerai pas. Qu'est-ce qui vous tracasse, Jonathan je suis prêt à vous donner toutes les explications nécessaires. Nous n'avons rien à cacher. Je vous trouve tourmenté, inquiet. Désirez-vous un verre de calvados trafiqué Jonathan se laissa tomber sur la banquette auprès du chancelier. D'accord. Vous savez, j'ai l'impression de devenir fou. Vos propos sont tellement insensés pour moi et semblent tellement normaux pour vous que je m'y perds. J'aimerais bien être à votre place. Le duc emplit deux gobelets d'aluminium à ramasser sur le sol. Oui. La connaissance n'est que le premier stade, le second est l'oubli. Quel était votre métier, chancelier Homme politique, comme bien vous pensez, et aussi homme de lettres, homme de peine, homme de paille, parfois. J'ai toujours été un homme. Et que faisait le père d'Angine La pluie et le beau temps. Une fois il est tombé par la fenêtre, nous avons déserté ensemble, mais il a brûlé sa vie par les deux bouts. Il est trop resté assis sur une chaise, il a trop cligné de l'œil, trop attendu, trop gratté sa tête, trop froncé les sourcils. Bref, il a vécu trop intensément. Nous lui disions souvent À force de respirer, vous finirez par expirer. Il haussait les épaules. Il n'avait pas tort, mais nous non plus. Ensuite, il a eu cette lubie d'aller cultiver la terre par en dessous, si bien que la princesse n'a plus de nouvelles de lui. Toutes ses lettres restent sans réponse. Elle lui écrit Oui, elle enterre ses enveloppes bien cachetées sous chaque laurier rose. En vain. Pourtant, il ne peut manquer de les voir. Je sais qu'il raffole des lauriers roses. C'était un homme très riche. Des vitamines faisaient circuler l'alcool d'une joue à l'autre. Son regard ironique se posa sur Jonathan. Il s'essuya soigneusement les lèvres avant de répondre. Vous aimeriez bien être fixé là-dessus, pas vrai? Pour être riche, ça oui, il l'était. Sa fortune était colossale. Compagnon de fortune. Courant d'air à tromper. Sans vergogne l'infortune. Défense d'afficher. Jonathan finit le calvados qui stagnait dans son gobelet. Le chancelier ajouta. Il y a un garage près d'ici. Nous porterons les roues à réparer dès qu'il fera jour. Allez dormir. Je monterai la garde pour le restant de la nuit. Comment vous défendrez-vous s'ils reviennent Je serai servile. Ils m'épargneront. Chapitre 9. Avez-vous connu Smoky's Smoke, Smoke Je n'ai pas eu cet honneur, répondit Jonathan, en rejetant par le nez la fumée de sa cigarette. Il était comme vous. Il fumait tout le temps. Lui, c'était la pipe. Il en possédait au moins deux. On le reconnaissait de loin à cause de la fumée qu'il produisait. S'il demeurait trop longtemps au même endroit, la fumée devenait si épaisse que la nuit tombait et que la lune se levait, trompée par l'obscurité. Ce n'était pas pour arranger les cultures, principalement celles des petits pois et des tournesols. On le confondait souvent avec un volcan. Et alors les alpinistes l'escaladaient, ou bien avec une locomotive, et c'étaient les voyageurs qui le prenaient. Les myopes juraient que c'était un dragon, et les presbytes que c'était le diable. En réalité, il n'était rien de tout cela. Il était Smokey the Smoke, et voilà tout. Il provoquait les pires catastrophes sans s'en douter. Impossible de naviguer, de prendre une photo ou de lire son journal avec Smoky the Smoke dans les parages. À force de l'arroser chaque fois qu'il manquait d'incendie, les pompiers ont fini par l'éteindre. Maintenant, j'imagine qu'il se baigne tout le temps et qu'on lui jette des tisons. C'est probable. Le camion filait à une allure vertigineuse. Son moteur ronronnait comme un tigre câlin. Ils doublaient toutes les voitures. Leur conducteur appuyait l'index contre la tempe en abreuvant le chancelier d'injures. Lui restait d'une grande dignité. Il n'ouvrit la bouche qu'une fois pour déclarer qu'il s'était égaré et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il aboutirait. Ils guettèrent une station-service où il pourrait se renseigner. Devant eux, la route se dévidait, interminable et déserte. Elle contourna une montagne, enjamba un fleuve large comme la mer, se resserra dans une gorge, déboucha dans une vallée. Il n'y avait toujours pas de station service. Le chancelier priait à voix basse. Des maisons apparurent au loin. Un panneau indiqua. Rome. Ralentir. Je sais où nous sommes. S'exclama le duc. Je connais tout le monde dans cette ville. En effet, dès qu'il eut rangé le camion devant la poste, un homme qui passait le salua de la main. Comment allez vous, gouverneur? À merveille. Et vous même? Très mal. Le médecin dit qu'il va falloir opérer. Ce n'est pas de chance. Adieu, gouverneur. Une femme pleura sur l'épaule du vieillard. Ah grand-père Quel malheur dans ma vie Albertino est mort. Luciana n'en a plus pour longtemps. Et Alfredo continue à jouer. Je n'ai plus de larmes. Au bureau de poste, tout le monde gratifia le vieil homme d'un titre différent. La receveuse, qu'il l'appelait Milor, lui apprit en se tordant les mains que la retraite n'était pas arrivée. Un policier lui donna du commissaire et exhiba ses cicatrices. Une marchande de fleurs se frappa la poitrine d'une manière déchirante en relatant la triste agonie de son mari. Et quatre concierges se battirent pour lui faire tâter leurs glandes. Une foule qui grossissait à vue d'œil le suivait pas à pas. Filons jeta l'ivrogne d'une voix angoissée. Ils quittèrent Rome sur les chapeaux de roue. Vous jouissez d'une immense popularité, constata Jonathan. Ils ne me connaissent pas ou bien mal. C'est moi qui les connais tous. C'est un grand calvaire de connaître tout le monde. Comment rester insensible à leur malheur Je les connais si profondément. Croyez-moi, il vaut mieux être célèbre. La lumière déclinait. D'un coup, les poteaux électriques qui bordaient la route s'illuminèrent. Nous sommes suivis, annonça le chancelier. Il appuya sur l'accélérateur, mais la voiture inscrite dans le rétroviseur ne se laissa pas distancer. Une poursuite acharnée s'engagea alors. Le chancelier, sobre par miracle, conduisait avec une adresse remarquable. Il prenait des virages en dérapant, braquait contre braquait, gagnait mètre après mètre sur l'autre voiture. Une végétation tropicale avait remplacé les maigres buissons alpestres. Après un tournant très sec, l'éléphant s'engagea dans un chemin qui s'enfonçait entre les arbres. Il cassait les branches basses, comme un animal sauvage. Le chancelier arrêta le moteur, éteignit ses phares. Il n'y a plus qu'à attendre. Peut-être avons-nous réussi à leur échapper. La nuit était maintenant complète. Dominant le bruissement des insectes, le ronflement d'une voiture s'amplifia rapidement. Les poursuivants n'avaient pas été lâchés. Le chancelier alluma ses phares. Une Rolls-Royce de couleur rouille vint se ranger à côté du camion. Le chauffeur, en grand uniforme, casquette et gants blancs, jaillit de la voiture et courut ouvrir la porte arrière. Il en descendit une ravissante jeune femme, vêtue d'un manteau en fourrure d'hermine et coiffée d'un chapeau à larges bords. Sa jambe droite, bizarrement tordue, était alourdie par une chaussure orthopédique. Le chancelier poussa un cri de joie. Kofi Il se précipita à sa rencontre et tomba dans ses bras. Ses bas font des plis, constata Angine. Tout le maquillage qu'elle porte sur la figure ne doit pas lui arranger la peau. Son rouge à lèvres est poisseux comme de la confiture. Regardez, il produit des fils entre les lèvres. On dirait que le bleu de ses paupières a été peint par les gants de boxe. Elle a de la cellulite au genou. C'est honteux elle pourrait au moins les cacher. Elle a des bajoux et des poches sous les yeux. Sans soutien-gorge, sa poitrine ne doit pas être formidable. Elle est sûrement affreuse au saut du lit. Le chauffeur avait regagné sa place où il attendait, impassible, la fin de l'entrevue. Le chancelier, son bras passé sous celui de Kofi, revenait vers le camion. C'est Kofi, princesse. Vous savez bien, Kofi. Il se tourna vers Jonathan. Kofi est une vieille amie. Elle ne s'appelle pas Kofi, mais c'est la fille du roi du café. Elle est un peu princesse également. Kofi sourit gracieusement à Jonathan. Elle fouilla dans son sac de crocodile et en retira une praline qu'elle tendit à Angine. Voilà pour vous, petite, prononça-t-elle avec une pointe d'accent américain. Merci, madame, j'ai une mouche qui en raffole. Kofi n'entendit pas. Déjà, elle poursuivait. Quelle difficulté nous avons eu à vous rattraper. Je n'aurais jamais pardonné à Virgile, mon chauffeur, s'il vous avait laissé échapper. Je suis si heureuse, mon cher Santa Claus. Je n'espérais plus vous revoir un jour. Vous n'avez plus besoin de moi à présent. Vous êtes marié, c'est vrai, mais si vous saviez combien je suis triste. Smarkash, mon mari est un bandit, un pirate, un naufrageur. Il n'a pas de cœur et trop de cervelle. L'odeur de l'argent le rend fou. C'est un ogre. Il a dévoré plus d'encaisseurs que je n'ai de cheveux. Son dessert préféré est une bourse saupoudrée d'or. Et pour dormir, il revêt un pyjama fait de billets de banque. Je l'ai cru amoureux de ma fortune. Il l'était de moi-même. C'est encore pire. Il m'enferme dans un coffre-fort, me frotte pour me faire briller, me convertit en action, me compte, me cote, m'évalue, me dévalue. Kofi éclata de rire. Vous souvenez-vous de Jenny Elle qui désirait tellement épouser un millionnaire. Elle a réussi. Par malheur, elle a été trop vite. C'est un millionnaire en année. Il est vieux comme le monde, mais il n'a pas un sou. Elle doit travailler pour lui payer ses médicaments et sa bouillie. Pauvre Jenny. Virgile. Du champagne. Nous allons fêter nos retrouvailles. Le chauffeur installa une petite table garnie de plusieurs bouteilles mises à rafraîchir dans des seaux à glace, ainsi que de trois flûtes de cristal rose. Il versa le champagne. Kofi porta le premier toast. À Santa Claus. Angine, que l'on avait omis de servir, s'en alla en courant. Kofi tenta de la retenir, mais le chancelier l'en empêcha. « Laissez, elle reviendra d'elle-même. »« Cette petite ne m'aime pas. Je suis triste de lui déplaire. »« Vous exagérez un peu. »« Ou pas du tout. »« Ou un petit peu. » Ce fut au vieillard de boire à coffee, puis à Jonathan de lever son verre à angine, puis indistinctement aux trois. Les buveurs décidèrent de s'installer à l'intérieur de la Rolls. Le confort y était parfait. Le chauffeur assurait le service avec une rare distinction. Les premières bouteilles achevées, un souper fut improvisé. Caviar, poulet en gelée, Glace, deux haut-parleurs diffusaient de la musique douce. Jonathan, les yeux mi-clos suivait la conversation ininterrompue qui se déroulait entre ses deux compagnons. Quelle est cette étrange petite fille qui vous accompagne, Santa Claus C'est moi qui l'escorte, Kofi. Est-elle réellement princesse Bien entendu, elle est aussi riche que vous, sinon davantage. Son trésor se trouve dans le camion, mais c'est un secret. N'avez-vous pas peur des voleurs Si, je tremble. Regardez bien, je suis vert émeraude. Hier, j'étais vert anglais. Et l'autre, qui est-ce Oh, lui, il n'est pas avec nous depuis longtemps. Nous l'avons recueilli par charité. Le malheureux s'était blessé en tombant. Il ne nous gêne pas beaucoup. C'est à cause du trésor que vous vous hâtez tellement Oui, et aussi à cause d'un complot qui nous menace. J'ai peur pour la princesse. Jusqu'où n'iraient pas les gens comme la Duchesse Biscotte et le Margrave de Gruyère Leur ambition est insatiable. Les moyens illimités, leur haine accélérée. Est-ce un grand royaume Où se trouve-t-il sur la carte. Tout ce que je puis en dire, c'est qu'on y commet moins de gallicisme que partout ailleurs. En revanche, on y chante des chansons sans queue ni tête. Oh, chantez-moi une. J'aimerais tellement vous entendre. Si vous éteignez la musique. Le chauffeur tourna un bouton et le chancelier put commencer. Vous avez de l'embonpoint. Je vous donnerai néanmoins un paquet de bonbons. Mais prenez garde aux écueils. Il vous faudra voler comme un bouvreuil pour atteindre votre écuelle. Jonathan applaudit poliment. Kofi s'extasia. C'est magnifique. Si vous veniez à New York, vous gagneriez beaucoup d'argent. Le directeur de la plus grande firme de disques est de mes amis. C'est un personnage étonnant et follement sympathique. Il vous plairait beaucoup. D'ailleurs, il rit comme vous. Oh, venez Santa Claus. J'ai une mission à accomplir, Kofi. Ensuite, peut-être. Notez que votre réaction ne m'étonne pas. Je suis un très grand chanteur. Tout le monde adore m'entendre. Pourtant, je chante peu. Les compliments me gênent trop. Vous avez une voix extraordinaire. Très vrai. Le chancelier poussa un rugissement et se mit à casser l'une après l'autre les flûtes de cristal. Non, pas vrai. Fausse. Fausse. Vous entendez? Elle m'en a demandé des efforts pour l'atteindre. Il n'y a rien de vrai en moi. La moindre de mes verrues est artificielle. Tout est pensé, travaillé, trafiqué. Je suis un menteur intégral, pas un arriéré. Kofi présenta ses excuses. Le chauffeur nettoya les débris de verre et remplaça les flûtes. Jonathan en profita pour s'éclipser. Après s'être promené parmi les arbres illuminés par les phares, il s'appuya contre un marronnier et contempla les étoiles. Vous ne vous sentez pas bien, vous non plus Non, j'ai dû manger trop de glace. Et moi, j'ai bu trop de vin rouge. Jonathan sursauta. Vous avez bu du vin rouge Oui, j'ai pris une bouteille du chancelier. Je déteste cette vieille femme qui vous a invité. Je m'ennuyais. Alors j'ai bu. Et maintenant, j'ai envie de vomir. Jonathan s'assit sur le sol. Prenez place, princesse. Essayez de dormir, cela vous fera du bien. Mettez votre tête sur mes genoux. Angine s'installa. Sa respiration devint régulière. Elle dormait, Jonathan écouta les échos de la musique qui retentissait à nouveau. Il ferma les yeux et céda lui aussi au sommeil. Chapitre 10 Des voix appelaient. Angine, Jonathan, Princesse. Angine se blottit contre le jeune homme. Ne répondez pas, ils ne peuvent pas nous voir. Ils vont s'inquiéter. On ne restera pas longtemps. Juste un peu. Cinq minutes. Les voix se déplaçaient. Une lampe électrique explora le buisson. Puis l'obscurité revint. Devinez ce que j'ai rêvé. Je ne sais pas. Vous avez les yeux grenats. Alors? Oui, je le sens. J'ai rêvé que j'étais dans une gare. J'attendais le chancelier au train de douze heures vingt. Je me tenais près du portillon et je regardais tous les voyageurs qui le franchissaient. Tout à coup, l'un d'eux s'est mis à me disputer en disant que je le dévisageais pour me moquer de lui. J'ai répondu que j'attendais quelqu'un, mais il n'a pas voulu me croire. Il m'a demandé ensuite de quelle façon je me souviendrais de lui. J'ai répondu, je me souviendrais d'un voyageur. Alors, il s'est fâché tout rouge. Il a dit qu'il n'était pas seulement un voyageur, et il m'a accusé d'avoir l'intention de l'oublier. Bien entendu, j'ai soutenu le contraire. Un autre voyageur est intervenu. Il était très triste. Il m'a fait remarquer que je me souviendrais du premier voyageur, mais pas de lui. Je l'ai réconforté. Les deux hommes se sont disputés parce qu'ils voulaient que je me souvienne d'eux et ils s'accusaient d'employer des moyens déloyaux. Et puis, je me suis réveillé. Maintenant, je me les rappelle parfaitement. Heureusement, tous les autres voyageurs ne m'ont pas demandé la même chose. Oui, deux, c'est déjà beaucoup. Pourquoi dites-vous cela Je pourrais aller jusqu'à cinq. Ma mémoire est excellente. Tenez, je vous revois lorsque vous êtes monté dans le camion, la première fois. Il y avait une mèche qui vous retombait sur les yeux. Les appels reprenaient, de plus en plus angoissés. « Nous sommes ici !» cria Jonathan. Angine lui pinça la cuisse. Le chancelier et Kofi accoururent. « Dieu soit loué Dieu soit loué !» Il ne parvenait pas à dire autre chose. « Oh que je suis malade !» gémit Angine. Elle se mit à claquer des dents. La petite fille paraissait réellement très malade. Son teint était cireux, son front couvert de sueur. « Il faudrait peut-être appeler un docteur. Elle a beaucoup de fièvre. » Le chancelier se tordait les mains. « Je ne me le pardonnerai jamais tout est de ma faute. Je ne suis qu'une brute, un monstre, un. Il chercha dans le dictionnaire. Un mammouth. Voilà ce que je suis. Et encore de la pire espèce. Venez chez moi, proposa Kofi. C'est à deux pas. La petite y sera mieux qu'ici. Je ferai venir un médecin en qui j'ai toute confiance. Par chance, Smarkash est absent. Il effectue un voyage d'information aux antipodes. Il visite les comptes en banque les plus appétissants, et il évalue le moment où ils seront à point. Il ne reviendra pas de sitôt car il met soixante-dix heures par kilomètre. Quel âge a-t-il Soixante-dix ans. Il faudrait résumer les septuagénaires, soupira le chancelier. Partons. La Rolls-Royce exécuta un habile demi-tour, suivi tant bien que mal par le camion. Jonathan y gagna deux bosses au sommet du crâne. Il dut retenir Angine qui faillait rouler hors du lit. Elle délirait. N'a-t-elle pas de l'esprit, monsieur Si, c'est la naïveté, l'esprit des enfants et des vieux temps du monde, quelquefois des bons vieillards. Il y a même des hommes qui sont toujours naïfs. L'agneau avait-il le droit de se désaltérer dans l'onde pure Était-il protégé par les lois Le loup respecte-t-il les lois Pourquoi le loup vient-il à la rivière Son langage est-il convenable Aimez-vous les loups, mademoiselle Et les hommes loups Jonathan épongea le front de la malade. Calmez-vous, princesse. Dormez. Ne buvez-vous pas de vin Le vin de France est-il sain N'est-il pas une bénédiction de Dieu pour la France est-il bon de boire du vin en France N'est-il pas dangereux de boire du vin en Amérique Aimez-vous le café Et Je n'ai pas d'opinion. Dès que j'aurai repris le pouvoir, ma police la passera à tabac. Je ferai empailler sa voiture. J'ai à mon service le meilleur empailleur de voiture du monde. Tous les Anglais sont des ogres. Elle se redressa brusquement. Savez-vous que je descends en ligne droite de Nefertiti mon arbre généalogique est si grand, si haut, que la foudre l'a frappé maintes fois. Son sommet est calciné, durci comme la pointe d'un épieu. Mais à la base, de jeunes pousses continuent de naître, avec une vigueur renouvelée. Tous les personnages de la deuxième partie du dictionnaire sont de ma famille. Nous avons en commun une marque de naissance. Trois phalanges à l'index phalange, phalangine et phalangette. J'aime bien être malade. J'ai l'impression de vivre en syncope. Tiens, le soleil a bronzé votre cigarette. C'est un cigare. Il a attrapé un coup de soleil. Il est tout rouge au bout. Le camion roulait sur une allée de gravier. Il décrivit un demi-cercle et s'arrêta. Des domestiques aidèrent Jonathan à transporter la fillette. L'intérieur du château était superbe. On lui avait donné l'aspect d'un immense château de cartes. Les différentes figures monumentales regardaient passer le cortège. Le roi de Pique hante le château, chuchota Kofi. Ce soir, vous ne risquez rien. C'est le trèfle qui est là tout. Angine fut installée dans une chambre tendue de velours bleu, percée d'une baie vitrée. Son visage avait la pâleur de l'oreiller sur lequel sa chevelure flamboyait. Plus tard, le docteur, un jeune homme sérieux à lunettes, fit son entrée, une serviette de cuir noir sous le bras. Voyons la malade. Si la maladie est trop grave, nous la mettrons en hibernation. C'est d'ores et déjà possible et les risques sont minimes. C'est le docteur Angoisse, présenta Kofi. Ses honoraires sont très raisonnables. Elle a bu trop de vin rouge, docteur, presque une bouteille. Hum, mmh, le whisky est moins dangereux. J'en boirai bien un grand verre pour me donner du courage, car j'ai le trac. Il absorba l'alcool d'un seul trait. Après quoi, il s'approcha en tremblant d'angine pour l'ausculter. Arrêtez de respirer. Respirez, dites trois fois trente-trois. Et donnez-moi le total. C'est bizarre. Je n'entends rien. Je dois être souffrant. Très inquiet, le docteur Angoisse abandonna sa patiente pour s'ausculter lui-même. Il toussa, prononça 99 et cessa de respirer. Il cessa si bien qu'il perdit connaissance. Par bonheur, Jonathan eut l'idée de lui ordonner de respirer à nouveau. Le docteur reprit sa couleur naturelle, un autre verre de whisky acheva sa convalescence. D'un air rassuré, il sortit son bloc-notes et dévissa son stylo. Silence Je vais rédiger une ordonnance Comment écrit-on Baillé aux corneilles Avec un Y, fit Kofi en américain. Merci. Peut-on dire aussi curieux que cela paraisse Non, il faut dire si curieux que cela paraisse, corrigea Jonathan. Le docteur noircissait page après page. Parfois, il s'interrompait pour demander un renseignement. Merci, il se replongeait dans la rédaction de l'ordonnance à laquelle il mit le point final quelques heures plus tard. Elle possédait une centaine de feuillets. L'auteur était fatigué mais content. C'est mon chef-d'œuvre, déclara-t-il en remplissant son verre de whisky. Je vais le porter chez mon éditeur. Il me donnera beaucoup d'argent. Je pourrai enfin abandonner la médecine que j'ai en horreur. Je vous régalerai bien de quelques passages, mais je ne parviens pas à me relire. J'utilise habituellement un pharmacien qui est le seul à pouvoir déchiffrer mon écriture. Et pour la malade? Elle n'a besoin que d'un verre de vin, si elle en manifeste l'envie. Voilà le meilleur remède. Alors pourquoi une si longue ordonnance? C'est un roman d'épouvante, mon trente et unième, le plus abouti. Il m'a été inspiré par un livre que je viens de lire. Je l'ai respecté mot pour mot. Quelle dose de tact et de désespoir ne m'a-t-il pas fallu pour m'effacer devant l'œuvre d'un confrère En partant de cette histoire très simple, j'ai écrit l'un des sommets de la littérature universelle, où le lyrisme le plus effréné s'allie heureusement à la clarté du style. Comment, dans ces conditions, pourrais-je encore m'intéresser aux misérables microbes qui taraudent vos organismes Adieu Adieu Laissez la bouteille, s'il vous plaît. Le docteur Angoisse, plus mortifié qu'il ne voulait le paraître, déposa la bouteille sur un guéridon et sortit en claquant la porte. Ce n'est pas grave, expliqua Kofi. Il agit toujours de la sorte. C'est un excellent médecin et un grand écrivain. La petite ne pouvait pas être en de meilleures mains. Laissons-la se reposer. Je vais vous montrer vos chambres. Vous manquerez de place car il y a de nombreux invités au château en ce moment. Ils gravirent un étage. Voici pour Santa Claus, et voilà pour Jonathan. Jonathan remercia l'hôtesse et pénétra dans la pièce. Le lit était situé au fond d'une alcôve. En repoussant le rideau de dentelle qui le dissimulait, il eut la surprise d'y découvrir trois hommes barbus endormis. La lumière électrique les réveilla. Ils étaient furieux d'être dérangés. Que vendez vous? Nous n'avons besoin de rien. Je m'appelle Jonathan. Kofi m'a dit de dormir ici. Mais puisque vous êtes là, si vous avez la permission de Kofi, nous allons vous faire une place. Le lit est large. Jonathan s'installa dans le petit espace que lui abandonnaient les trois barbus. Il dut se relever pour éteindre la lumière, et dans le noir, son voisin lui murmura. À propos, il est bon que vous sachiez qui nous sommes. Je m'appelle Barbe Noire. Mes frères sont Barbe Verte et Barbe Molle. Dormez en paix. Nous ne nous intéressons pas à vous. Nous sommes bien trop occupés à rechercher une petite fille rousse qui nous file entre les doigts. Bonne nuit, monsieur Jonathan. N'hésitez pas à nous réveiller si vous la rencontrez. Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Chapitre 11 Au milieu de la nuit, Jonathan repoussa les couvertures et se leva doucement. Une main retint son bras. Où allez-vous chuchota Barbe Noire. Je vais voir à quel quartier en est la lune. Je peux vous fournir le renseignement. Elle est pleine. Je voulais aussi passer aux cuisines pour manger quelque chose. J'ai des croissants sous l'oreiller. En désirez-vous un Non, merci. J'ai soif. J'ai une bouteille de soda. Buvez. Jonathan but une gorgée du liquide aigre. Merci beaucoup. À présent, mes mains sont poisseuses. Je voudrais les laver. Tenez, j'ai un gant humide et une serviette. Nettoyez-vous. Je ne sais comment vous remercier. Je fumerai bien une cigarette. J'ai oublié les miennes dans la voiture. J'ai des gauloises. Vous êtes trop bon. Avez vous du feu? Certainement. Barbe Noire frotta une allumette. Jonathan souffla sur la flamme au moment où elle jaillit. Barbe Noire jura. Il y a un courant d'air. Je vais en frotter une autre. Chaque fois, Jonathan éteignait la flamme. Bientôt, la boîte fut vide. Je sors chercher mon briquet, dit le jeune homme. Sans attendre la réponse, il se libéra. Voulez-vous que je vous accompagne Votre amabilité me touche. Inutile de vous déranger. Vous ne permettez pas que je vous tienne compagnie supplia Barbe Noire, la voix pleine de trémolo. J'aurais tellement de peine si vous vous égariez. N'ayez crainte, je sèmerai des cheveux pour retrouver mon chemin. Barbe Noire étouffa un sanglot. Alors, à tout de suite, mon cher Jonathan. Ne restez pas trop longtemps dehors. Vous pourriez prendre froid. À tout de suite. Jonathan se rendit à pas de loup jusqu'à la chambre du chancelier. Il gratta à la porte. Un gnome borgne ouvrit aussitôt. Avez-vous rendez-vous demanda-t-il. Non, je suis attendu. Remplissez cette fiche. Inscrivez votre nom en lettres capitales ainsi que l'objet de la visite. Jonathan obéit. En face de objet de la visite, il mit personnel. Le petit borgne disparut dans l'entrebâillement de la porte et revint quelques minutes plus tard. On va vous recevoir, si vous voulez bien me suivre. Il conduisit Jonathan jusqu'à un cabinet, au milieu duquel un inconnu trônait derrière son bureau. Il était occupé à compulser une liasse de documents. Asseyez-vous, ordonna-t-il, sans relever les yeux de ses papiers. Non, merci. Il s'agit d'une erreur. Ce n'est pas vous que je viens voir. Le personnage releva enfin la tête. Il ressemblait étonnamment à un porc. De temps en temps il reniflait sans élégance, ce qui renforçait cette impression. Qui vouliez-vous rencontrer Le chancelier, un ami. Vraiment Le connaissez-vous depuis longtemps Disons que je le connais. Vous refusez de répondre à ma question. Vous venez au milieu de la nuit pour voir quelqu'un que vous connaissez à peine, et vous refusez de répondre aux questions les plus anodines. Je vous trouve terriblement suspect. Et moi je me demande en quoi tout cela vous intéresse. Si le chancelier ne se trouve pas ici, dites-moi où il est. C'est moi qui pose la question, pas vous. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il ne me plaît pas. Je veux voir le chancelier tout de suite. L'assurance de l'homme à la tête de porc tomba d'un seul coup. Il parut très désappointé par le refus de Jonathan. Il bégaya. Vous refusez de me suivre, même si je vous donne un dixième de loterie. Je n'en veux pas. Un billet entier. N'insistez pas. Un billet entier et une belle montre en or. Je veux voir le chancelier. Hurla Jonathan. L'homme se mit à trembler. Chut Ne faites pas de bruit Vous allez m'attirer des ennuis Je ne suis que le deuxième secrétaire. Vous risquez de me faire perdre ma place. Ne pourriez-vous pas être un peu plus coopératif Nous saurions vous exprimer notre gratitude. Je n'y tiens pas Bon, mais vous n'avez pas de cœur Le petit borgne apparut. Introduisez monsieur chez le chancelier. Le borgne alla ouvrir une porte. Qui dois-je annoncer Jonathan, tout simplement. Il fut introduit dans la pièce. Cette fois, il se trouvait en présence du chancelier qui était assis par terre, une expression de surprise peinte sur le visage. Tiens, c'est vous, Jonathan C'est bizarre. J'étais persuadé qu'il y avait une chaise à cet endroit. J'ai dû rêver. Que désirez-vous Avez-vous entendu parler des trois hommes nommés Barbe Noire, Barbe Verte et Barbe Molle Les frères Barbe Bien sûr, ce sont les pires ennemis de la couronne. Pourquoi Ils sont ici. Ils dorment dans mon lit. Le chancelier prit un air rusé. Comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'eux si vous ne les connaissez pas Ils m'ont prévenu eux-mêmes. Il faut tenir conseil avec Kofi. Le chancelier se releva. Elle était dans la Rolls. Elle ne quitte jamais la Rolls. Ils découvrirent la jeune femme endormie sur la banquette, la tête renversée sur un coussin. Le chancelier lui chatouilla le menton. Elle ouvrit les yeux. Bonjour. Prendrez-vous une coupe de champagne Ils acceptèrent l'invitation. Connaissez-vous les frères Barbe Kofi oui, ce sont les meilleurs amis de mon mari. Et de dangereux gredins. Ils sont sur la piste de la princesse. Lorsque j'étais petite, je volais de l'argent. Chaque jour, je volais pour aller acheter des bonbons chez Simone Lyon. Un jour, j'ai pris davantage car j'avais envie d'un porte-cigarette garni en chocolat. Simone Lyon fut étonnée de me voir en possession d'une si forte somme. Elle l'a dit à mes parents. Papa et maman m'ont fait toute une histoire. Ils ont dit qu'ils m'emmèneraient dans une maison de correction. Nous avons pris l'avion et à l'escale de Pernambouc, j'étais certaine que l'on y conduisait. J'étais tellement effrayée que j'avais mal à l'estomac. Maman m'a assuré que si je ne recommençais pas, je pouvais rester à la maison. Je n'ai jamais pu voler, excepté quelques cendriers et deux ou trois diamants. Les frères Barbe sont d'une autre envergure. Ce sont eux qui ont organisé et répandu l'usage du crédit. Comment puis-je vous aider Que prennent-ils au petit déjeuner demanda Jonathan. Du thé au lait, des brioches, des tranches de rose beef, de la choucroute et du plum pudding. Serait-il possible de verser un somnifère dans le thé Nous profiterions de leur sommeil pour partir. Kofi approuva. Oh, oui Comme ce sera distrayant Je vais tout de suite préparer le thé. Jonathan alla se recoucher. Lorsqu'il se glissa dans le lit, Barbe Noire lui signala qu'il était resté absent durant une heure, sept minutes et quinze secondes. Chapitre XII Les frères Barbe s'éveillèrent à neuf heures pile. Ils jetèrent Jonathan à bas du lit. Deux jours, leur aspect était vraiment effrayant. La barbe de barbe noire était réellement noire, celle de barbe verte réellement verte, et celle de barbe molle était molle. Nous avons grand faim, clamertine en lorgnant Jonathan d'inquiétante façon. Nous mangerions n'importe quoi. Heureusement, un domestique apporta le plateau du petit déjeuner. Les frères Barbe se désintéressèrent de tout pour s'empiffrer de nourriture. La bouche pleine, Barbe noire se tourna vers Jonathan. Buvez une tasse de thé. Il n'y a rien de meilleur pour les orteils. Non, merci, je n'aime pas le thé. Voulez-vous insinuer que vous éprouvez une insurmontable répulsion à l'égard des gens qui en boivent Pas du tout. Je suis désolé de ne pas l'apprécier autant qu'il le mérite. Ma famille en était fanatique. Je m'y suis efforcé en vain autrefois. Dans ce cas, prenez un peu de choucroute. Sans façon, merci. Qu'est-ce à dire donna Barbe-molle. Vous nous insultez N'abusez pas notre patience, monsieur le difficile. Vous auriez tort de vous vexer, je n'ai pas faim. Les frères Barbe se consultèrent du regard. Ligotons-le, mes frères, suggéra Barbe Verte. Nourrissons-le de force. Ainsi aurons-nous la certitude d'avoir lavé notre honneur. Malgré ces protestations, Jonathan fut attaché sur sa chaise. Pendant que Barbe Noire lui pinçait le nez, Barbe Molle lui enfournait de grandes cuillerées de choucroute dans la bouche. Le jeune homme étouffait, quand le somnifère contenu dans le thé finit par produire son effet. Les trois frères cédèrent successivement au sommeil, abandonnant Jonathan entravé et bâillonné de choucroute. La situation était sur le point de devenir catastrophique lorsque la porte s'entr'ouvrit pour livrer passage à la princesse. Sous la couronne de papier doré, elle avait le teint rose et ses yeux pétillaient. Je suis guéri Qui sont ces vilains barbus Pourquoi refusez-vous de m'adresser la parole Vous êtes bien fâché elle ramassa une plume provenant de l'édredon et la promena sous le nez de Jonathan. Il éternua. La choucroute qui obstruait sa bouche fut expulsée d'un seul coup. Il put prononcer. Par pitié, libérez-moi Ces hommes sont vos ennemis. Que me donnez-vous si je vous détache Un baiser, mais faites vite. Je pourrais en avoir un quand je le voudrais. Qu'est-ce que la pureté C'est une invention du chef de la police. Elle lui permet de surveiller les gens sous prétexte de s'assurer qu'ils sont purs. Êtes-vous pur je suis plus compliqué que cela. Vous avez réussi votre examen. Je vous libère. Jonathan frictionna ses poignets. Vite, nous avons déjà perdu trop de temps. Le chancelier les attendait sur la deuxième marche de l'escalier. Nous ne pouvons plus partir. On a volé trois petites cuillères à dessert. J'ai compté et recompté, il n'y a plus de doute possible. Trois cuillères à dessert manquent. Je vous en achèterai d'autres, promit Jonathan impatienté. Venez maintenant. Le vieil homme lui barra la route. Il n'en est pas question. Vous ne trouverez nulle part de semblables merveilles. Elles proviennent de la collection du vidame d'orange, le collectionneur de collections dont la femme collectionne les collectionneurs. Elle les stocke dans une grande chambre froide. Le vidame s'y trouve, entre autres puisqu'il est collectionneur. Cette histoire embrouillée est relatée de manière détaillée sur le manche des petites cuillères. Leur valeur est inestimable. Vieux fou, dit Angine, insultez-moi dans ma chair et dans mon sang, je ne renoncerai pas à retrouver les petites cuillères. J'en attends une inspiration. Fouillons les frères Barbe, ils sont trois et il manque trois petites cuillères. L'opération fut couronnée de succès. L'ivrogne serra sur son cœur les précieux couverts. Il murmurait d'une voix extasiée Mes petites chéries, mes boutons d'or, mes cailles, mes grives, mes petits yaourts, ne craignez plus rien à présent, je veille sur vous. Dépêchons, les frères Barbe ne dormiront pas éternellement. Juste comme ils sortaient sur le perron, une puissante moto stoppa devant eux. Un homme d'âge canonique, botté, casqué et moulé dans un costume de cuir noir en descendit. Jonathan comprit immédiatement que c'était Smarcache. Confie glapit le naufrageur d'une voix aigre. Elle courut au devant de son mari. « Comment allez-vous, ma femme ?» Le ton de Smarcach était si terrifiant qu'Angine se serra contre les jambes du chancelier. « Je vais bien, monsieur mon mari. Avez-vous fait un bon voyage ?»« On ne peut meilleur. J'ai roulé à soixante-dix kilomètres à l'heure. »« Comment se portent mes excellents amis, les frères Barbe ?» Ils se portent bien, monsieur mon époux. Ils sont en train de dormir dans leur chambre. Ils dorment encore à neuf heures passées. Voilà qui est extrêmement bizarre. Ils ne sont pas malades au moins. Nenni, monsieur mon conjoint. Leur santé est excellente. Ils ont même commandé un petit déjeuner ruineux. Comment Ils ont commandé un petit déjeuner alors qu'ils dorment encore Vous m'étonnez, ma femme. La pauvre Kofi rougit comme un tison. Elle balbutia. Ils se sont endormis après. Je présume qu'ils dorment, je n'en suis pas certaine. Smarkash la scruta de ses petits yeux jaunâtres, puis son regard se déplaça jusqu'au groupe formé par Angine, Jonathan et le chancelier. Qui sont ces gens De vagues relations. Ne vous inquiétez pas d'eux, ils ne font que passer. Cette petite fille rousse est bien appétissante. C'est une princesse sans intérêt. J'ignore jusqu'à son nom. Le naufrageur s'approcha de sa femme comme pour l'embrasser. En fait, il la mordit à l'oreille jusqu'au sang. Kofi fondit en larmes. Il eut un vilain sourire qui découvrait ses dents carriers. Pleurez, madame, les larmes vous rajeunissent. Je vole embrasser mes chers frères Barbe. Dès que son mari fut entré dans le château, Kofi clopina jusqu'au chancelier. Fuyez, fuyez pendant qu'il en est temps encore. C'est un homme abominable. Il ne vous laissera que la peau sur les os. Il vous pressera le nez, il vous pincera la langue, il vous tordra les bras. Tout cela par pure méchanceté, car il n'en retire aucun plaisir. Mais vous, ma pauvre Kofi, moi, c'est différent, il m'aime, et je dois avouer que s'il me presse le nez, s'il me pince la langue, s'il me tord le bras, c'est avec un tel amour que ce n'est pas désagréable. C'est à votre salut que je pense. Disparaissez, nous irons ensemble en Amérique, Santa Claus. Vous deviendrez un chanteur de renommée mondiale, et nous boirons ensemble des fûts de champagne. C'est que je n'ai pas encore trouvé mon genre, je me cherche. Dois-je opter pour le folklore ou bien pour la chanson de rythme Le public est en pleine évolution actuellement. « Fuyez Fuyez Je vous embrasse, Jonathan. Bonne chance, princesse !» Déjà, une voix terrible clamait de l'intérieur. « Kofi Empêchez vos amis de partir !» La princesse et sa suite s'engouffrèrent dans l'éléphant qui démarra en trombe. « Plus vite !» cria Angine. « Plus vite !» Jonathan guettait dans le rétroviseur un point noir qui grossissait rapidement. Smarcache les poursuivait sur sa moto. « Plus vite Plus vite !» Le camion dérapa dans un tournant. Il y eut un grand bruit de vaisselle brisée, la cargaison avait rompu ses amarres. La porcelaine. Gémit le chancelier. Il freina. L'éléphant grinça de toutes ses jointures, tourna sur lui même et s'arrêta en travers de la route. Un choc plus tard, avec un choc terrible, la moto se jeta contre le pachyderme. Smarkash décrivit une courbe dans le ciel et retomba assis à califourchon sur la trompe de l'éléphant. Il glissa, plongea la tête la première dans le fossé où il demeura planté les pieds en l'air comme un arbre. La moto ressemblait à une feuille de papier froissée. « J'espère qu'il ne m'en voudra pas, » soupira le vieillard. Il s'en fut arrimer la précieuse cargaison. Lorsqu'il revint, sa physionomie n'était plus qu'un grabouillis de rides. Douze assiettes cassées, six disques brisés, le bahut normand a perdu ses portes. « À ce train-là, il ne restera bientôt plus rien. Qui voudra de vous, ma pauvre princesse, sans royaume et sans dot Toi, mon brave chancelier, je le voudrais de tout mon cœur, princesse, mais je ne pense pas que mon foi me le permettra. » Il faut le convaincre, chancelier. Depuis quelque temps, il devient irascible. Il veut que je me hâte de vous amener chez votre oncle. Il enfle les griffes comme un chat en colère. Oh. Je saurais bien le faire patienter un peu, mais un jour viendra où je devrais lui obéir. Que feras-tu ce jour-là Je partirai en voyage, Angine. Avec Kofi, en Amérique, pour enregistrer tes disques Oui, en Amérique. Ailleurs, c'est trop loin. Jonathan observa le chancelier à la dérobée. Il paraissait à cet instant très triste et très fatigué. Chapitre XIII. Midi sonnait lorsque le camion pénétra dans une ville triste et sale nommée Jérusalem. Des passants à l'œil éteint rasaient les murs. Des vieilles, frileusement enveloppées dans leur châle de laine tricotée au point de riz, se chuchotaient des calomnies à l'oreille. Les enfants étaient fanés comme des centenaires. La princesse saisit un micro et mit le contact. Sa voix, démesurément amplifiée par le haut-parleur, secoua la torpeur de la ville. Dans le licage dort un fainéant. Il est lieutenant-colonel. Dans l'armée des chou il mange à la carte-lettre. Ce qu'il préfère, c'est l'entrecôte. Mais il ne déteste pas les porte-manteaux. Dans l'arrière-boutique, il y a des cache-nez. Il y a même un vice-amiral et un chauffe-bain. Hier après-midi, j'ai perdu mon porte-monnaie. Alors, comment acheter un casse-noix Angine, pliée en deux par une canne de tout, coupa la sonorisation. Une agitation insolite secouait la rue. Le chancelier imperturbable continuait à rouler au milieu de la chaussée. Angine rétablit le contact. Rien ne vaut le ton à l'huile, salmodia-t-elle, les beignets d'aubergine ne sont pas mauvais non plus. Personnellement, je ne déteste pas les salsifis. »« J'ai faim, dit Jonathan. Je vous invite à manger au restaurant. La princesse débrancha le haut-parleur. Vous avez donc de l'argent, Jonathan. Croyez-vous que je mette tous mes billets dans le même portefeuille Le chancelier se rangea le long du trottoir. Il semblait souffrir du foie. Son teint était verdâtre. Ce n'est rien, assura-t-il. Une bouteille de vin rouge me remettra d'aplomb. Il n'y a pas de meilleur médicament. Le restaurant était vaste et désert. Un maître d'hôtel plein de morgues vint à leur rencontre. Que désirez vous faire? Manger? Le chancelier s'agenouilla, et, sortant son mouchoir, lissa les chaussures de l'homme en noir. En se relevant, il expliqua. Il y avait de la poussière dessus. J'espère qu'il ne met pas ses pieds dans le plat. Le maître d'hôtel, plus renfrogné que jamais, leur alloua une table située dans un renfoncement. Nous préférons une table près de la fenêtre, dit Jonathan. Je regrette, elle est réservée, monsieur. Mais il y en a quatre. Elles sont toutes réservées, monsieur. Angine s'empara d'une fourchette et la planta dans la cuisse du maître d'hôtel, qui fit un bond de côté. Elle m'a blessée, s'exclama t-il. Cette petite m'a blessée. Il était sur le point de défaillir. Toutes les tables proches de la fenêtre sont-elles réservées? demanda le chancelier avec sympathie. Je. Euh... Angine donna un autre coup de fourchette. Euh, L'une d'elles est encore libre. Par chance. Installez-vous. Le maître d'hôtel alla en titubant chercher trois menus. Presque plus rien n'est chaud, prévint-il. Et ce qui est froid est tiède. Ne vous inquiétez pas. Nous réchaufferons les plats en brûlant la table. Le maître d'hôtel écrasa une larme sur sa joue. Vous n'oseriez pas, mademoiselle. Mais si, monsieur. Nous voudrions une boîte d'allumettes. Le maître d'hôtel se jeta à genoux. Alors choisissez-en une autre. Celle-ci est un souvenir de famille. Mon parrain y prit son dernier repas. Un repas chaud ou un repas froid Il ne mange que des aliments tièdes, mademoiselle. Un rien lui fait prendre chaud et froid. Comment obtenez-vous des aliments tièdes En les réchauffant ou en les refroidissant Le maître d'hôtel, surpris par la question, réfléchit profondément. Eh bien, cela dépend. Pour les aliments froids, nous les réchauffons. Pour les aliments chauds, nous les refroidissons. C'est un gros travail. Le maître d'hôtel l'admit. Il ajouta. C'est que j'aime mon parrain, voyez vous? Je voudrais une bouteille de vin rouge de première qualité, commanda le chancelier, et du pain. Bien, monsieur, et comme dessert, une bouteille de vin rouge avec beaucoup de sucre, s'il vous plaît. Des curieux, le nez aplati contre la vitre, tentaient de deviner la commande. Des paris s'établissaient, l'argent circulait de main en main, un gendarme se joignit à la foule et joua des coudes pour atteindre le premier rang. Impavide, le maître d'hôtel écrivait sur son carnet. Un poisson frais, commanda Angine. Très frais, je le veux vivant. Et comme entrée Deux sachets d'aspirine à la sauce tomate. Pour moi, des œufs durs et de la salade. Et des spaghettis pour tout le monde. Et de la musique. Le maître d'hôtel, frappé de neurasthénie, s'enfonça dans la profondeur des cuisines. Une musique d'orgue s'éleva. Le duc des vitamines vida sa première bouteille en un temps record. Ensuite, il fit claquer sa langue, soupira, orota, desserra sa ceinture d'un cran, éternua, toussa, grogna, loucha, se gratta, ordonna. Amenez la seconde bouteille, j'ai une faim de loup. Angine suçait sagement son poisson frétillant. Quand elle en fut lasse, elle tapa dans ses mains. Domestique Quelque chose ne va pas, mademoiselle Je voudrais un plat supplémentaire, du maître d'hôtel à la broche. Le malheureux joignit les mains. Par pitié, mademoiselle, je suis le seul maître d'hôtel de la maison. Conservez-moi à mon parrain. Vous ne serez pas assez cruel pour porter un coup fatal à un vieil homme qui n'a pas de cœur. Si vous avez faim, je puis vous servir les ongles du cuisinier, qui les a si bons qu'il ne peut se retenir d'y goûter, ou une soupe aux cheveux, ou une cuillère sale à lécher, mais pas un maître d'hôtel à la broche. Donnez-nous l'addition, et n'en parlons plus, fit Jonathan. L'addition était conçue. Aliment, valeur, douze billets. Déchets, valeur moins deux billets. Total, dix billets. Qui tout double demanda Angine. Double, dit le maître d'hôtel. Angine fit la grimace. Il a gagné. Donnez-lui vingt billets, Jonathan. Je l'imaginais moins malin. Mademoiselle est bonne. Mademoiselle est bien bonne. Elle peut emporter les couverts en souvenir. Jonathan ôta sa chaussure gauche. Il en retira une liasse dont il compta vingt billets. Le chancelier ramassait les couverts en jubilant. Cela renflouera le trésor royal mais il mania si maladroitement un couteau qu'il se coupa au pouce. Non. Le sang. Je ne veux pas le voir. Il s'évanouit. On le transporta à l'extérieur. Le gendarme écarta la foule pour lui faire place. On n'en voit plus? demanda comme à son habitude le vieillard en ouvrant les yeux. Non, répondit Angine. Il n'y a que du bouillon de poule. Et encore, il n'est pas ici. Je vous arrête. Prononça gravement le gendarme en posant la main sur l'épaule du blessé. D'un mouvement prest, le chancelier glissa les clés du camion dans la poche de Jonathan. Venez me voir en prison, jeta-t-il, tandis qu'on l'entraînait. Nous dresserons les plans d'évasion. Chapitre XIV Installés sur une banquette de cuir râpé, Jonathan et Angine feuilletaient des magazines féminins, vieux de plusieurs années. Une cinquantaine de personnes attendaient dans l'antichambre de l'avocat. Elles se dévisageaient avec haine. De temps en temps, une femme de ménage, au bas retombant sur les mollets, passait d'une porte à l'autre en traînant les savates. On devinait à sa mine désabusée qu'elle était depuis longtemps dans la maison. À intervalles différents, maître Corbeau apparaissait au sommet de l'escalier. Les visages se tendaient vers lui, en un même mouvement d'espoir. L'avocat laissait tomber un nom. L'élu, un sourire d'extase sur les lèvres, gravissait les marches qui menaient au cabinet de consultation. Les autres retombaient dans leur morne désespoir. Tiens, il y a un test, dit Angine. Nous allons savoir qui vous êtes réellement, Jonathan. Elle prit une allumette brûlée dans le cendrier afin d'inscrire les réponses. Dites oui ou non. Avez-vous le cancer? Non. Êtes-vous tuberculeux? Non. Avez-vous un foie malade? Non. Avez-vous trop de cholestérol? Non. Êtes-vous cardiaque? Non. Vous connaissez-vous plus de cinq verrues? Non. Êtes-vous affligé d'une infirmité cachée? Oui. Angine additionna les résultats et chercha la solution. Un oui, six non. Vous n'existez pas. Une inhibition quelconque a permis à quelqu'un de prendre votre place. Vous n'êtes pas Jonathan, vous êtes Jonas. Enfermé dans votre propre ventre, vous attendez que cet autre vous fasse naître, mais il n'y tient pas. Affaire vitamine. Angine arracha la page du test et la fourra dans sa jupe. L'avocat les fit asseoir en face de lui. C'était un jeune homme à l'aspect énergique et compétent. Il alluma une cigarette sans mouvement inutile. Ce vitamine est un duc, m'avez-vous dit. Le téléphone sonna. Maître Corbeau décrocha. Allô Oui. Quoi Vingt minutes cinq secondes Non, je n'avance pas. Il raccrocha et poursuivit. Oui, c'est un duc alors. Je ne pense pas qu'il sera très difficile de. Il décrocha le téléphone qui sonnait de nouveau. Allô C'est vous, cher ami. J'ai le renseignement que vous cherchez. Vingt minutes et cinq secondes. S'il prétend le contraire, appelez-moi. Nous aviserons. Un duc, parfait. L'entrevue pourrait avoir lieu demain. L'avocat s'aperçut qu'il n'avait pas raccroché le récepteur. Dès qu'il l'eut fait, la sonnerie se déclencha. Il ne répondit pas tout de suite. Bon, alors versez moi une provision et n'en parlons plus. Je m'occupe de tout. Si nous perdons, nous ferons appel. Pendant que Jonathan comptait les billets, il prit la communication. Sa voix bondit de tendresse. Annabella. J'ai des places. Demain à cinq heures. Une exécution capitale. Bien entendu que je le connais. Je t'embrasse, m'amour. Les yeux au ciel, Maître Corbeau empocha l'argent et reconduisit ses clients. Téléphonez-moi demain en fin de matinée. Il leur serra la main sous les regards anxieux des occupants de la salle d'attente. Ne vous inquiétez pas, Fiangine, lorsqu'ils se retrouvèrent à l'extérieur. Je vous rembourserai. Vous ne perdrez pas votre argent à cause d'un vieil ivrogne que vous détestez. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous restez avec nous. Votre cheville est guérie, non Vous ne boitez plus. C'est vrai, je l'avais oublié. Jonathan esquissa quelques pas de danse. Je suis tout à fait guéri, constata-t-il. Alors, pourquoi ne partez-vous pas Parce que je n'en ai pas envie, probablement. Vous avez pitié de nous, vous êtes persuadé que vous nous protégez, vous vous croyez plus fort que les autres, vous êtes tout surpris quand les gens sont moins faibles que vous ne le pensez. Je ne suis pas parfait, dit Jonathan. Vous rendez sournoisement des services pour devenir indispensable, vous jouez le beau rôle, ce n'est pas si souvent que vous avez dû le jouer, pas si souvent. Alors, vous sautez sur l'occasion. Mais je préfère vous avertir, vous n'êtes pas si fort non plus. Le duc des vitamines est mille fois plus fort que vous. Tant pis pour votre amour-propre, vous n'êtes pas le plus intelligent du monde, après tout. D'habitude, vous possédez en réserve une explication pratique pour la moindre chose. Mais voilà que brusquement, vous ne comprenez plus rien. Alors vous menez votre petite enquête. Quand votre opinion sera faite, vous partirez. Pas avant. Vous êtes trop vexé. Je suis certaine que vous iriez jusqu'à nous dénoncer à la police si cela pouvait vous aider à obtenir des renseignements. Vous êtes très forte en psychologie, princesse. Et si je vous révélais que je ne suis pas princesse, que le chancelier n'est pas duc, qu'en déduiriez-vous Que vous auriez aimé l'être C'est faux, vous seriez satisfait, soulagé, Angine est une petite fille à moitié folle, le chancelier n'est qu'un vieil ivrogne. Voilà ce que vous penseriez, il n'y aurait plus de mystère, vous pourriez aller exercer ailleurs vos précieux dons de déduction. Et si vous aviez la certitude que je suis une princesse, avec des certificats et des attestations, ce serait pareil, je vous méprise de A à Z. Jonathan dévisagea la petite fille avec inquiétude. Sa voix de plus en plus aiguë frisait la crise de nerfs. Sa lèvre inférieure tremblait elle avait du mal à retenir ses larmes. Je suis peut-être aussi un prince. Qu'en savez vous? Ou bien un mulet déguisé, ou une carpe farcie, ou un céleri rave, ou une bouteille de sirop contre la toux. Sans doute constituez vous un trésor à vous tout seul. Vous n'en saurez rien, c'est un secret. « Allons à l'hôtel, vous pourrez vous laver, car, soit disant vous vexer, vous ressemblez plutôt à une mendiante qu'à une princesse. » L'hôtel du commerce exhalait une odeur de matelas éventré. Le réceptionniste, aux yeux chassieux, les guida jusqu'à leur chambre. Pour lui, une pièce à trois lits, une plus grande pour elle. Les robinets fuyaient dans l'une comme dans l'autre. En explorant les armoires, ils découvrirent une bouteille hermétiquement close, couverte de poussière. Quand ils en eurent fait sauter le bouchon moisi, plusieurs feuillets s'en échappèrent. Ils étaient rongés par l'humidité et tombaient littéralement en morceaux. Toutefois, l'un d'eux était assez bien conservé pour qu'il fût possible de lire. SOS. Je suis un naufragé du temps victime d'une tempête de relativité. Qui que vous soyez, ô lecteur futur, venez à mon secours. Délivrez-moi de l'horrible piège dans lequel je suis tombé. Je ne suis pas très loin de vous. Un mois en arrière environ. J'ai beau me dépêcher de vivre, je ne parviens pas à vous rattraper. Par moments, quand je vais très vite, j'arrive à distinguer comme dans un brouillard des ombres qui s'enfuient. La seconde suivante, elles ont disparu. Je confie cette bouteille à l'armoire qui se trouve au fond de la pièce, car elle semble vieillir plus vite que moi. Hâtez-vous. Merci. Allons nous coucher, fit Jonathan en replaçant les feuillets dans la bouteille. Ce doit être un guet-apens. Le lendemain, il pleuvait. Enfermé dans le salon de l'hôtel, il regardait la pluie couler sur les vitres. Connaissez vous le jeu du gadin demanda Angine. Non. Il est très simple. On y joue avec un dé et deux pistes parallèles divisées en cases. Chaque joueur lance deux fois le dé pour faire avancer une chaussure sur la piste gauche et une autre sur la piste droite. Lorsque l'écart entre les deux chaussures est trop grand, le joueur tombe. C'est un gadin. Celui qui est tombé le moins souvent a gagné. Voulez-vous essayer Avez-vous le dé, les pistes et les chaussures Non. En effet, jouons à autre chose. À la pomme par exemple. Chacun reçoit une pomme qu'il mange les yeux bandés. Celui qui a reçu une pomme véreuse est perdant. Si les deux pommes sont véreuses, la partie est nulle. Les joueurs en prennent une nouvelle et ainsi de suite. Avez-vous des pommes Non. Jouons au cavalier municipal. Cavalier municipal est tombé de cheval, il s'est rompu les os. On lui donne du sirop. On l'emmène à l'hôpital, on lui donne du gardénal. Il repose à point fermé, n'allez pas le réveiller. Comment gagne-t-on Ça y est, vous l'avez réveillé, vous avez perdu. Jonathan Mossad regarda l'eau ruisseler sur les carreaux. Vous n'appréciez pas mes jeux, c'est évident. Je les adore, seulement je n'ai pas envie de jouer. Pourquoi le chancelier a-t-il été arrêté Pour une histoire d'espionnage bien entendu. Le chancelier en raffole, il s'y adonne dès qu'il a un moment de liberté. Croyez-vous qu'ils vont le passer à tabac Le chancelier est trop malin pour cela. Et puis maître Corbeau a dû intervenir immédiatement. Enfin, on ne sait jamais. Dans le hall d'entrée, le réceptionniste égaré parmi les clés se lamentait. J'ai encore craché une dent ce matin. Il ne se passe plus de jours sans que j'en perde au moins une. Je ne pourrais bientôt plus manger que de la mie et de la bouillie. Bien sûr, il y a les dentiers, mais il paraît que certaines personnes ne s'y habituent jamais tout à fait. C'est une question d'allergie. J'appartiens sans doute à cette catégorie et je ne supporte plus rien. Mon estomac refuse toute nourriture. Si j'avais su, j'aurais mangé moins de choux à la crème lorsque j'étais jeune. Si j'avais su, je serais en meilleur état maintenant. Pas de glace, pas de gâteau, pas d'alcool, pas de tabac, pas de cholestérol. Hélas, il est trop tard. Je me détériore un peu plus chaque minute. Et pourtant, Seigneur, comme je me sens jeune et enthousiaste. Comme mon âme est fraîche. Qu'on me laisse vivre encore un peu. Je n'abuserai plus de mon corps. Je ne ferai aucun excès, je le jure. Je resterai tranquille dans mon coin sans bruit. Je lirai, je méditerai. Rien que pour des plaisirs intellectuels. Voilà ce que sera ma vie. Par pitié, Seigneur, encore un petit peu. Il ne parlerait pas de cette manière s'il était roi, ou même prince, dit Angine. Il continuerait à manger des gâteaux aux cérémonies officielles, c'est obligatoire. Désirez-vous entendre l'histoire de la petite aveugle et du crocodile Si vous acceptez de me la conter. C'était une petite fille pauvre et aveugle. Elle avait un petit chien au bout d'une laisse pour la conduire. Un jour, il a été avalé par un crocodile affamé. La petite fille pauvre croyait que c'était le chien qui la tirait. Elle le suivait sans méfiance. Toute la journée, le crocodile s'est promené le long du fleuve. Les gens qui les voyaient passer croyaient qu'il s'agissait d'un tour de cirque. Ils applaudissaient et bourraient les poches de la petite aveugle de pièces de monnaie. Quand le crocodile est retourné à l'eau, la petite fille l'a suivi. Le poids des pièces l'a fait couler à pic. Moralité, elle était riche, mais pas assez pour voir où elle mettait les pieds. C'est une histoire curieuse, n'est-ce pas Vous l'avez inventée Pas du tout. Je l'ai lu dans un livre de cuisine au-dessus de la recette du crocodile au courbouillon. Le réceptionniste vint chercher Jonathan. Quelqu'un vous demande, monsieur. Un homme attendait dans l'entrée, absorbé par la lecture du règlement de l'hôtel. Vous vouliez me voir, monsieur? L'homme pivota. C'était un grand vieillard au visage rude, marqué de nombreuses cicatrices. Ses yeux enfoncés luisaient d'un éclat maladif. Monsieur Jonathan, mon nom ne vous dirait rien. Allons dans votre chambre, nous serons plus tranquilles. Dès que Jonathan eut refermé la porte, le vieillard scanda d'une voix vibrante. Vous n'en aviez pas le droit, monsieur. Non. Pas le droit. Quel droit, monsieur Celui de soustraire un enfant à sa véritable famille, celle du cœur. Un homme malade et une femme infirme sont aujourd'hui plongés dans la désolation par votre faute. Ils méritaient pourtant la paix et le bonheur. Oh, ils n'étaient pas très exigeants. Un petit être aux yeux rieurs leur suffisait amplement. Mais il a fallu que vous leur ôtiez cette humble joie. Qui vous paie Le père, la mère ou les cousins Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Vous n'ignorez pas que c'est de la petite Edna Collins que je parle. Comment sa famille indigne peut-elle prétendre la récupérer à présent qu'un foyer comme les autres et une vie normale lui étaient offerts? Certes, le père adoptif est malade, mais l'on s'attache à un être en mauvaise santé. Certes, la mère est infirme. Aurez-vous le cœur de lui reprocher, monsieur? Ce petit être leur était nécessaire, indispensable. Rendez l'enfant, vous aurez la satisfaction d'avoir commis une bonne action. Comment est cette Edna Collins? Vous le savez aussi bien que moi. Elle a cinq ans, elle est brune, avec des yeux noisettes. Elle a été opérée d'un bec de lièvre. Remettez-moi l'enfant, vous ne le regretterez pas. Vous vous trompez, monsieur. Edna Collins est une inconnue pour moi. Je voyage en compagnie de ma fille. Elle est rousse et âgée de dix ans. Sornette Je suis bien renseigné. Ce n'est pas votre fille, c'est Edna Collins. Vérifiez vous-même. En poussant la porte du salon, Jonathan constata l'absence d'Angine. Le vieillard était de plus en plus furieux. Puisque c'est comme ça, vous aurez de mes nouvelles. Lorsque le visiteur fut sorti, Angine abandonna sa cachette sous la table. Ouf J'ai bien cru qu'il me découvrirait Vous connaissez cet homme Bien sûr C'est Kolbetov, le mage. Avez-vous entendu parler d'une petite fille nommée Edna Collins Non. Par contre, je connais Thomas Collins. C'est mon ministre des Finances. La pluie redoublait de violence. Un jeune étudiant étranger, installé à la table voisine, rédigeait son courrier. Jonathan commanda deux chocolats et des brioches. Comment écrit-on j'ai payé demanda l'étudiant. On peut écrire j'ai payé ou j'ai payé ou même j'ai payé si l'on a suffisamment d'argent, répondit Angine. Ils attendirent l'heure de la visite au chancelier en faisant des emplettes au grand bazar qui se trouvait en face de la prison municipale. Jonathan acheta différentes pièces de vêtements, des provisions de bouche et une poupée. La princesse vola une parure soutien-gorge porte jartel et une paire de bas résilles. Chapitre XV Le chancelier paraissait assez déprimé. Prostré sur sa paillasse, il promenait autour de lui un regard sans joie. Pourtant, à la vue de ses visiteurs, ses yeux parurent s'animer. Il y avait une fois un petit garçon nommé Pichnik. Le loup le mangea. C'était un petit garçon si malin que personne ne s'en aperçut. Comment allez-vous demanda Jonathan. Je ne vais plus du tout, mon garçon. Les soucis me manquent. J'en suis malade. Oh. Ce n'est pas d'être en prison. J'ai toujours rêvé de passer ma vie en cellule. Enfant déjà, j'en mourais d'envie. Mes petits camarades y passaient la majeure partie de leur temps. Mais moi, mes parents n'étaient pas assez pauvres. J'adore la prison. Je peux réfléchir à la condition humaine, méditer sur les petits mystères de l'existence, traiter en imagination les gens comme ils le méritent. J'entreprendrais bien d'écrire mes mémoires, si seulement j'avais mon coffre. Vous savez, comme je suis un peu amnésique, j'ai pris la précaution chaque fois qu'un événement important survenait dans ma vie de faire un nœud à mon mouchoir et de le ranger ensuite dans ce coffre. Le drame, c'est qu'il n'est pas là et que je n'ai rien à boire. Je sèche de soif. Puis-je vous acheter quelques bouteilles Voilà l'injustice, mon petit. L'alcool est interdit aux détenus. Alors je suis triste. Je pense à vous, à la princesse et au trésor. Je n'ai pas le cœur à rire, croyez-moi. Le malheureux éclata d'un rire hystérique qu'il laissa se dérouler avec un geste d'impuissance. Vous pouvez le constater, mon hilarité n'est pas naturelle. Jonathan lui raconta la visite à l'avocat et l'optimisme manifesté par celui-ci. La physionomie du chancelier s'assombrit encore plus. Si l'avocat est optimiste, c'est mauvais signe. Je crains fort d'avoir à finir ma vie dans cette geôle. Un avocat neurasthénique m'aurait rassuré. Angine mesura la souplesse du lit. Le matelas est moelleux. La nourriture est elle bonne? Je n'ai pas à me plaindre, princesse. Mais sans boisson, je n'ai pas d'appétit. Le geôlier est obligé de me donner à manger, cuilleré par cuilleré. De plus, j'exige une histoire inédite, sinon je refuse d'avaler la moindre bouchée. Ils ont très peur d'une grève de la faim. Brusquement, le duc des vitamines fit un écart. Un cri d'effroi lui échappa. Là. Un rat. Jonathan et Angine se jetèrent le même regard surpris. Il n'y a pas de rat, mon brave chancelier. Ah non. Alors c'est encore un tour de mon foie. Votre foi vous délègue des rats. C'est un grand prodige. Il est coutumier de ce genre d'ambassade. Un jeune homme de ma connaissance, Paul Probst, fut réveillé au milieu de la nuit par une sensation d'étouffement. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un rat sur sa poitrine. Il l'expédia d'un coup de poing à l'autre bout de la pièce. Il lui lança également sa veste. qui dut l'assommer car il ne donna plus signe de vie. Alain Probst le saisit à travers sa veste et jeta le tout par la fenêtre. Il habitait au sixième étage. À mi-chemin, il vit le rat tomber comme une pierre, alors que la veste descendait en planant. Probst descendit des escaliers quatre à quatre. Il arriva près du rat au moment où l'animal expirait dans un dernier soubresaut. Eh bien, c'était son foie le responsable, parce qu'ensuite il a pris des petites pilules et il n'a plus jamais eu de rat. L'ivrogne sortit un mouchoir à carreaux dont il épongea les larmes qui s'échappaient de ses paupières. Vous pleurez, chancelier? Ma pauvre petite, j'aimerais vous savoir en sûreté chez votre oncle une part importante de mes malheurs s'évanouirait. Je pourrais songer aux grands projets concernant mon avenir. Votre voyage en Amérique. Votre carrière de chanteur. Oui, princesse. Je m'entraîne tous les jours pour devenir une vedette de première classe. J'ai accompli d'énormes progrès. Quand je chante, mon geôlier fond en larmes. Hier, il m'a dit qu'il avait envie de devenir meilleur en m'écoutant. C'est parce que je suis un débutant. J'espère lui donner bientôt l'envie de devenir pire. Je travaille surtout ma voix et mon solfège. Actuellement, je ne connais que deux notes le sol en l'air et le fa célibataire. Elles m'ont promis de me présenter aux autres. Pensez-vous que je puisse réussir? Sûrement. Lorsque vous parlez, on croirait entendre de la musique. Il faudrait un costume doré. Le chancelier se gratta pensivement une dent. Princesse, je remets le sort de Jonathan entre vos mains. C'est un jeune homme un peu fruste, mais doué d'un certain bon sens. Vous lui confierez la conduite du royal éléphant. Ensemble, vous irez chez votre oncle. « Ne serait-il pas plus sage de me laisser témoigner à votre procès ?» intervint Jonathan. Le vieil homme dédaigna de répondre. « Vous irez sans attendre. Prenez bien soin de lui, Angine. Ma malédiction vous poursuivrait jusqu'à la nuit des temps s'il lui arrivait malheur. Et vous, chancelier, maître Corbeau sera bien veillé sur moi. Promettez de m'obéir. »« Je vous le promets, » dit Angine sans émotion apparente. « Alors c'est bien. » Sans jeter un seul regard à Jonathan, le duc retira ses chaussures et se glissa dans son lit. « Bonsoir. Si vous entendez parler d'une bonne méthode de solfège, pensez à moi. Il ferma les yeux et s'endormit instantanément. En route commanda Angine. Ils réintégrèrent l'éléphant. Jérusalem ne fut bientôt plus qu'une masse confuse entre deux montagnes. Vous êtes bien attrapé fit Angine. Je suis bien attrapé. Vous ne vous attendiez pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. La prochaine fois, vous serez plus prudent. Et inutile de vous monter la tête. Ce n'est pas parce que vous avez la permission de conduire que vous êtes déjà chancelier. Vous n'êtes même pas le quart d'un chancelier. Vous êtes à peine ministre. Je vous destituerai dès que je le voudrai. Le voudrez vous? Tout dépendra de vous. Ils roulèrent en silence durant plusieurs kilomètres. La route s'abaissait en larges boucles vers la plaine. Ils dépassèrent une voiture retournée dans le fossé. Trois hommes en uniforme achevaient d'aligner les corps sur le bas côté. Une flaque de sang barrait la chaussée. Jonathan ralentit, mais l'un des policiers lui fit signe d'avancer. Un peu plus loin, Angine lança un ordre bref. Stop Jonathan obtempéra. Que se passe-t-il Il y a un superbe coucher de soleil. N'aimez-vous pas les couchers de soleil Je les adore car ils me donnent l'impression de recevoir du courrier tellement ils ressemblent à des cartes postales. Vous recevez beaucoup de courriers Au palais, j'en avais des caisses tous les matins. Ce que je préfère, ce sont les lettres destinées aux autres. Il y en a de magnifiques. Je me souviens d'un mot adressé à madame Tsetse, première camériste royale. Chère madame, tout est fermé. Les portes, les fenêtres, le gaz. Je me sacrifie car je connais votre horreur de la solitude. Mais je suis également très timide. Alors, si vous en éprouvez l'envie, passez dans la chambre contiguë où je vous attends. Nous converserons. Votre bien dévoué bâton. Puis-je repartir maintenant? Non. Attendez. Une fois, il m'est arrivé de recevoir une lettre anonyme. Princesse, peut-être ignorez-vous l'endroit où votre chat noir, avec une tache blanche, vous voyez je suis bien renseigné, se rend toutes les nuits. Dans ce cas, vous êtes la seule car toute la cour en fait des gorges chaudes. Je préfère vous prévenir car vous m'avez toujours été sympathique. Il va rejoindre la chatte du concierge, et on peut les entendre miauler toute la nuit. A bon entendeur, salut. Une amie qui vous veut du bien. Le plus curieux dans cette affaire, c'est que je n'ai jamais eu de chat. En tout cas, votre mémoire est étonnante. Lorsque vous faites des compliments, on a toujours l'impression que vous vous moquez des gens. Vous pouvez démarrer. Plus tard, ils garèrent le camion dans un chemin creux, pour y passer la nuit. Après avoir dîné, Angine se mit au lit, tandis que Jonathan restait dans la cabine à étudier la carte, en fumant des cigarettes. Lorsqu'il alla se coucher, la fillette dormait à demi découverte, revêtue seulement de la parure et des bas dérobés, ou feignait de dormir. Chapitre 16 un cri éveilla Jonathan. Il sauta du lit et se cogna le genou contre un meuble. La lumière lui révéla le lit vide de la princesse. La porte arrière béait sur l'obscurité. Il enfila un pantalon qu'il acheva de boutonner hors du camion. À présent, c'était le silence. Angine, Angine, où êtes-vous Un nouvel appel lui parvint. Il se précipita dans sa direction, les ronces le fouettaient au visage et lui déchirait les bras. Il s'arrêta pour écouter, repartit droit devant lui. Il trébucha sur une racine, tomba en avant. Un autre cri, tout proche, lui-là, le fit repartir. C'était la voix d'Angine. Elle appelait au secours. Les buissons semblaient animés d'une existence propre. Un cri jaillit derrière l'un d'eux, et Jonathan plongea. Une forme noire se tordit sous lui. Les dents se plantèrent dans son poignet. Il se cabra de douleur. Un coup magistral le libéra de la prise. La petite fille hurlait. Jonathan Jonathan Du calme, je suis là la silhouette s'enfuit dans un grand bruit de branches. Il se jeta à sa poursuite, en jean cramponné au pantalon. Ils perdait rapidement du terrain. Ils se retrouvèrent seuls dans l'obscurité, égarés. Jonathan chercha de quoi fumer. Par chance, il découvrit une dernière cigarette émiettée au fond du paquet. À la flamme de son briquet, il distingua le visage à peine effrayé de la petite fille. Que s'est-il passé Je l'ignore. Je viens de me réveiller. Quelqu'un me portait. J'ai crié il s'est mis à courir. Vous êtes arrivé, et voilà. Vous n'avez pas vu son visage Non, je n'ai vu que son dos. Comment rejoindre le camion maintenant Si nous nous éloignons davantage, nous risquons de ne pas retrouver notre chemin même de jour. Le mieux est d'attendre. J'ai froid, dit Angine. Je n'y peux pas grand-chose. Si mon briquet était plus gros, vous pourriez vous réchauffer. Si la lune était le soleil, je n'aurais pas froid. Si vous étiez mieux couverte, vous auriez chaud. Si j'étais malade, j'aurais froid tout de même. Avec une bonne couverture et une bouillotte, il n'y a pas de froid qui tienne. « Quand la bouillotte est pleine de glace, il n'y a pas de chaleur. » Jonathan écrasa sa cigarette. « Venez sur mes genoux. Je vous servirai de radiateur. »« Vous avez la chair de poule, » constata Angine quand elle fut installée. « Votre peau ressemble à du papier de verre. » Sa main caressa le visage du jeune homme. « Votre barbe est plus dure encore. C'est pour adoucir la joue des très vieilles femmes ?»« Non, c'est pour user les passe-montagnes. »« Quel bénéfice y trouvez-vous »« Je déteste les passe-montagnes. » Elle finit par s'endormir. Un crapaud coassa puis un autre. Un klaxon de voiture les interrompit. Le jour se levait. Jonathan disposa plus commodément la petite fille dans ses bras, puis il se mit en marche. Il parvint sans peine à la route. Un panneau de signalisation indiquant un croisement l'aida à s'orienter. Le camion ne devait pas être loin. Il reconnaissait le chemin. Il atteignit bientôt l'endroit où il l'avait garé. L'éléphant ne s'y trouvait plus. Il n'y avait pourtant aucun doute possible. La clarté était suffisante pour écarter l'éventualité d'une erreur. Les empreintes des roues, parfaitement visibles sur la terre molle, s'éloignaient en zigzagant. Angine assoupie dans ses bras, Jonathan suivit la piste. Les arbres se découpaient avec une netteté insolite sur le ciel saupoudré de talc. Après un détour de la route, il découvrit le camion, immobile, affligé d'une inclinaison révélatrice. Les voleurs jouaient de malchance. Un des pneus avait crevé. Jonathan déposa doucement la princesse au pied d'une borne. Puis, à l'indienne, le dos arrondi, les genoux flexibles, il s'approcha de l'éléphant. Celui-ci était abandonné, ou en avait l'apparence. En tout cas, aucun bandit n'était visible. Il ouvrit la porte arrière pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tous les meubles avaient disparu. Il ne restait pas un seul objet. Le trésor venait d'être volé. Les malfaiteurs n'avaient guère eu le temps de les transporter bien loin. La crevaison était un incident fortuit qu'ils n'avaient pu prévoir. Indécis, le jeune homme examina la campagne. Quelque chose dans l'herbe attira son regard. C'était une carte postale. Il la ramassa. Elle représentait trois jeunes filles pressant des bouquets contre leur poitrine nues. Au verso, ces mots laconiques S'il vous plaît, c'était signé Servelat et Moulade. La carte provenait assurément du trésor royal. Jonathan s'engagea dans la direction qu'elle indiquait. Il déboucha devant un hangar. Deux cuisiniers tenus achevaient de charger les meubles sur un chariot dont quatre bœufs constituaient l'élément moteur. Une vieille femme que Jonathan crut reconnaître surveillait l'opération. Imbécile, chointait la vieille, c'est tout ce que vous avez trouvé comme véhicule, vous n'êtes que des sardines. Je me demande parfois pourquoi je continue à m'occuper de vous. Vous connaissez le sort que je réserve aux sardines? Malgré le lourd buffet qu'ils étaient en train de hisser, les cuisiniers frissonnèrent. La femme gloussa de plaisir. Ah. Vous comprenez tout de même. Vous êtes les pires incapables que je connaisse. Incapables d'enlever une malheureuse gamine, incapables de voler un camion, incapables de trouver un moyen de locomotion correct. Cela fait trois échecs. Allons plus vite, paresseux. Nous serons encore là demain avec de pareilles sardines. Les hommes s'empressèrent. Dans leur hâte, ils firent retomber le meuble qui les blessa. Ils gémirent de douleur. Taisez-vous donc, moti maladroit. Vous voulez vous faire repérer Le dadais ne doit pas être loin. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Qu'il aille à la scala. Jonathan s'aplatit un peu plus derrière son tronc d'arbre. Bien lui en prit, car la vieille, se retournant d'un coup, balaya l'espace de son regard soupçonneux. Je me demande ce qu'est devenu le vieux. Il était moins dangereux. Je ne suis pas tranquille. Dépêchons-nous. Haut oh les mains commanda le jeune homme sans se montrer. Les deux cuisiniers obéirent aussitôt, ce qui eut pour effet de répandre le contenu d'une caisse pleine de papiers. La vieille se mit à hurler. Imbécile Vous ne comprenez pas que c'est lui Mauvaise sardine Attrapez-le, il est seul Elle n'attendit pas d'être suivie et se précipita vers l'arbre, toute griffe dehors. Jonathan abandonna sa cachette pour courir vers la voiture. Hue uh cria-t-il. Les bœufs s'ébranlèrent. Oh hurla la vieille qui le talonnait. Les bœufs s'immobilisèrent. Les deux cuisiniers suivaient la scène avec perplexité. U! Oh. Allez vous bouger, maudite sardine. Tu. Tu. Les bœufs se remettant en mouvement, la vieille dut ajouter un Oh. À leur attention. Les deux hommes se ruèrent sur Jonathan. Mais ils calculèrent si mal leur élan qu'ils s'étalèrent sur le gazon. Hue. Dit Jonathan, brandissant une chaise au dessus de sa tête. « Oh !» La vieille n'eut que le temps de se baisser pour éviter un pied de la chaise. Ses complices se relevèrent sans enthousiasme. Ils progressèrent à pas lents en se protégeant du coude comme des écoliers. Le dossier de la chaise entra en contact avec une nuque. L'un des combattants mordit la poussière. Uh « u Jonathan lança de toutes ses forces la chaise sur le cuisinier valide, qu'il a reçu en pleine poitrine. Il s'affala. « Oh !» râla la vieille. Elle souleva ses jupes et s'enfuit droit dans les fourrés. Les cuisiniers éclopés regardaient leur vainqueur avec des mines terrifiées. Vous allez m'aider à tout remettre en place. Et vivement, sinon, les malheureux chargèrent les objets sur la voiture. Jonathan guida les bœufs jusqu'à l'éléphant où la totalité du trésor fut réinstallée. Quand ce fut terminé, il libéra ses prisonniers et alla réveiller Angine qui s'étira voluptueusement. Tiens, des bœufs, j'ai bien dormi. Et vous Pas tellement. Où est cachée la roue de secours Je vais la chercher. Elle courut jusqu'au pachyderme qu'elle escalada avec l'aisance d'une acrobate. La roue était dissimulée sous la selle de carton-pâte qui en surmontait les chine. Le camion remis en état, Jonathan allait tourner la clé de contact lorsqu'une puissante conduite intérieure vint bloquer la route dans un crissement de frein. Trois hommes en descendirent. « Aïe !» soupira Jonathan. « Les frères Barbe !» Chapitre 17 Le camion roulait à vive allure. Ligoté à l'arrière, Angine et Jonathan se consolaient en bavardant. Les frères Barbe, magnanimes, avaient négligé de les bâillonner. Une barbe cache toujours quelque chose, déclara la princesse. Quelque chose de louche en général. Les nez de deux ou trois jours, nouvelles, sont attendrissantes, mais ensuite elles se laissent aller. Entre les poils chargés de miasme se meut une faune répugnante. Des vers de peau guettent leur proie. Des pourrieurs sautent de tronc en tronc. Et je ne suis pas loin de penser la même chose des moustaches, bien que la région soit moins méridionale. Il y a pourtant des barbes soigneusement entretenues. Comme des jardins à la française. Vous défendez les frères Barbe maintenant. Je leur réserve mes papiers gras. Je parie qu'ils vont nous enfermer dans une cave très profonde pour nous torturer à leur aise. Ils nous chatouilleront à la folie et chanteront. Au-delà des ergues s'en vont les règles. Là où il y a du pétrole, c'est pas drôle. D'une manière si abominable que nos oreilles en seront toutes écorchées. Pourquoi ces affreuses tortures Pour nous obliger à révéler la cachette du trésor. C'est élémentaire. Alors, avouons tout de suite, puisqu'ils ne peuvent manquer de le voir. Comme ils ne savent pas qu'il s'agit d'objets magiques, ils chercheront autre chose. Ils seront bien attrapés. Peut-être aussi demandant-ils une rançon. Pour moi, bien sûr, car vous ne valez pas cher. Qui paiera votre rançon Elle réfléchit avant de répondre. Je ne sais pas au juste. Mon oncle, le parti loyaliste ou les Nations Unies. Qui peut savoir Vous qui n'avez rien, pourquoi ne créez-vous pas une ligne pour la protection des droits de Jonathan Elle pourrait vous être utile, plus tard. Lorsqu'on n'est pas un personnage historique, il est préférable de s'y prendre à l'avance pour assurer sa protection. Voyons, princesse, je suis un personnage historique depuis que je vous connais. On ne pourra plus écrire votre biographie sans parler de moi. Ne vous montez pas trop la tête. Il me suffirait d'un mot à dire pour qu'on arrache toutes les pages où vous interviendrez. Vous n'êtes pas un personnage historique, mais un personnage épisodique. Ne l'oubliez jamais. Le camion s'arrêta brutalement. Barbe Noire enveloppa la tête des prisonniers dans un sac. On les conduisit dans un petit réduit où ils furent délivrés de leur harnachement. La pièce, passée à la chaux, était dépourvue de fenêtres. L'air arrivait par une meurtrière. Le mobilier se composait d'une table et de deux lits. Barbe Noire déposa un plateau contenant une bouteille d'eau minérale et des sandwiches. Voilà. Mangez, buvez, ne soyez pas tristes. Je ne voudrais pas que vous ayez de la peine. Nous allons simplement prendre un objet ou deux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je resterai toujours à votre disposition. Le réveil est à neuf heures et le petit déjeuner à dix. J'espère que le séjour vous sera agréable. À bientôt, mes chers amis. Vous perdez votre temps, répondit la princesse, vous ne trouverez jamais le trésor. Jonathan l'a trop bien caché. Barbe Noire sourit gentiment. Vous feriez mieux de tenir votre langue, mignon enfant, sinon nous pourrions bien en couper deux ou trois centimètres pour goûter les plats brûlants. Il ferma la porte à double tour en sortant. Pourquoi prétendez vous que j'ai caché le trésor? Parce que ce n'est pas vrai. Comme cela, ils peuvent vous torturer, vous n'avouerez jamais. Vous êtes une petite fille extrêmement astucieuse. Je suis tout le contraire d'une petite fille, Jonathan. Je joue à mon paraître une, mais ça ne m'amuse pas. Bien sûr, je suis encore fraîche, et les ongles de mes orteils ne sont pas hideux comme ceux des pin-up, Mais il ne me reste déjà plus tellement d'illusions. Seulement, je suis obligé de faire semblant. Sinon, personne ne s'occuperait de moi, et je suis incapable de survivre toute seule. Si seulement il y avait une retraite pour les enfants, comme il y en a pour les vieillards, je me retirerais dans un petit pavillon en banlieue, et je cesserai de jouer l'idiote. Le soir, Barbenois remplaça le plateau vide par un autre somptueusement garni. Son visage exprimait la fatigue. Ses doigts étaient déformés par les ampoules. Il souriait malgré tout. Comment allez-vous J'espère que vous aimerez ma cuisine. Je vous ai préparé mes meilleures recettes. Voulez-vous que je chante pendant le repas Ou bien que je danse Je connais des pas très difficiles, d'une grande pureté folklorique. Nous aimerions surtout quitter cet endroit, dit Jonathan. L'œil de barbe noire se mouilla. Ma présence vous est-elle à ce point odieuse, cher compagnon d'une nuit Je voudrais tant vous satisfaire. Mais nous n'avons pas encore trouvé ce que nous préférons. Bien sûr, vous possédez un vaste choix d'objets. Ce n'est pas de votre faute. Nous hésitons encore. On se lasse si vite des choses et même des gens. Barbe Noire souhaita une bonne nuit à ses hôtes. Il parut déçu de ne pas obtenir de réponse. Il me méprise parce que j'ai une barbe, murmura-t-il en s'en allant. Le lendemain, Angine fracassa une bouteille contre la porte. Barbe Molle, les paupières lourdes de sommeil, accourut. Taisez-vous, choléra. Relâchez-nous. Vous ne découvrirez jamais mon trésor. Vous êtes trop pignard, trop stupide. Défense d'afficher. Cela ne vous dit rien Alors libérez-nous. Jamais de la vie si vous continuez ce tapage. Que vont penser nos voisins Barbe noire est trop bon pour vous. Quand je pense qu'il me rationne le beurre pour vous le donner, j'en suis malade. Qu'il me laisse seulement vous chauffer un peu les pieds. Il ne sera plus utile de nous donner un mal de chien en pure perte. Deux journées passèrent. Le visage des frères se creusait à vue d'œil. Vers la fin du troisième après-midi, des coups sourds furent frappés contre le mur. Jonathan y répondit avec sa chaussure. Les coups retentirent une douzaine de fois, puis le silence retomba. Au milieu de la nuit, une clef tourna doucement dans la serrure. Une femme pénétra dans la pièce et referma vivement la porte sur elle. Lorsqu'il alluma l'ampoule électrique, Jonathan reconnut Kofi, plus belle que jamais, qui, un doigt sur les lèvres, lui recommandait le silence. Angine dormait, mais ses paupières frémissaient. Réveillez-la! chuchota la jeune femme. Ne faites pas de bruit, nous allons nous évader. La bouche de Kofi était tout contre l'oreille de Jonathan. Il sentait son parfum, un mélange de violette et de menthe. Êtes-vous prisonnière également s'enquit-il tout en habillant Angine, encore à moitié endormie. Oui, Jonathan. Je suis captive des frères Barbe, chez moi. Depuis que Smarcache n'est plus, barbe Verte s'est mis en tête de m'épouser. J'ai refusé car je hais les Barbes. Alors il m'interdit de sortir, de peur que je m'éprenne d'un autre que lui. Il y a longtemps que je voulais m'enfuir, mais je vous attendais. Je savais qu'un jour vous reviendriez. Angine était prête. Elle n'accorda qu'une attention restreinte à Kofi c'est vous Ce n'est pas une heure pour les visites Je suis une fée. Je n'ai pas besoin de me conformer à un horaire. Je suis intervenue pour vous aider. Même une princesse a besoin d'une bonne fée. Je n'ai pas besoin d'une fée boiteuse, ricana Angine. Et vous vous fichez pas mal de moi. C'est lui qui vous intéresse, seulement lui. Tournez-vous pendant qu'il s'habille. Kofi obéit. Des sanglots agitaient ses épaules, mais lorsqu'elle se retourna à la demande de Jonathan, elle ne pleurait plus. Ce n'est qu'une petite fille mal réveillée, mal lunée. Il ne faut pas lui accorder trop d'attention. Elle a raison, Jonathan. Je ne suis qu'une fée boiteuse. Une fée qui fait honte. Personne ne se soucie de m'avoir pour alliée, à part Barbe-Verte. Angine intervint. Il faut savoir supporter la vérité. À petite dose, ce n'est pas mortel et ça immunise. Après, vous serez plus forte pour affronter Gugine ou Kolbetov. Parce que maintenant, ma chère, excusez-moi de vous parler ainsi, vous ne faites pas le poids. Le chancelier vous dirait la même chose. Où est Santa Claus En prison. Jonathan mit rapidement Kofi au courant de leur mésaventure. Suivez-moi jusqu'au camion. » Ils rejoignirent l'éléphant après un long périple à travers les étages. Par bonheur, les objets n'avaient pas été déchargés. Les frères Barbe, exténués, se reposaient sur un amoncellement de housses. Le bruit du moteur les fit se dresser, tout poil hérissé. Ils coururent à côté du camion qui prenait peu à peu de la vitesse. « Mes chouchous, mes agneaux !» haletait Barbe Noire. « Mes bilboquets en sucre, ne me quittez pas !» Je vous préparerai des pique-niques, je vous inviterai à des thés dansants. Laissez-nous seulement le temps de choisir parmi vos jolies babioles. Je vous donnerai une mèche de ma barbe. Mon escarcelle d'amour, mon coffre-fort, ma caisse d'épargne, râlait Barbe-Verte. Épousez-moi immédiatement. Madame Barbe-Verte, votre mari vous appelle. Je vous ferai avaler ma barbe si vous ne m'obéissez pas sur l'heure tonnerre de cinquante mille volts vociférait Barbe Molle. Attendez-nous. Vous devez payer vos frais de séjour. Cinq petits déjeuners complets, deux roses bien tendres, des légumes verts et des flancs. Je ne compte ni le pain ni la boisson. Nous ne vous enlèverons plus jamais. Je ferai une séance de guignol pour tout le monde, sauf pour vous. Les trois frères furent rapidement distancés. Ils revinrent penauds vers la maison pour préparer leurs valises, sans doute. Kofi secoua sa jolie tête. J'espère être débarrassé d'eux pour un moment. S'ils n'ont pas déguerpi à mon retour, je les confierai à la garde brune de mon père. Vous avez été merveilleuse, dit Jonathan. Mettons passable, rectifia Angine. Chapitre 18 Les phares transformaient les arbres en fantômes pressés. Où irez-vous, Kofi La jeune femme referma son tube de rouge, elle se passa la langue sur les lèvres avant de répondre. Je n'ai que l'embarras du choix, Jonathan. Je possède au moins une maison dans chaque ville. Le seul ennui, c'est que j'ignore leurs adresses. Tant pis, je consulterai l'annuaire. Viendrez-vous me rendre visite Ne tardez pas trop, je risque d'être remarié. Mes maris ne sont pas tellement sympathiques. Comment vous trouverai-je Je vais sûrement me tromper de ville. C'est bien simple, je mettrai une petite annonce dans le journal. J'espère que Santa Claus pourra venir également, ainsi que la princesse avec son oncle. Alors je n'irai pas, je n'aime pas les vieilles générations. Que reprochez-vous aux anciennes générations Vous vous entendiez pourtant bien avec Santa Claus Oh, lui, ce n'est pas pareil, c'est un employé. Je leur reproche de promener sur le monde le regard serein des imbéciles qui s'imaginent avoir compris. En fait, ils ne voient que du feu. Ils sont fiers de leurs existences, mais ils ne savent pas s'en servir. Ils disparaissent mystérieusement vers 80 ans, quand ce n'est pas avant. Et vous Je pense donc j'en profite. Jonathan pointe l'index vers la route. Regardez je ne me trompe pas. Le chancelier Santa Claus. S'écrièrent en même temps la petite et la jeune femme. C'était bien lui, les yeux clignotant à la lueur des phares. Lorsqu'il a reconnu l'éléphant, il se mit à bondir en agitant les bras. Jonathan stoppa. Duc. Quelle chance. Vous n'êtes donc plus en prison. Je me suis évadé, avoua candidement le vieillard en prenant place sur la banquette qui commençait à fléchir. Les gendarmes vous arrêteront à la première occasion. Je sais, c'est une imprudence, mais à mon âge, on ne perd pas son temps. D'ailleurs, il cassé trop. Qui donc Le geôlier. Il était d'une prétention insupportable chaque fois qu'il gagnait aux échecs. Je lui ai dit, si vous continuez à manquer de tact, je m'en vais. Il ne m'a pas cru. Hier soir, il a gagné, et il s'est montré encore plus odieux que d'habitude. Je lui ai subtilisé la clé et je suis parti. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici En autostop. Je ne pensais pas vous rencontrer sur la route à une heure pareille. Vous risquez une insomnie. Et vous, Kofi Nous venons aussi de nous évader, dit Angine. Les frères Barbe nous ont capturés. Ils nous ont volé le camion et le trésor. À ces mots, le chancelier devint terriblement pâle. Rassurez-vous, Kofi a été un amour. Elle nous a libérés. Grâce à elle, nous avons pu récupérer le trésor. Les frères Barbe sont une véritable calamité, soupira le vieillard. Il faut que j'en dise un mot à mon teinturier. Il est très affluent vous devriez vous déguiser reprit jonathan votre signalement a dû être communiqué à tout le pays c'est déjà fait mon garçon j'ai changé d'opinion plus personne ne me reconnaîtra évidemment l'apparence est la même mais dès que j'ouvrirai la bouche on sera bien forcé de constater que je suis un autre homme sur quoi avez-vous changé d'opinion sur les melons d'eau par exemple maintenant je suis pour sur le travail la famille la patrie je suis neutre sur les environs je suis à peu près à propos N'avez-vous pas remarqué le gros rat noir au regard torve par ici Non, pas un seul. Votre foie vous tracasse-t-il mon bon vitamine Oui, princesse, il ne cesse de me harceler. J'aimerais pouvoir expliquer aux rats que je n'ai rien contre eux, que nous ferions mieux de conclure un pacte ensemble pour lutter contre notre ennemi commun, le foie. Mais ils ne veulent pas m'écouter. Ils se contentent de me dévisager pour me rendre fou. Jonathan, il doit rester une bouteille de vin rouge dans la boîte à gants. Auriez-vous l'amabilité de me la donner avant qu'un de ces maudits rats ne me la siffle? Jonathan lui tendit la bouteille. L'ivrogne en vida la plus grande partie sans reprendre haleine. Puis il enchaîna. Et vous, Kofi? Votre mari est-il remis de son accident? Vous lui présenterez mes compliments. Lui, il m'a rendu veuve. Je suis si riche maintenant que l'odeur de mon porte-monnaie, lorsque je le laisse ouvert, me donne la migraine. Désirez-vous quelque chose, Santa Claus? J'aimerais vous offrir un joli cadeau. Je voudrais une caisse de bouteilles de vin. Comptez-vous faire de toutes ces bouteilles Les boire, Kofi. Vous les voulez donc pleines Alors j'achèterai le vin en même temps que les bouteilles. Ce sera plus pratique. Comme cela, si je suis dans le besoin, je pourrai me faire rembourser les consignes. La vie d'artiste est bien aléatoire. Êtes-vous satisfait de vos progrès demanda la princesse. Ravi À la fin, mon geôlier avait envie d'étrangler les nourrissons en m'écoutant. J'ai surtout travaillé une chanson de ma composition. À ma fenêtre, il y a des barreaux. 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 Que pensez-vous de ces rimes Elles sont excellentes, chancelier. D'une voix rêveuse, Kofi murmura. Quand j'étais petite, j'avais une nurse qui avait coutume de m'endormir au moyen d'un charmant poème, très joli, très poétique, qu'elle disait d'une voix particulière, ni douce ni aigre, avec un soupçon de nostalgie dans les yeux. Ce poème racontait l'histoire d'une jeune fille amoureuse d'un jeune homme. Mais le jeune homme aimait une autre jeune fille. Alors la jeune fille du début se lamentait la nuit en regardant la lune. À la fin, elle épousait le boucher et restait malheureuse toute sa vie, mais mangeait de la viande de première qualité. Stop hurla le chancelier. Un gros rat au milieu de la route. Là, juste devant nous. Je ne vois rien, dit Jonathan. Mais il freina quand même. Le vieillard ouvrit la portière et sauta sur la chaussée. Il se précipita vers un point désert de la route en poussant des cris inhumains. Il est ensorcelé, souffla Angine, les yeux écarquillés. Le chancelier se démenait dans la lumière des phares. Il ressemblait à un acteur sur une scène de théâtre. Arrière, rat maudit Rat aux yeux torves, mangez-vous, noyez-vous, quittez mon navire. Les rats devaient se déplacer car l'ivrogne courait d'un côté à l'autre. Il les tuera jusqu'au dernier, confia Angine à Jonathan. Regardez comme il se bat bien. C'est un plaisir de le voir. Une voiture surgit en haut de la côte. Elle évita de justesse le héros et s'enfonça dans la nuit. Il ne la remarqua même pas. J'en tiens Exulta-t-il en levant haut la main pour montrer sa prise au passager du camion. Une pluie de gravier s'échappait de ses doigts crispés. Il fit le geste de lancer au loin le cadavre de l'animal, puis reprit sa lutte frénétique. Encore un, triompha-t-il, et encore un, et encore un. Ah, ah Vos yeux torves s'agrandissent. Vous ne pensiez pas avoir affaire à, à si forte partie. Attendez, ce n'est rien encore. Il tomba sur les genoux. Je me battrai jusqu'au bout. Approchez, rat, accourez. J'ai encore la force de vous tordre le cou, de vous rompre les chines, de vous broyer les os, de vous casser les reins, de vous piler les muscles, de vous arracher la queue. Angine sauta sur son siège. Mon brave chancelier, il est magnifique, Jonathan. Ne l'aiderez-vous pas à combattre cette horde de rats invisibles Auriez-vous peur Seriez-vous lâche J'y vais, princesse, répondit Jonathan. Il rejoignit le vieillard. Courage J'arrive à la rescousse L'ibrogne ne détourna pas la tête. Merci mon garçon. Vous ne serez pas de trop. Regardez tout ce qui arrive. Il y en a des légions et des légions. Ce ne sont pas des rats ordinaires. Ils marchent en ordre parfait, quatre par quatre. Ils avancent sans se presser, disciplinés comme des soldats. Un rat blanc vient en tête. Il aiguise ses dents les unes contre les autres. Il lève sa patte griffue pour ordonner l'assaut. Attention Il y en a un derrière vous. Jonathan fit volte-face. Il donna un coup de pied dans un caillou et le chancelier hurla. Pour la princesse Il parcourut quelques mètres à quatre pattes, puis s'effondra de tout son long. Jonathan courut vers le corps inanimé du vieillard. Il se pencha sur sa poitrine. Le silence était impressionnant. Chapitre XIX Il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez bien déguisé expliqua Jonathan à Angine qui hochait la tête. Alors il a changé de temps on ne pourra plus l'arrêter. Il est très malin. Cela signifie quoi changer de temps? Il est passé du présent de l'indicatif à l'imparfait, si bien que le chancelier n'est plus avec nous, mais était avec nous. Saisissez vous la nuance? Parfaitement. J'ai toujours adoré la grammaire. Allons-nous le laisser ainsi au milieu de la route? demanda Kofi, les yeux pleins de gouttelettes. Je vais le porter à l'intérieur du camion. Pendant que Jonathan l'installait sur une housse, un portefeuille s'échappa de la veste du défunt. Il contenait différents papiers relatifs à l'éléphant, établis au nom de Madame Angus Feld. Un permis de conduire comportant la photographie d'un individu nommé Frédéric Bog. Une enveloppe froissée arborant la suscription Jonathan Urgent. Il la décacheta et lut. Mon garçon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, servez-vous, mais ne touchez pas au trésor. Lorsqu'Angine sera chez son oncle, vous pourrez aller la voir de temps en temps si vous n'en profitez pas pour lui mettre toutes sortes d'idées saugrenues dans la tête. Le camion est à elle, pas à vous. Quand elle n'en voudra plus, qu'elle le casse, mais ne s'en sépare pas. Votre présence ne m'a pas toujours été insupportable j'aurais même bien aimé avoir votre photo. Remettez cette lettre à Angine après en avoir absorbé le contenu. Buvez un verre à ma santé, je baise la main de la princesse, le chancelier duc des vitamines. Le jeune homme remonta dans la cabine. Il tendit la lettre à la princesse qui en prit connaissance sans marquer de réaction. Nous nous séparerons de Santa Claus à la Mecque, dit Kofi. C'est la prochaine ville. Il y a tout ce qu'il faut. Espérons le, répliqua Jonathan. Nous devons ranger le chancelier dans un endroit sûr, pour qu'il ne s'abîme pas. Il voudra peut-être revenir un jour au présent de l'indicatif. C'est certain. J'ai pensé à différents endroits, mais je ne suis pas encore décidé. Avez vous une opinion? Nous pourrions le mettre dans une boîte proposa Angine. Ce n'est pas bête. Oui, une boîte en bois. Mais la boîte elle même, où l'entreposerons nous? Pendant que le camion roulait, il réfléchissait à la question. Kofi suggéra un coffre fort, mais cela ne résolvait pas le problème. C'est la princesse qui découvrit la solution. Si nous placions la boîte au fond d'un trou dans la terre, ce serait l'endroit idéal. Tous en convinrent. Je vous quitterai dès que le chancelier sera en sécurité, déclara Kofi. Je dois faire la tournée de mes demeures pour y mettre un peu d'ordre, car elles doivent être horriblement mal tenues depuis le temps que personne n'y va. Vous allez avoir beaucoup de travail, vous n'avez personne pour vous aider? Je ne resterai pas longtemps seul, Angine. Peut-être Jonathan viendra t-il lui même à mon secours dès qu'il vous aura conduite chez votre oncle. Peut-être prendrai-je des locataires. Je n'ai que l'embarras du choix. La Mecque s'annonçait au loin dans le jour naissant. Jonathan eut vite fait de découvrir un magasin peint en noir à la vitrine encombrée de fleurs. De la lumière filtrait par la porte de l'arrière boutique. Le commerçant ouvrit au premier coup frappé sur le carreau. C'était un gros homme jovial qui se frottait l'estomac de satisfaction. Vous avez de la chance de me trouver. Une minute plus tard j'étais à la Morgue. Avec son aide, Jonathan transporta le chancelier dans le magasin. Vous prendrez bien un verre, en attendant le docteur, proposa l'homme. Il ne va pas tarder, car il habite au dessus. Jonathan accepta un verre de vin rouge. Il ne l'avait pas encore terminé quand le docteur arriva. Il était mal réveillé. Dans sa hâte, il avait mis ses lunettes à l'envers. Il s'est fait dévorer par les rats, à ce que j'ai compris Pas tout à fait. C'étaient des rats invisibles. En réalité, le plus grand ennemi du chancelier était son foie. Le médecin hocha la tête. Il parcourut le corps d'une oreille distraite, palpassa et là, puis dévissa son stylo. Hum. Il est mort de quelque chose. Voilà le certificat nécessaire. Adieu. Il faut que je me rende auprès d'une malade qui dort dans mon lit. Les formalités furent rapidement réglées. Jonathan rejoignit les femmes qui somnolaient dans le camion et Kofi ouvrit les yeux. Je vous quitte ici, Jonathan. Prenez soin de vous. Je serais trop malheureux s'il vous arrivait quelque chose. Acceptez cette bague. Il vous suffira de la tourner deux fois vers la gauche et deux fois vers la droite pour que je pense à vous. Où habite l'oncle de la princesse À Lisieux, dans une maison ornée de céramiques. J'ai passé des vacances à Lisieux étant enfant. Je me souviens de beaucoup d'arbres. L'étrange est qu'ils étaient pourvus de voiles. J'en ai appris la raison beaucoup plus tard. L'industrie locale étant la fabrication des mâts de navire, on pose des voiles sur l'arbre dès son plus jeune âge, afin d'habituer le bois aux pressions du vent. « À bientôt, Jonathan !» Elle effleura d'un baiser le visage du jeune homme, caressa la chevelure rousse d'Angine endormie. Ses souliers claquèrent inégalement sur le trottoir. Elle s'en alla sans jeter un regard en arrière. « En attendant, vous n'avez plus de cigarettes, dit Angine. Votre paquet est vide. Il faut en acheter au bureau de tabac. » Elle était réveillée et semblait d'excellente humeur. Je vais être obligé de me restreindre, princesse. Je ne possède presque plus d'argent. Mais il y a tant de mégots par terre qu'il n'y a qu'à choisir. Ils en firent bientôt une provision suffisante pour remplir le paquet de Gauloises. Ne vous inquiétez pas, dit Angine. Puisque le chancelier n'est plus là, vous pourrez vendre le trésor royal. Il n'y a plus de raison de nous priver désormais. Dressons l'inventaire. Ensuite, nous aviserons. La liste fut rapidement si longue que Jonathan dut la diviser en deux parties horizontale et verticale, pour donner de chaque pièce une définition précise. Lorsque le classement fut terminé, ils se trouvèrent en possession de plusieurs grilles de mots croisés qui les renseignaient parfaitement sur le contenu du camion. Cela donnait à peu près horizontalement. 1. Fabriqué pour Ariane. En personne. 2. Voyage épluché. Panique. Moins clair que le charbon. 3. Cercle vicieux. C'est devenu un sport. 4 à deux doigts du précipice 5 courge fourbe sic placé sous surveillance médicale pour une quinzaine de jours 6 petit lutin d'anvers voisin de juliette 7 à laisser fondre lentement dans la bouche chez un dramaturge espagnol 8 les plus gros ne font pas le poids 9 il est tendre lève-toi et tombe lève-toi et rampe 10 fit damner jésus verticalement 1 Sosie solitaire, le temps qu'il fera pour Nicolas. 2. Trois ans, glas de bas de page. 3. Chronique de quoi 4. Peau et compagnie, objet de discorde. 5. À l'encre en Chine, la monnaie de ta pièce. 6. Un outil plus précieux que vos mains. 7. Une chose certaine, la source innocente de tant d'efforts. 8. Humour secret, passion moyenne. 9. Donneur de sang. 10. Qui j'étais Pour plus de clarté, un dessin accompagnait le texte. Il ressemblait vaguement à celui-ci. Tout était très bien rangé, mais rien ne semblait avoir beaucoup de valeur. Chapitre 20 La mer était toute proche. Parfois, les dunes la dissimulaient, mais elle reparaissait toujours, plus grise, plus morne. Son odeur fade emplissait la cabine du camion. Avez-vous rencontré beaucoup de femmes aussi belles que Kofi demanda Angine. Jonathan prit le temps de réfléchir. Une, avoua-t-il enfin. Qui était-ce Je ne sais plus. Angine était suspendue à ses lèvres. Comme il n'ajoutait rien, elle poursuivit Kofi est très séduisante. Au début, je ne l'appréciais pas. Pourtant, je m'y suis habituée. On doit pouvoir s'habituer à tout le monde, même à vous. Pour en vouloir aux gens, il faut des raisons peu banales. Sinon, ils ne sont pas bien gênants. En fin de compte, les sentiments ont peu d'importance. Moi, je n'en éprouve aucun. C'est pour ça que je suis heureuse. Une jeune femme en maillot de bain courait dans l'eau en faisant jaillir de grandes gerbes d'éclaboussures. Elle agita les bras en direction de l'éléphant. Ne répondez pas, ordonna la princesse. La baigneuse agita encore deux ou trois fois les bras et plongea en riant. C'est drôle, Jonathan. J'ai déjà oublié la couleur des yeux du chancelier. Je n'arrive plus à imaginer son visage, comme si sa photo était au fond d'un verre plein d'eau trouble. La différence de temps produit souvent cet effet. Pourtant, je me souviens très bien de petits faits insignifiants. Ainsi, il lui est arrivé de hausser les sourcils un jour que je lui parlais trop vite. Sa façon de hausser les sourcils m'a frappé. J'y songe souvent depuis. Je revois les deux plis au milieu du front et les rides au coin des yeux. Mais le reste de sa figure m'échappe. Une autre fois, alors qu'il mâchait un couteau de pain, son menton était tout bosselé. J'ai remarqué bien après qu'il en était de même pour la plupart des gens. « Nous allons prendre de l'essence avec mes derniers billets. » Ensuite, il faudra vendre quelque chose. Il rangea le camion devant une station service. Le pompier vint prendre la clé du réservoir. Le plein, monsieur Le plein. Jonathan appuya sa nuque sur le dossier de la banquette. Vous avez sommeil C'est vrai que vous n'avez pas dormi. Moi, je me sens toute reposée. Mais si vous voulez, nous pourrons nous arrêter pour dormir. Ce n'est pas la peine. Plus vite vous serez chez votre oncle, mieux cela vaudra. Le pompiste ramena la clé. Alors, vous avez trouvé l'oncle quel oncle Celui de la petite. Au fait, c'était un vieux qui conduisait l'engin. Il est mort ou quoi Jonathan jeta un coup d'œil à Angine. Elle se désintéressait complètement de la conversation. La jupe relevée sur ses cuisses, elle s'amusait à faire naître sur sa peau des traces à coups d'ongles. Connaissez-vous la route de Lisieux Je l'avais indiquée à l'autre. C'est sur la droite, après l'arbre blanc. J'ai bien vu qu'il prenait à gauche. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire Jonathan paya. Le pompiste arrêta la circulation pour lui permettre de reprendre la route. Le jeune homme le remercia de la main. Ainsi vous êtes déjà venu jusque-là Angine haussa les épaules sans répondre. Depuis combien de temps êtes-vous à la recherche de votre oncle Elle sortit un calepin noir de sous sa jupe. C'est un véritable interrogatoire policier auquel vous me soumettez. Eh bien, soyez satisfait. Écoutez. Jeudi 12 janvier, le chancelier a dessiné mon portrait sur la buée qui recouvre le pare-brise. Tout à l'heure, au mois de juillet, on y mettra un cadre. Jeudi 13 janvier. Marche-t-on plus souvent dans les excréments chez soi ou dehors La semelle du chancelier sent mauvais. Il ne sait pas où cela lui est arrivé. Jeudi 14 janvier. Le chancelier a laissé échapper sa savonnette. Il n'y avait pas un seul poil dessus lorsqu'il l'a ramassée. Il a paru étonné. Jeudi 15 janvier. Le chancelier a réussi à conduire le camion pendant trois minutes les yeux fermés. Voilà, c'est tout pour janvier. 1er avril. Le marquis a renversé un cycliste. Le soir nous avons mangé du poisson pour le punir. 25 décembre. Le chancelier s'est blessé en gommant un document. Il s'est effacé le bout du pouce. Vendredi 1er janvier. Le chancelier m'a parlé de sa famille. Il a ri. Dimanche 12 juillet. Le chancelier a pleuré. Mardi 3 mars. En croisant un rouleau compresseur sur la route, le marquis a évoqué ses débuts. Il reconnaît que si on ne l'avait pas aidé, il ne serait arrivé à rien. Juin après-midi. Rien de ce que peut dire ou faire le chancelier ne m'intéresse. Je m'ennuie. C'est fini, j'ai sommeil. Jonathan donna un coup de volant. Les roues patinèrent dans le sable de la dune, mordirent sur l'herbe. Le camion franchit en cahotant une centaine de mètres, puis roula en douceur sur la grève qui réfléchissait l'image d'une baleine russe. L'endroit vous convient-il, princesse À merveille. En descendant, ils mouillèrent leurs chaussures. allons nous baigner," proposa angine. la mère lavera votre blue jean. moi je garde ma combinaison." ils pénétrèrent dans l'eau en courant. la petite fille nageait bien mieux que jonathan, qu'elle ne tarda pas à distancer. revenez, princesse," cria-t-il, alarmé. n'allez pas trop loin." elle riait sans répondre. il ne voyait plus d'elle qu'une tache rousse, animée par la houle. Renonçant à la poursuivre, il regagna le rivage désert et se laissa tomber à l'endroit où les vagues, à bout de force, venaient mourir l'écume aux lèvres. Son pantalon mouillé luisait comme du cuir verni. Au loin, la petite tache rousse clignotait. Soudain elle disparut. Il scruta la surface de l'eau, mais aucune couleur n'émergeait de sa monotonie. Il l'appela, puis se mit à nager vigoureusement vers le large. Une voix familière résonna parmi les cris des mouettes. Jonathan. Où courez vous? Angine était sur la plage. Elle riait à pleine gorge du bon tour qu'elle venait de jouer. Ils s'endormirent au soleil, si bien qu'ils étaient devenus plus roses que l'éléphant lorsqu'ils se réveillèrent. Angine courut chercher la machine à écrire. Je vais composer un tableau. Nous en garderons chacun un exemplaire comme souvenir, dit-elle en glissant une feuille de papier carbone entre deux pages blanches. Plus tard, vous penserez à moi en le regardant. Je suis très forte pour les tableaux. C'est fini, annonça-t-elle, après une heure de travail acharnée. Est-ce que c'est ressemblant? il cligne des yeux la feuille tendue à bout de bras ciel 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 mouette ciel 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 mouette mère 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 vague 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 écume 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 sable 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 varech sable varech sable 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 Sable, sable 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 j'en attends sable 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 éléphant Sable, 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 sable. C'est magnifique J'ignorais votre talent. J'ai abandonné la peinture à cause d'un critique d'art, ami de la couronne. Il était cultivé, honnête, mais il souffrait de l'indifférence que lui témoignaient les peintres. Aucun ne le prenait au sérieux. Il ne lisait jamais les articles qu'il leur consacrait, il ne l'invitait pas au vernissage, et s'il formait quelques projets de manifeste, il en était le dernier averti. Le jour de parution de la gazette, le critique d'art se rendait d'atelier en atelier pour recueillir des opinions sur ses chroniques. Hélas, personne ne les avait lues, personne ne voulait les lire. À la fin, le malheureux s'aigrit et devint méchant comme une teigne. Le croiriez-vous, pas un artiste ne changea d'attitude à son égard. Il se souciait fort peu de ces changements d'opinion. Le critique, désespéré, s'enfuit par les chemins, au volant d'un rouleau compresseur. Il appelait ça faire de l'antisculpture. « Je n'ai pas très bien compris le sens de votre anecdote. Comporte-t-elle une morale ?»« Plusieurs. Morale au singulier, c'est forcément immoral. D'ailleurs, il vous reste la littérature. »« Oui, mais... » Il faut écrire dans les passages cloutés pour ne pas se faire écraser par la critique. La plage commençait à se remplir. La princesse aspirait avec délice les relents d'huile à brunir. Dans une baraque en planche grise, elle se rassasia de beignets au miel. Mais ce n'est pas que j'aime les sucreries, mais je déteste être privé de dessert. Vous n'en voulez pas Jonathan refusa. En longeant la plage, ils atteignirent la terrasse d'un casino. Un groupe de musiciens en uniforme interprétait des rengaines d'autrefois. Le plus jeune d'entre eux devait être grand-père. Un serveur au visage creusé par les embruns guettait les consommateurs. Une rafale de vent plaqua contre sa jambe une feuille de journal, et il s'en débarrassa d'un geste auguste. Dansez-vous demanda Angine. J'en suis incapable. Je peux marcher en vous tenant par la taille si cela vous tente. Je veux bien. Le garçon les aborda. Il est interdit de danser, dit-il en rougissant de confusion. Nous ne possédons pas la licence. Nous ne dansons pas, répliqua Angine. Nous marchons. Le garçon se tordit les mains. Vous seriez gentil d'aller marcher ailleurs. Nous risquons une grosse amende. Le chef d'orchestre vint chuchoter à l'oreille de Jonathan. Attendez-nous au bout de la jetée. Nous vous rejoindrons. Effectivement, les musiciens leur offrirent un concert privé et le garçon, pour les remercier d'avoir été compréhensif, leur apporta deux citronnades payées par la maison. Cette nuit-là, ils dormirent sur la plage. Le lendemain, vers midi, ils pénétraient dans les yeux. En dépit des assertions de Kofi, les arbres étaient dépourvus de voile. Chapitre 21. La maison de l'oncle était une vaste bâtisse blanche ornée de céramiques et entourée d'arbres. Au-dessus de la porte, une pancarte rutilante indiquait Asile de vieillard de Lisieux. Allons bon, ce n'est pas pour nous faciliter les choses. Quel est le nom de votre oncle Mon père avait coutume de l'appeler Quinze ans. Quinze ans Oui, j'imagine qu'il a dû avoir quinze ans un jour. Quel est le nom de votre père Ce n'est pas courant d'air, n'est-ce pas Mon père s'appelait le roi, et moi je suis la princesse Angine. Jonathan plongea ses yeux dans ceux de la fillette. Nous n'aboutirons à rien si vous ne m'aidez pas. Je dois connaître le nom de votre oncle. Est-ce le frère de votre père Non, c'est le mari de ma tante. Elle, son nom, c'est tante. Mais elle a aussi des surnoms. Vous voulez dire que tante est son nom Ce n'est pas celui de mon oncle, hurla Angine. Comment s'appelle votre oncle Quinze ans. Jonathan n'insista pas. Il pressa l'index contre le bouton qui se trouvait à côté de la porte. Une série de trottinements parvint de l'intérieur. Un très vieil homme en chemise de nuit leur ouvrit. Vous désirez je voudrais parler au directeur. À quel sujet? Vous avez rendez vous? C'est personnel. Le vieillard disparut pour revenir quelques instants plus tard porteur d'un tabouret sur lequel il s'installa en soupirant. Excusez moi, à mon âge on se fatigue vite, la conversation risque de se prolonger. Vous disiez? Je voudrais voir le directeur. Le vieil homme approuva de la tête. Bien, très bien. Puis je vous charger d'une commission pour lui? De quelle sorte? Pourriez-vous le prévenir que la qualité de la nourriture laisse à désirer et que je suis en retard de trois paquets de cigarettes? Le pourriez-vous? Je vous en serais reconnaissant. Surtout si vous ne révélez pas qu'il s'agit de moi. Vous direz simplement, quelqu'un. Je ne pourrais pas agir autrement. Je ne sais même pas qui vous êtes. Comment peut-on joindre votre directeur? Comment? Tout le problème est là. Comment? 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 Le vieillard psalmodia. Comment? 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 Comment 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 Vous avez prononcé comment au lieu de comment observa Angine. Ce n'est pas vrai, sale petite fille, sale menteuse C'est une invention pour me faire punir par le directeur, hein Vous verrez ce que je vous ferai, moi. Furieux, le vieil homme prit son tabouret sous le bras, et c'est ce qui va. Entrons, dit Jonathan. Un autre vieillard, qui avait l'apparence d'une citrouille, les observait depuis la cage d'escalier. Pourrions-nous parler au directeur, s'il vous plaît, monsieur? lui demanda Jonathan. L'homme citrouille était, lui aussi, en chemise de nuit. Il se moucha dans un pan de son vêtement avant de répondre d'une voix enrhumée. De quel directeur s'agit il? Celui d'avant, celui de maintenant, celui d'après? Celui de maintenant. C'est moi. Quel est votre problème? J'aimerais apprendre si l'oncle de cette petite fille n'est pas un de vos pensionnaires. Le directeur examina attentivement Angine. Non, je ne pense pas, déclara t-il enfin. Ce qui est ennuyeux, enchaîna Jonathan, c'est que la petite ne se souvient plus du nom de son oncle. Pourriez-vous demander à vos pensionnaires s'il en est un qui soit l'oncle d'une petite fille nommée Angine Sans aucun doute, c'est possible. Mais voyez-vous, monsieur. Jonathan. Monsieur Jonathan, mes pensionnaires, comme vous le désirez, sont de vieilles gens. Leur temps est compté. Comme tel, il est précieux. Je ne puis prendre la responsabilité de mobiliser, ne serait-ce que quelques minutes, leur vie. Pour rien, peut-être. C'est une très grosse responsabilité. N'y a-t-il pas un moment où, pour une raison quelconque, ils se trouvent tous réunis Nous profiterions, dans ce cas, de l'occasion pour obtenir notre renseignement. » Le directeur se plongea dans des réflexions qui, à en juger par sa grimace, devaient être plutôt amères. « Non, ils ne sont jamais ensemble. Ils se détestent trop pour cela. Ils s'entreturaient, c'est sûr. Ce serait un carnage. Chacun est l'autre profondément de toute son âme. Les mettre en présence équivaudrait à autoriser un crime inqualifiable. » Jonathan caressa son visage mal rasé. La barbe crissa doucement. Puis-je consulter un registre comportant les noms et adresses antérieures des pensionnaires Certainement, mais le registre dont vous parlez ne se trouve pas en ma possession. C'est le directeur d'avant qui l'a volé. Il refuse de s'en séparer et dort en sa compagnie. Je lui permets de conserver le document qui, mon Dieu, ne possède qu'une valeur relative. Puis-je voir le directeur d'avant Suivez-moi. Il habite dans la cave. Le directeur conduisit ses visiteurs jusqu'à un escalier qui ressemblait à un trou, tant il était sombre et escarpé. Voilà, c'est au fond. Il y a une porte. Je ne vous accompagne pas car le pauvre homme n'éprouve aucune sympathie pour moi. C'est normal. Il m'en veut de lui avoir succédé comme j'en veux à celui qui me succédera. Venez me rendre compte du résultat de votre visite avant de partir. Je ne bouge pas. Angine et Jonathan s'engagèrent prudemment dans l'escalier. Au bout d'une centaine de marches, ils se trouvèrent devant une porte. Lorsque Jonathan frappa, un visage émacié apparut derrière un guichet. Vous êtes seul? Oui. Entrez vite. Le reclus s'empressa de remettre le verrou dès qu'ils furent entrés. C'est lui qui vous envoie? Le directeur de maintenant? Oui. Nous cherchons à obtenir un renseignement. Je désirais consulter certains registres. Il a eu le culot de prétendre que je l'avais volé. En réalité, c'est lui qui l'a perdu. Mais il a trop peur d'être destitué s'il avoue. Je n'ai pas ce registre, je l'ai déjà répété plus de mille fois, et je continuerai tant qu'il me restera un souffle de vie entre les lèvres. Connaissez-vous les hôtes de cette maison? Oui, cela n'a rien d'agréable d'ailleurs. Ils sont moins d'une quinzaine. Nous avons eu beaucoup de grippe ces temps-ci. Je cherche l'oncle de cette petite fille, expliqua patiemment Jonathan. Elle ignore son nom. Quelqu'un n'a-t-il jamais mentionné devant vous sa nièce Angine? Non, jamais. Quelqu'un a-t-il évoqué une princesse, un roi, un chancelier? Le marquis des vitamines Le vieillard secouait la tête en répétant son éternel Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici La pancarte a l'air toute neuve. Depuis une semaine. Avant, nous étions place du chasseur. Jonathan serra la main de l'ancien directeur et poussa Angine devant lui dans l'escalier. L'homme citrouille les attendait à sa place favorite. Avez-vous eu votre renseignement Pouvez-vous me fournir l'adresse de l'homme qui habitait la maison avant votre installation Le docteur Pacuf c'est un médecin Je crois, un spécialiste. C'est un homme bizarre. Je n'en ai jamais su très long sur lui. Il a vendu sa maison pour aller s'installer à Lourdan, près de Lourdes. Je ne peux rien vous dire de plus. Jonathan remercia. Avant de franchir le seuil, il posa une ultime question. Où se trouve le directeur d'après En vacances, chez sa nourrice, répondit l'homme citrouille en reniflant. Si vous avez un message à lui transmettre, confiez-le-moi, je lui ferai parvenir. Après être sortis de l'asile de vieillard, Jonathan et la princesse se rendirent chez le plus proche antiquaire. Celui-ci leur remit cinq billets de banque en échange d'un service à café en porcelaine du Pierre goût. Une assez bonne affaire, somme toute. Chapitre 22 Le camion filait vers Lourdan. Les rares voitures qui circulaient sur la route étaient presque invisibles dans le crépuscule. Le chancelier possédait un nez, deux pieds, une bouche. La petite fille se tut, puis reprit. Il avait aussi deux yeux et deux mains. C'était un homme tout à fait complet. Une fois, mon frère a voulu lui ouvrir un abcès. Il a refusé car il en avait déjà un. Jonathan ouvrit la bouche. Le rire d'Angine fusa. Vous ne vous doutiez pas que j'avais un frère. Son nom commence par un prénom. Où est-il À la guerre. C'est le soldat le plus courageux du monde. Il a renvoyé son casque et son fusil au palais. Il se bat main nue, main pleine, d'une main, de l'autre, sans les pieds petit rouleau, grand rouleau et le reste. Il a toujours été intrépide. Petit déjà, il accompagnait ma grand-mère au jardin. Il y avait tant de serpents qu'elle leur coupait la tête avec les ciseaux d'argent. Mon frère ramassait les têtes pour assaisonner le potage. Elle demeura un moment absorbée par ses pensées. Bien entendu, vous ne m'imaginiez pas capable d'avoir un frère ni des amis. Vous étiez trop fier d'être le seul à vous occuper de moi. Manque de chance, je possède une multitude d'amis. Où habite-t-il Au royaume de mon père. Ils viendront pour les vacances la nuit était tombée lorsqu'il parvint à lourdan c'était une petite bourgade composée de maisons obscures les seules lumières provenaient des volets de l'auberge de l'ascensu il fallut pourtant frapper longuement avant qu'on ne consentît à leur ouvrir la salle était vaste et enfumée quelques buveurs de bière figés par la curiosité retenaient leur souffle le plafond était orné de couronnes d'ail on entendait les papillons de nuit se cogner aux lampes pouvons-nous encore manger demanda jonathan dans le silence je peux vous préparer une omelette au lard, proposa l'aubergiste. Il y a aussi du fromage et de la tomme. » Les nouveaux venus s'installèrent à une table libre. Peu à peu, l'animation reprit autour d'eux. Savez-vous où demeure le docteur Pacuf s'enquit Jonathan, tandis que l'aubergiste posait un pichet de cidre devant lui. Les conversations s'éteignirent instantanément. La main de l'aubergiste renversa le cidre qui se mit à mousser. Pourquoi posez-vous cette question Qu'avez-vous à voir avec lui c'est le laryngologue du diable. Si je vous donnais son adresse, vous me maudiriez plus tard pour l'avoir fait. Je ne vous maudirai pas, je dois le consulter. Ce n'est pas un homme, monsieur, c'est un démon. Les vaches n'en finissent pas de crever dans le pays depuis qu'il est là. Toutes les nuits, les chiens hurlent à la mort. La maison du maire s'est écroulée. La femme de l'instituteur a fait une fausse couche. Plusieurs consommateurs crachèrent sur le sol, d'autres se signèrent. Il n'y est peut-être pour rien, risqua Jonathan. Peut-être, fit l'aubergiste. Sa maison est la dernière du village. Vous ne pouvez pas vous tromper, elle ressemble à un château fort. Il alla préparer les omelettes. Après une nuit passée à l'auberge, Angine et Jonathan se rendirent chez le docteur Pacuf, spécialiste en laryngologie. Celui-ci les reçut en personne. Il avait un aspect effrayant, avec ses yeux noirs, sa maigreur exagérée et sa couronne de cheveux gris hérissée dans tous les sens. L'homme s'appuyait sur un bâton d'une espèce très particulière. C'est le fusil à la main que le docteur Pacuf accueillait ses visiteurs. Qui êtes-vous aboya t il Avez-vous pris rendez-vous Je me nomme Jonathan et voici Angine, votre nièce. Allez-vous-en Je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez. Pouvons-nous avoir un entretien, docteur J'aimerais vous expliquer la situation. Le docteur grogna, hésita, puis finit par accepter. Bon, alors faites vite. Je vous préviens que je n'ai pas de temps à perdre. Le salon était encombré d'anciennes planches d'anatomie, de monstres empaillés, d'insectes emprisonnés dans des blocs de plastique transparents. Asseyez-vous. Proposa le docteur Pacuf, devenu un peu plus aimable. Je prends mes précautions, expliqua-t-il en montrant son fusil. Les paysans sont surexcités. Ils m'accusent de tous les accidents survenus à 100 km à la ronde. De quel nom ridicule cette petite fille est-elle affublée Angine. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de son véritable nom. Avez-vous entendu parler d'un homme appelé Vitamine Le docteur haussa les épaules. C'est une plaisanterie. Je ne connais que des gens malades, possédant des noms normaux. Vous habitiez bien Lisieux avant de vous installer ici. C'est exact. N'avez-vous pas de famille Le docteur secoua la tête. Pas que je sache. Jonathan avala sa salive. Ne possédez-vous pas un roi, un chancelier, une princesse parmi vos relations Le docteur éclata. Vous êtes fou, mon garçon C'est pour me débiter de pareilles sornettes que vous abusez de mon temps Parlez clairement ou sortez Je vais tout vous expliquer. Lorsque Jonathan eut terminé, le docteur Pacuf demeura songeur. Vous avez parcouru tout ce chemin pour me rejoindre? pour vous apercevoir qu'en fin de compte tout cela était pure invention, produit de l'imagination déréglée d'une petite mythomane et d'un vieil ivrogne? Angine commença de sangloter à petits coups, recoquevillée dans son fauteuil. Qu'allez vous faire de la petite? poursuivit le docteur. Elle est seule maintenant, sans famille, sans argent. Il y a le trésor, rappela Jonathan. L'homme haussa les épaules avec impatience. Baliverne. Les frères Barbe. L'enlèvement. Des bandits naïfs trompés par les bavardages du vieux. Du reste, ils n'ont rien trouvé. Non. Croyez moi, il n'y a pas un mot de vrai dans toute cette histoire. Vous avez été troublé par la personnalité d'une petite fille désaxée. Le docteur alla chercher une bouteille de cognac et de verre. J'ai peut-être été un peu brusque avec vous tout à l'heure. Il ne faut pas m'en garder rancune. Je suis énervé par l'ambiance du village et les stupides racontards de ces ignorants. Votre histoire m'intéresse. Ils burent une gorgée d'alcool. Angine pleurait toujours et Jonathan lui passa la main dans les cheveux, mais elle se dégagea. Il faudrait retrouver sa véritable identité, apprendre d'où elle vient. La police s'en chargera. En cas d'échec, une institution spécialisée pourra toujours s'occuper d'elle. Il existe des établissements conçus tout exprès pour ce genre d'enfant. Il ne sera pas facile de la ramener à une existence normale. Vous avez déjà fait plus que votre possible. Je me sens un peu responsable de vous décevoir. Je puis vous aider à entreprendre des démarches. Jonathan alluma une cigarette. Vous pourriez vous en occuper, docteur? C'est la moindre des choses. Je vais immédiatement téléphoner à un ami. Il m'indiquera la marche à suivre. Je reviens tout de suite. Il passa dans la pièce voisine. Venez, princesse, chuchota Jonathan. Ils allèrent sur la pointe des pieds jusqu'à la porte d'entrée qu'ils refermèrent sans bruit derrière eux. Ils grimpèrent dans l'éléphant. Il téléphonait sûrement à Gugine, fit Jonathan. Elle va lui grignoter l'oreille quand elle saura qu'il nous a laissé échapper. Angine essuya ses yeux rouges. Vous n'y connaissez rien. C'est le nez dont elle raffole. Elle déteste les oreilles. Mettons que je n'ai rien dit. Chapitre 23 Plus vite, plus vite, Jonathan L'éléphant était lancé à la vitesse d'un bolide sur l'autoroute qui s'étranglait vers l'horizon. Le vent chantait dans les vitres. Nous aurons une maison au bord de la mer. Et trois bateaux, princesse. L'un à moteur, l'autre à voile, le troisième à rame. Et des milliers de domestiques et des machines à écrire en or massif. Plusieurs jeunes gens à bord d'une voiture de sport les saluèrent en riant. Nous aurons les mêmes maladies, Jonathan. Je vous soignerai comme une mère, car je les attraperai plus tard. Je passerai ma main fraîche sur votre front brûlant. Quand nous aurons besoin d'argent, nous le volerons. Et au diable le trésor. Nous n'aurons que le strict minimum, plus quelques cadeaux. Mais pas de trésor. C'est vrai. Qu'il aille au diable. Je me moque des lettres et des petites cuillères, des disques et des soucoupes, des commodes et des armoires. Des chèvres et des choux, des cartes postales et des objets magiques, de la lessive et des appareils électriques. Vous serez encore plus belle. Vous m'attendrez pour m'épouser. Vous vous dépêcherez d'avoir mon âge. Vous n'aurez jamais de cheveux blancs. Vous n'aurez jamais mal aux dents. Votre vue ne baissera pas. Vous n'aurez pas d'acné. Personne ne vous fera honte. Vous n'aurez pas besoin de corset. Vous ne vous essoufflerez pas en montant les escaliers. Angine s'assombrit brusquement. Désirez-vous une cigarette Je veux bien. Merci. Quand il jeta son mégot, la petite fille prononça d'une voix altérée Comme la réalité est horrible, Jonathan Vous avez trop fumé, vous êtes de plus en plus enroué, votre gorge n'est plus qu'un trou noir, vos mains battent l'air, vous suffoquez Pauvre Jonathan Ses sanglots étaient d'une telle violence qu'elle ne parvenait pas à reprendre son souffle. Un filet de salive pendait à son menton. Elle agrippa le volant et le tourna de toutes ses forces. Le camion escalada le remblai de béton, défonça une barrière, dévala une pente pour venir s'écraser contre un pylône qui ploya sous le choc. Jonathan avait été projeté dans l'herbe. Il se releva péniblement. Le sang ruisselait de son front. Il l'essuya à sa manche. Là-bas, l'éléphant n'était plus qu'un amas de débris. Un peu partout, les objets magiques du trésor royal jonchaient l'herbe. Des papiers achevaient de retomber en planant. Une brèche noire s'était ouverte sur le flanc de l'animal au milieu de l'inscription. Rien ne vaut le ton à l'huile. Comme issu d'une gigantesque tirelire, un flot de pièces d'or avait recouvert le sol. Une chevelure rouge en émergeait. Des gens accouraient, s'attroupaient, s'exclamaient. Il y a une petite fille. Elle est morte. Et tout cet or. Comme c'est triste. Il y avait tant de monde maintenant que la foule masquait les restes du camion. Jonathan baissa les yeux. Une pièce avait roulé jusqu'à ses pieds. Il se baissa pour la ramasser, mais elle s'effrita entre ses doigts.